La maladie, elle est mambo, la manie. Mambo, mambo, le décalco. C'est génial. Les paroles sont géniales, les paroles sont fantastiques. Merci Richard, on t'arrête là. On t'arrête là. Salut à tous, c'est Karim Debache, je suis complètement à l'arrache. Les paroles sont fantastiques hein, quand même de cette chanson. On le dit pas assez souvent, mais je vous les lis un petit peu parce que c'est assez génial. Il n'est pas à ce qu'on dit de docteur qui guérit la mambo maladie du décalcomanie. Elle m'a pris tout petit haut dans l'eau du lavabo, la maladie mambo, la manie décalco. Mambo, elle est mambo la maladie, elle est mambo la manie. Mambo, mambo la décalco. Mambo, mambo la décalcomanie. Une notice au dos, c'est le mode d'emploi, laisser tremper dans l'eau et compter jusqu'à 3. Sur un support bien lisse, ça devient un réflexe, on maintient de l'index et du pouce, on coulisse. N'importe quoi, c'est super. Ça va bien, tranquille. Alors, je vous raconte un petit peu, j'étais au cinéma, c'est pour ça que je suis complètement à l'arrache. J'avais prévu de revenir plus tôt, mais alors, visiblement, on est dans un monde où quand tu vas voir un film, il y a 257 heures de bande-annonce, et par conséquent, je suis sorti un peu plus tard que ce que j'imaginais, ce qui fait que j'ai été un peu en retard. Merci à toi, Anastasia Blaze, pour ton fantastique sub qui fait plaisir. Mais alors, du coup, oui, je sors d'Avatar 2, c'était trop bien. J'ai kiffé Avatar 2, je suis trop content, je suis refait. Non, je suis très, très, très satisfait par le spectacle auquel je viens d'assister. Plein de choses se sont passées dans ce film. Ça a coûté beaucoup d'argent, visiblement, hein, quand même. Ils se sont pas emmerdés. Techniquement, c'est complètement ouf. C'est super classe. Et puis même, enfin, tout est cool. C'est cool. Et c'est vrai que devant le film, et je vais pas faire de critique d'Avatar ce soir, parce que ça me prendrait beaucoup plus de temps que quelques minutes juste à chaud en sortant du film. Mais c'est vrai que pendant tout le film, je me disais, putain, c'est cool. Ils sont pas tout le temps en train de faire des blagues et en train de m'expliquer que, hey, t'as vu comment c'est cool Dragon Ball Z? Donc c'est cool. Donc c'est vraiment cool. On dirait un vrai film. Vous savez, un film qui raconte des histoires de personnages qui vivent des trucs avec des sentiments dedans, des moments tristes, des moments un peu plus heureux, des personnages qui vivent. Et c'est vrai que c'est très surprenant, du coup. C'est très surprenant. On se croirait revenu dans des temps immémoriaux où les personnages existaient, où les choses avaient du sens et où ça mettait en scène des vrais spectacles de divertissement. Quoi, c'est fou, hein. Mais ça m'a vraiment surpris. Genre, je me suis dit, putain, il n'y a pas cette espèce de dérision pourrie. C'est-à-dire qu'on dirait un film qui n'est pas fait par un mec qui a envie de me faire comprendre qu'il est cool. Ça, c'est très rare. Donc, ne serait-ce que pour ça, Avatar 2, c'était super cool. Voilà. Donc, trop heureuse. Je suis dans les 1% viewers de Karim. Écoute, je te fais des gros bisous. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais sache que je t'aime. Tu es peut-être pas dans les 1% viewers de qui que ce soit, mais tu es dans les 1% de mon cœur qui bat. Merci à toi, Camouflage Caca, pour ton fantastique sub qui fait plaisir, où tu me dis, de toute façon, je t'aime plus. Bah voilà. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit boomer talk, ça, attention. Non, oui, non, mais pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai du mal avec ce truc de ouais, c'est vieux et tout, parce que ce que je demande, c'est précisément à ce que le cinéma ne ressemble pas à celui des années 80, en fait. Mais c'est le paradoxe en fait du truc où j'aimerais bien que le cinéma ressemble en fait à un cinéma des années 2020. Ça pourrait être intéressant peut-être. Et du coup, les gens qui sont à l'inverse de ça aimeraient finalement que le cinéma fasse référence aux années 80 systématiquement, alors que moi j'aimerais qu'on s'en détache en fait. Merci beaucoup à toi, bas du cul, pour le sub qui fait plaisir. Voilà, tout ça pour dire, Gilles a envie de débrief le film avec toi. Oui, bah c'est avec grand plaisir qu'on va faire ça. On fait ça genre en intro avant de lancer le jeu. Alors je vous explique quand même. Donc du coup, je reviens du cinéma, donc je suis arrivé au cinéma, j'ai immédiatement allumé mon ordinateur, j'ai immédiatement lancé le jeu pour voir s'il fonctionnait. Donc je suis complètement encore dans le speed de Avatar. Mais du coup, on va jouer ce soir à un jeu qui n'a strictement rien à voir avec Avatar, qui s'appelle The Devil in Me, qui est la dernière production des Dark Pictures en anthologie, qui est un jeu développé par une boîte qui s'appelle Supermassive Game, et je remercie Bandai Namco aussi, puisque c'est Bandai Namco qui sont les éditeurs du jeu, qui nous ont envoyé des clés à Gilles et moi. Ce n'est pas une OP, mais on a eu les clés parce qu'on est sympathique. Et alors, ce qui est cool, c'est que du coup, ça va être un film interactif, donc super, on est tout à fait dans la thématique cool de j'aime bien les films. On va pouvoir parler du coup de cinéma et du rapport entre le cinéma et le jeu vidéo encore, ce sera une occasion pour le faire. J'avais déjà fait The Quarry en intégralité, c'est rare que je fasse un jeu en entier, j'avais fait The Quarry en intégralité, qui était aussi une production Supermassive Game, même si ça n'appartenait pas à la Dark Picture Anthology. Là on va pouvoir parler de ça de façon très sympathique, et en plus de ça, c'est un truc d'horreur, donc c'est encore plus sympa. Enfin, c'est encore plus sympa, pas forcément, mais c'est juste, ça m'intéresse en fait. Donc ça va être très bien de faire ça. Et ce qui est cool dans ce jeu là c'est que apparemment il est très propice à être un jeu multijoueur. C'est pour ça que d'où la présence de Gilles Stella et moi ensemble pour faire ce jeu. Je vais essayer de voir si on peut le terminer, carrément. Enfin, pas aujourd'hui, mais le faire en entier. Ça peut être intéressant comme jeu, parce que c'est un film interactif, j'imagine par conséquent que la durée de vie n'est pas très conséquente. Et en plus, le faire à deux avec mon ami Gilles Stella,
Marcel avait parlé cinéma pendant tout ce temps-là. Ça peut être vraiment, vraiment chouettos. Voilà, tu me dis quoi, MDR, Monsieur Rose ? Salut Karim et la commu, les modos, tout ça. Ouais, salut tout le monde, je vous aime très fort. Donc, je pense on va contacter Gistella immédiatement. On va peut-être commencer par parler d'Avatar, parce que lui aussi l'a vu ce matin, dans des endroits complètement différents. Mais on peut parler un petit peu d'Avatar avant de... Il me dit, parle pas cinéma, viens et on discute ensemble. Je te connais, coquinou, me dit-il. Ok, très bien. Il a vu clair dans mon jeu. Je vais immédiatement ouvrir la parole à Gistella. Gistella. Perturbant. Oui, Gistella, oui, qui nous dit Karim. Perturbant, qui nous tout simplement. Comment ça va ? Absolument. Comment tu vas ? Écoute, ça va pas. Très bien. Comme je le disais, je sors d'Avatar, donc moi ça va très bien quand je sors d'Avatar. C'est rare. La dernière fois, c'était il y a 13-14 ans. Il y a 13 ans. Décembre 2009. Ah oui. Putain, c'est fou. C'est fou. Et à chaque fois que je vais voir Avatar en 3D, je me retrouve dans une salle de cinéma où je suis excentré sur le côté. Ça, je me souviens que c'était le cas pour Avatar. Moi, j'étais au troisième rang, pile au centre. Oui. C'était parfait. Pour la 3D, c'est idéal. L'idéal. J'ai passé un très bon moment. C'est ce que je disais juste vite fait là, avant que tu arrives. Oui. J'ai mis un tout petit peu de temps à rentrer dans le film parce que la technique du HFR m'a... Ouais. C'est perturbant, c'est-à-dire que c'est pas du tout une habitude que tu peux avoir quand tu vas au cinéma. Mm-hmm. Par contre, j'ai trouvé, et puis techniquement le film est complètement fou, donc c'est vrai qu'au début tu t'arrêtes sur des plans, tu fais mais c'est fou, c'est des vraies images. Ouais. C'est super cool. Dans les textures et tout, moi c'est vrai que la première heure, j'étais vraiment dans un truc un peu mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Ouais. Et quand je suis rentré dans le spectacle et que j'ai fini par rentrer vraiment au cœur du truc, je me suis laissé embarquer. Les deux dernières heures, elles sont passées à une allure complètement folle. Bah écoute, je partage ton avis. Alors attends, avant de commencer par Avatar, je vais remercier Wade Wilson Jr. Mais je le fais avec toi parce qu'il me dit coucou Karim, un petit message pour te dire que j'aime vraiment beaucoup tes streams. Ça c'est très gentil. Mais il me dit aussi qu'il a pris une baffe absolue devant RRR ce week-end avec sa copine. Gros bisous. Et bah écoute, je t'embrasse très fort déjà. Et oui, c'est génial RRR. Voilà, c'était juste pour dire ça parce que ça parle de cinéma. Donc je me suis dit, j'évoque aussi ce film fantastique. RRR, c'est peut-être le meilleur divertissement de l'année avec Avatar 2, voilà, comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder ces deux films-là. Et ouais, moi pareil. Mais alors, en fait, le début du film, j'étais pas inquiet parce que je savais que ça allait pas être ça. Mais le début du film, je me dis, c'est un petit peu trop proche du premier. Et finalement, c'est pas le tout début du film, mais pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce que t'avais envie de voir, ouais. Non, c'était pas. Il y a du coup moins au départ, évidemment, le côté parce que c'est la suite un peu directe du truc, quoi. Il y a moins le côté un peu découvert d'univers, un petit peu que dans le reste. Mais par contre, à partir du moment, et on va pas spoiler ce qui se passe dans le film parce que ce serait. Non, on spoile rien, mais effectivement. Dès lors que le film commence, qui bouge de l'endroit où se passe le 1. Voilà, mais on peut dire, parce que ça s'appelle Way of the Water, et à un moment, ils vont dans l'eau. Ils vont dans l'eau à un moment, et beaucoup de choses se passent. Il y a Ateraki, ce bon vieux Charles qui est gros bisous à toi, Charles, j'espère que tu vas bien. Mais ouais, à partir du moment où ils se retrouvent dans l'eau, c'est absolument magique, et tout à fait magistral, et sublime, et somptueux. Et je pense, il faudrait un jour, déjà, ça m'a donné envie de revoir plein de films de James Cameron, et il faut absolument que je réfléchisse à l'importance de l'eau dans la filmographie de James Cameron, qui est quand même sa thématique. Il y a au moins trois films qui sont très très présents. Oui, Abyss et Titanic, mais même au-delà de ça, moi, c'est Piranha 2 aussi. C'est fou, hein. James Cameron et l'eau, c'est un truc, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'y ai jamais vraiment. Ouais. Enfin, je l'ai. C'est un aquaphile. C'est un aquaphile. Je m'en suis toujours rendu compte parce que même après Titanic, il faisait plein de trucs, mais j'ai jamais posé. J'ai jamais réfléchi à ce sujet-là. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir sur le rapport de James Cameron à l'eau. C'est d'ailleurs lui qui a. Il a toujours le record du monde de descente en profondeur. Ah, je sais plus. Je sais pas s'il l'a encore. C'était lui qui, en 2012-2013, il était descendu avec un petit sous-marin. Ouais. Et il avait battu le record du monde. Et du coup, c'était le mec qui avait battu le record du monde du nombre d'entrées au cinéma et qui avait battu le record du monde de la plus grande descente dans l'eau. Dans l'eau. C'est cool. Mais il y a des liens. Il y a vraiment des trucs à gratter à ce sujet-là, quoi. Au-delà de Titanic, toi, il y a eu aussi une... Il a aussi une fascination pour les profondeurs du Titanic parce qu'il est allé filmer pour le film, même il a fait après un documentaire, Le Fantôme du Titanic, je crois. Bien sûr, oui, Le Fantôme du Titanic. Où il est retourné filmer avec des caméras spéciales. Et il y a aussi un truc de Cameron, et c'est quand tu vois Avatar 2, tu te dis évidemment, c'est que c'est toujours un... Il repousse toujours la technique pour raconter des histoires. Et là, et en fait, moi, j'ai pensé, tu vois, parce que c'est vrai que dans Abyss, il y a cette espèce d'extraterrestre en eau. En là, eau, ouais, bien sûr. Et qui était une sorte de révolution absolue à l'époque, de réussir à faire de l'eau en image de synthèse et tout. Et en fait, je pensais à ça, tu vois, quand il y avait des millions de mètres cubes d'eau numérique dans Avatar 2. Mm. Et je pensais au fait que le premier mètre cube d'eau numérique, en fait, c'était grâce à...
Grâce à James. Grâce à James Cameron. Mais moi, tu sais que même dans, cool, le, dans le 1, dans Avatar 1, je veux dire, j'étais halluciné par la qualité du rendu de l'eau dans Avatar 1. Il faut revoir, c'est les vagues et tout. Enfin, je trouve que c'est magnifique. C'est déjà flou, mais là, par contre, il y a un gap qui est passé. Et puis, c'est incroyable. Au-delà du rendu de l'eau, c'est-à-dire les textures de l'eau sur la peau, tout, les reflets. Enfin, c'est magnifique. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Rien que la technique, ça vaut le coup, même si vous n'aimez pas trop l'histoire d'Avatar et tout. Moi, j'avoue que. La DA d'Avatar, c'est pas le truc dont je suis le plus fan, tu vois, la gueule des navis et tout, mais ouais. À part ça, quoi, je trouve que l'univers qu'il a réussi à créer. Mmh. Et puis il y a un truc méticuleux aussi, c'est-à-dire que tu vois, le sous-marin, tu as l'impression que tu pourrais sortir le mode d'emploi, quoi. Tous les objets, tous les trucs sont vraiment vivants. Et puis, mais même, il prend le temps en fait de te montrer les choses. Tu vois, quand tu arrives dans cet univers de l'eau, du coup, tu as vraiment l'idée de. Il va te décrire un univers vraiment pour de vrai, comme ça se fait plus trop. Genre, c'est vrai que je l'ai vu avec Fred et Seb et Nico de mes collègues de Joueurs du Grenier et ma chère étendre. Mais du coup, c'est vrai que Fred me disait, putain, ça fait plaisir parce que du coup, effectivement, quand il te présente cet univers-là, il prend le temps de te le présenter alors que dans un autre blockbuster actuel, ça aurait été expédié en trois coups de cuillère à peau avec un montage un petit peu avec de la musique. Là et tout, là ça te montre vraiment dans les mecs ils apprennent à nager et tout. C'est cool d'avoir des films aussi qui sont un peu au-delà du côté contemplatif, qui sont un peu aussi descriptifs d'un univers, quoi. C'est cool, tu sens qu'il aime vraiment ce monde là en fait. C'est vrai que c'est le souci des comme les gros blockbusters qu'on a eu ces dernières années sont des suites et des remakes. Globalement, en fait, les univers on les connaît en fait, donc on n'a pas besoin de te les montrer pendant un quart d'heure. Et moi, c'est un des trucs que je suis dans. Je sais que Ready Player One est plutôt critiqué sur pas mal de points, mais je trouve que l'intro de Ready Player One est très très efficace pour ça. Parce que en une dizaine de minutes, il arrive à te montrer l'univers dans lequel tu vas évoluer, les personnages, et tout ça de façon très organique. Et ça, c'est des choses qui me plaisent au cinéma aussi, toi, être embarqué dans un univers et qu'on te montre effectivement son fonctionnement, ses codes, la façon dont on va évoluer là-dedans, ça, je trouve que c'est trop cool. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Avatar 2. Ce serait cool que ça bite pas, quoi. Parce que, par coup, il y a vraiment. Je pense que c'est mal parti. Enfin, non, ça va pas bider. Pas bider. Non, mais ce serait cool que ça rentre dans ses frais vraiment et que moi, j'ai envie de voir plus de films comme ça, en fait. Parce que là, j'ai vraiment l'impression. Alors que c'est une suite, hein, vous voulez me dire, mais t'as vraiment l'impression découvrir un nouvel univers de fantasy qui est hyper riche, hyper foisonnant, où tout est super appliqué, et là tu vois, t'as pas ce côté métatextuel qui vient te pourrir le film tout le temps, t'as pas systématiquement des retours au réel pour te dire ah ouais non mais je sais que tu es assis sur un siège de cinéma, t'as pas tous ces trucs là, t'as vraiment des vrais personnages quoi, et du coup ils sont super vivants, genre t'as tous les alors je spoil pas ce qui se passe, mais c'est vrai que tous les personnages ils ont leurs particularités, ils ont des enjeux, parfois c'est un peu classique aussi, mais c'est tellement c'est généreux, c'est bien fait et tout. Et il y a un truc aussi qui est inhérent souvent au cinéma de Cameron, mais je trouve en fait il y a un truc assez presque sensuel, en fait, un truc du toucher, tu vois, qui est toujours sensible. Été là dans le cinéma de Cameron. Ouais, plus sensible, mais tu vois, par exemple, dans le Titanic, il y a ce moment où Rose DeWitt Buketer, on resserre son corset, et en fait, ça veut dire plein de choses, ça veut dire l'oppression de tout un système. Et toi, dans Terminator 2, il y a le moment où on lui enlève les balles dans le dos, plus le moment de la peau qui s'enlève du robot. Et là, il y a énormément de trucs sur le peau, sur le toucher, sur le tactile, qui est très en lien avec le lien avec la nature, avec presque le thème principal d'Avatar, qui va être d'être en lien avec les êtres humains, avec la nature, tout ça. Et je trouve qu'il y a énormément de plans vraiment magnifiques sur les mains. Un truc très Cameron a souvent je trouve que c'est très joli plan qui vont vraiment de l'action, mais un truc très sensible dans ce film. Oui, il y a visiblement aussi beaucoup d'applications sur la façon dont sont montrés à la fois les décors, mais aussi même les textures de peau et de chair, les poils et tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de détails. Ça rend vraiment. Il y a un truc qui dégage de ça qui est fou parce qu'en fait, c'est une des premières fois où vraiment avec des personnages créés en images de synthèse, j'ai l'impression d'avoir autant de connexions en les regardant, quoi. C'est assez dingue. Ouais. Oui, c'est absolument magnifique. Et puis tous les acteurs sont super cool. Et puis, enfin, je sais pas, tu vois, c'est cool. Et il y a ce côté, mais parce que les gens disent oui, mais Avatar le 1, c'était quand même super classique en termes de scénar. Mais en vrai, tous les scénars, c'est un peu, enfin, tu vois, c'est juste des relectures des mêmes mythes. Et là, au moins, ça assume le fait que c'est assez classique. C'est aussi Cameron pour ça. Oui, lui, Cameron, il assume aussi de faire des relectures de mythes, quoi. Oui, oui.
Et ça va, oui, c'est effectivement, c'est pas original en termes de façon dont l'histoire est racontée, mais c'est pas grave, c'est pas le cœur du truc, parce que oui, cette connexion à la nature aussi, elle est transversale. Enfin, c'est des thématiques que tu retrouves dans plein de trucs. C'est juste que là, il y a une façon vraiment assumée de te plonger dans un univers. Enfin, ça rappelle un petit peu ce qu'est vraiment le cinéma de divertissement aussi, quoi. Ça te remet dans ce truc-là que oui, on ouvre une porte vers un autre univers qui est hyper riche, hyper travaillé. Et puis c'est vrai que, là, c'est tout le monde travaille bien sur ces films-là, quoi. Parce que là, les effets spéciaux sont super, le son est super, tout est. Enfin, c'est hyper beau, quoi. C'était trop. Moi, j'étais plongé dans cet univers-là. Quand ça s'est terminé, pourtant, ça dure longtemps. Je sais pas combien de temps dure le film. 3h15, je crois. 3h15. Ouais, c'est passé hyper vite pour moi. C'est genre, j'étais trop content à la fin du film. Je me disais, putain, j'ai hâte de voir le 3 déjà, quoi. J'ai hâte de voir le 3. Alors, est-ce que le 3, ça va être le temple du feu? C'est ce que disait Fred en sortant du truc. C'est possible. Est-ce qu'ils vont évoluer comme ça? Et à la fin, ils doivent battre Ganon. Peut-être, je sais pas, quoi. Mais non, c'est possible. C'était super. Et là, il est vraiment. C'est super, quoi. Alors, le seul truc, c'est effectivement, il y a quelques thématiques qui sont peut-être un peu trop communes avec le premier. Mais en même temps, je considère que, étant donné le nombre d'années conséquentes qui séparent le premier et le deuxième, il a dû se dire, bon, bah, il faut remettre un petit peu, reposer les thématiques globales de l'univers, quoi. Mais non, c'est trop bien. Il y a des créatures qui sont magnifiques. Il y a tout un. Bah, du coup, je vais pas spoiler les créatures en question. Mais il y a des créatures, notamment, qui ont une importance conséquente dans le récit et qui sont sublimes, quoi. Ouais, le bestiaire de l'océan, ils sont incroyables. Ah, et ouais. En plus, il y a vraiment une connexion, enfin il y a un truc dans l'histoire qui est lié à ces bêtes, qui est vraiment trop malin, enfin c'est incroyable. Incroyable. Est-ce que ça te dit si on commence le jeu, parce que j'aimerais bien qu'on termine pas trop tard le live, genre vers 21h. Tout à fait, on peut faire ça. Attends, je mets le jeu. On peut commencer et on aura le temps d'avancer un petit peu. Le diable en moi, donc le diable dans mon corps. Voilà, alors c'est Dark Picture Anthology, du coup j'ai introduit vite fait ce qu'était le jeu. C'est un jeu vidéo, je vais remettre le son du jeu, peut-être ça peut être utile pour les gens quand même. Hop, tac, 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 ça marche? Hop là, est-ce qu'on voit bien? On voit bien, il y a Archimède Kebab, il y a Gilles Stella. On est à l'hôtel de l'exposition universelle, j'ai l'impression. À l'hôtel de l'exposition universelle, putain t'as réussi à trouver ça dedans. Ça doit être le début du jeu, en fait. Non, c'est la localisation où on est indiqué, je pense. Donc ça doit être le premier chapitre où. D'accord. Moi, je vois rien écrit du tout. En fait, il faut que parce que du coup, faut que je lance la nouvelle histoire, c'est ça. J'imagine. J'imagine si je fais A, lancer le jeu, création de session en cours. Attends. Alors là, je peux toujours les petits problèmes techniques qui font Jeff plaisir. J'espère que ça lag pas chez Marie. Vous. Chez moi, le jeu ne lag pas. Mais alors, Gilles Stella est en train de configurer le jeu et effectivement, ça nous indique que c'est un hôtel de l'exposition universelle. Donc, une histoire qui. Mais ça se passera quoi au début? Tu préfères jouer avec Marie ou avec Jeff? Je m'en fous complètement. Prends ton perso préféré. Ok, bah Jeff, mon papa s'appelait Jean-François. Alors, je vais démarrer avec Jeff. The Devil Enemy, Satan m'habite, évidemment, Suffren. Là, la blague était évidente. <C'est ça. rire> Je suis très heureux de Donc que tu l'aies fait avant moi, tu vois. J'ai mis que j'étais prêt. J'ai aussi mis qu'on était en squad, en escouade. Est-ce que tu as validé l'invitation? Oui, j'ai validé ton invitation de squad stream. Je lance le squad stream. Parce que je crois que. Alors, je crois que là, c'est un. Alors, je sais pas exactement comment on va jouer, mais il y a des moments en fait où on va avancer tout seul, je crois, et l'autre peut nous regarder. D'accord. Oui, parce que on est dans le cadre d'un film interactif. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux gens. Attends, je vais juste faire un truc sur l'image. Hop, voilà. Est-ce que vous entendez bien la voix de Karim, ma voix? Pareil, la même question. Même question. Est-ce N'hésitez que tout se passe pas bien? À me dire au niveau du volume sonore. Impeccable, j'aime bien quand c'est impeccable. Oui, c'est doux, tout est nickel, tout le monde me dit que tout est nickel, c'est super. Donc là, je suis en pause, mis en pause par Archimède Kebab, c'est mais c'est pas vraiment ce que j'ai fait, en fait, donc je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Je suis prêt, d'accord. Ok. Il faut que je mette continuer aussi quand tu mets en pause, visiblement. D'accord, mais j'ai pas fait exprès. Ah oui, c'est parce que j'ai cliqué hors de la fenêtre, bien sûr. Donc je n'ai aucune idée de ce que quoi que ce soit raconte. Alors pour jouer avec la manette, appuyez sur « Ah oui, on va jouer à la manette, c'est bien ». Moi, je joue à la manette pour l'instant. Ce genre de jeu, je pense que ce sera très bien. Ouais, j'imagine que c'est un. Je sais que c'est un truc d'horreur, ça c'est ce que j'ai compris. Je sais que c'est une suite spirituelle à Man of Medan, etc., tous ces jeux-là, mais je ne sais pas ce que ça raconte. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Chaque choix a des conséquences. Évidemment. Des corbeaux. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Ça lag, Dream Nine. C'est pas que dans mon putain, fais chier. Alors attends, bouge pas, Gilles. T'as un problème, tu veux que je fasse pause? Ouais, je veux bien que tu fasses pause. On fera pause à la fin de cette présentation. Ouais. D'autres conduisent à la... Là, on peut rien faire, là. Ouais. D'autres conduisent à la mort. La choisissez mon avec PC de merde, discernement. Hein, c'est un...
Ok. Ouais. Ouais, on me dit, ouais, ça saccade. Écoutez, les amis, en plus, le pire, c'est que je crois ne pas avoir de solution. Je pense que c'est juste mon ordinateur, en fait. Ah ouais, c'est ton ordi qui fait ça. Ouais, parce qu'en fait, ça lag pas. Le jeu fonctionne chez toi. Le jeu marche chez moi, mais je vois, tu sais, sur OBS que le jeu saccade. Donc, je vais fermer à peu près tout ce que je peux à côté. Ah bah merde, il y avait une mise à jour du pilote que j'avais pas vu, donc je vais fermer ça. Je vais fermer genre Spotify, les trucs comme ça, quoi, pour essayer de gagner un petit peu. Mais c'est toujours mon PC de merde, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, 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 ça on s'en fout, ça sert à rien de le fermer. Si je ferme Steam, j'ai peur que ça déconne des trucs. Si je peux fermer peut-être Steam. Ouais. Non, je pense que tu peux, une fois qu'il a eu l'autorisation. Et non, ça a quitté le jeu, Gilles. Ah ben non. voilà, ça a complètement quitté le jeu, super, donc je vais relancer Steam. Voilà, c'était bien, hein. Très bon départ, on adore. Vous êtes content de ne pas être en train de regarder le match ? C'est pas grave, Karim, on va relancer ça. Attends, je me remets dans une autre scène. Oh là là, quel enfer. Quel enfer d'avoir des PC nuls. Je refais une petite invitation, mignonne. Désolé. Ouais, c'est pas grave, Karim. Ouais, non, c'est terrible. C'est absolument terrible. En plus, j'ai plein de gens qui m'ont demandé en contact Steam, donc du coup, ta notification, je ne la vois pas. Voilà. Là, je viens de te l'envoyer. Ouais, ça devrait le faire. Jouer au jeu. Voilà. Au jeu. C'est terrible. Après, le jeu vient de sortir. C'est pas de la faute du jeu, de toute façon. C'est évidemment de la faute de mon ordinateur de merde, que je vais être très content. Et là, ça va aller mieux, tu penses ? De jeter à un moment. J'en ai aucune idée. J'ai fermé tout ce que j'ai pu. J'ai fermé vraiment tout ce que j'ai pu. Donc. Eh ben, on y croit. Alors voilà. Si je remets. Moi, je suis prêt. Voilà. Tac. Les gens, ils aiment bien que ça marche pas bien au début. Je crois qu'on a jamais fait un live où ça marchait vraiment bien dès le départ. Bah ouais. Et je crois que les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas quand ça marche. Ils sont là aussi pour, tu vois, pour le un peu le frisson de est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont galérer pendant une demi-heure. Putain, ça. Et c'est toujours une très bonne idée cette chaîne YouTube de contenu. Et que de gens qui galèrent à faire marcher leur jeu. Non, mais il y a des gens qui l'avaient proposé la dernière fois. Et je pense que ce serait une super idée de chaîne YouTube. Ça peut être très intéressant. Parce que là, en plus, le jeu marche hein, chez moi. Ça ne lag pas, mais effectivement, là, je vois que... En fait, c'est fou parce que c'est ça qui se passe. Ouais, c'est fou. C'est que si je clique en dehors du jeu, ça marche, ça ne lag pas. C'est quand je clique dans le jeu... Voilà, mais sauf que si je clique pas dans le jeu, je ne peux pas jouer. Voilà, c'est super, on adore. Parce que là, effectivement, regardez, je clique dans le jeu, hop, ça relag. Hop, voilà, je fais hop. Trac, quel enfer. Sinon, on va faire une soirée où on parle jusqu'à 21h d'Avatar et globalement de cinéma, des films qu'on a vus. C'est sympa, quoi. Tu vois, ça peut être sympa aussi. Trac, quel enfer. Normalement, ça se stabilise. Je crois que ça fait ça qu'au début du jeu, dit Black Hockey. Ok. 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 Est-ce que ça ne peut pas venir du mode de capture incompatible avec le jeu ? Ouais, c'est quoi ce bordel qui me dit exactement la même chose au même moment ? Ça peut être intéressant. Je suis en mode fenêtré. Sinon, Dofus. Déjà vu ! Le déjà vu. Attends, je vais voir si du coup, si je fais ça. Hop. Hop. Est-ce que j'ai changé le mode de capture ? Il y a une espèce de barre blanche qui est apparue. Je fais continuer. Est-ce que ça marche mieux ? Blablabla. Bla, bla. Non, c'est pareil. Putain, mais quel enfer ! Archimède Kebab, tu régales. Écoutez, là, je suis pas sûr. Faut que t'appuies, Gilles, sinon ça marchera pas. Ah, c'est moi qui... Excuse-moi. Non, c'est moi qui ai mis pause, mais tu sais, faut remettre... Oui, effectivement. Je pensais que t'étais toujours en train de regarder les paramètres. Ou les. Et allez, ça lag de ouf. Ah bah là, la capture ne marche plus du tout. Donc là, comme ça, c'est cool. Voilà, donc c'était pas c'est le mode Geisberg. De capture. Ce n'était pas le mode de capture, les amis. Je remets en mode de capture comme avant. Voilà. Vous avez toujours la pause, oui, parce que ça ne marchait pas. Voilà. Vous avez plus rien. Par contre, ça règle le problème. Effectivement, je peux couper l'image aussi. Couper l'image, ça devrait pouvoir faire fonctionner le truc. Putain, mais quel enfer. Et ça lag. Voilà. Faut pas diminuer le bitrate d'encodage. Ouais, mais non, mais attends, je vais pas vous proposer de. Non, mais si c'est ça, on va couper le jeu et pas jouer en fait. On va juste discuter. Ça sera bien. Ou lancer un autre jeu. Non, tu m'avais envoyé un code pour Ghostbusters que j'ai installé du coup. Ouais. Si tu préfères. Enfin, je sais pas si c'était bien le jeu. Non mais à deux ça va pas être terrible Ghostbusters. Faudrait qu'on soit plus. Mon bonheur est de te rendre heureuse. Ça va le son, c'est suffisamment fort ou vous voulez un peu plus fort ? Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassé de moi après toute une journée de mariage ? Je ne me lasserai jamais de toi.
J'espère que tu dis vrai, ma chérie. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer total. Est-ce que si je désactive l'aperçu et je repars, du coup, je ne vois pas ce qui se capture, je ne vois pas ma gueule et tout, mais du coup, je désactive l'aperçu et clac, clac. Vas-y. Vous me dites, du coup, je ne vois pas si je lag ou pas. Donc, il faut que. J'ai monté un peu le son. Ouais. Est-ce que c'est mieux pour vous sur mon chat ? N'hésitez pas à me dire. Eh bien, nous y sommes. Ça lag. C'est pareil, ça lag toujours. Ok. Ok. Eh bah, écoutez, ma carte graphique ne permet pas de faire tourner The Devil Enemy et de le streamer en même temps. N'est-ce pas sublime ? Ah merde. Voilà. Sur la brochure. Ah, c'est tellement triste. Mais quel enfer, putain. On me dit ça lag Africa, alors par contre c'est drôle. Et après on me dit voilà. J'ai dit ça lag Iceberg moi tout à l'heure. C'est bien aussi, ça lag Iceberg, c'est cool. Tu veux pas attendre un peu Karim ? Ouais mais attends, mais si c'est... ouais, je pense pas que ça s'arrange. Ça lag niçoise. Pour l'ouverture de l'exposition. On attend quelques minutes, voir un peu ce que ça donne, ou on abandonne ? Ouais, ça lag du Connemara. Non, mais tu sais, là, y a... après, c'est la porte ouverte à plein de blagues. À plein de blagues sympas. On peut faire ça aussi, on peut faire des blagues, on peut faire des blagues sur les jeux de mots. Sur autour de ça lag. Ça lag as fuck. Ça lag 17, évidemment. Ça lag 13, ouais, c'est classique. Ouais, ça lag 13, pardon. Alors. Ça lag Alekoum, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est surtout vraiment pour pas mal. France-Maroc, c'est cool. C'est l'avenir qui compte à mes yeux. On me dit V-Sync off. Fait, attendez, si je fais du coup paramètres. Ah, le Virtual Sync. Ah, évidemment, moi je l'ai coupé aussi. Je l'ai désactivé. Enfin, je l'ai activé le Virtual Sync. Toujours, c'est vertical, toujours pas virtuel. Attends, mais ça, oui, c'est pas grave. Synchro vertical en tout cas. Non, elle est désactivée, tu vois. Fenêtrée, 1080, occlusion ambiante. Non, mais vas-y, je vais pas dégrader. Salagmite, elle est pas mal. Salactmite même on pourrait dire, elle est pas mal du tout. Salac de fruits joli joli joli, c'est bien. Non mais tout est bien. Salactite. Vas-y, je sais pas quoi faire. C'est juste, ça pue la merde. C'est juste, ça ne fonctionne pas. Et là, continuer. Quand tu parles ainsi, j'aimerais pouvoir te dire oui une seconde fois. Non mais là j'ai rien suivi en plus, tu vois, j'ai absolument rien suivi. Ouais effectivement, moi j'ai été optimiste. Je vais être dans la paix. Non mais vas-y, mais on arrête, c'est absurde. C'est absurde, ça ne marche pas. Voilà, Gilles, revenons sur un... Je vais couper le jeu parce que ça ne fonctionne pas, j'ai pas le PC pour. Eh ben écoute. Voilà, c'est super. C'est bien triste. Je suis désolé, donc c'est dommage. Donc c'était The Devil in Me, la dernière production Dark Picture Anthology, qui ne fonctionne pas avec un PC de merde. Voilà. Salagacité, c'est pas mal. Dommage. Ben oui, je suis désolé, quoi. Je suis désolé, mais c'est juste, j'ai pas l'ordinateur pour. Je n'ai pas l'ordinateur pour. Peut-être qu'un jour je l'aurai. Ça arrivera. Perdu. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles ? Est-ce qu'on discute de quelque chose ? Est-ce que tu veux, que veux-tu faire autre que ça ? Après, on aurait pu discuter en jouant à un jeu. Qu'est-ce qui pourrait être cool à jouer rapidement là et qu'on a à dispo Grounded, on peut laisser lancer Grounded. Ouais, on peut lancer Grounded. Ah, mais non, je l'ai peut-être désinstallé. Attends, je regarde. Sinon, c'est pas grave. Mais au pire, je le réinstalle. Grounded, ça peut être sympa. Un react au match de deux mecs qui connaissent pas du tout le foot. Ça peut être intéressant. Vraiment, sans aucune information intéressante dedans. On peut faire ça, mais alors on peut pas vous montrer l'image, donc il faut que on peut faire les commentaires. Ouais, c'est radio de merde, radio foot de merde. Voilà, avec des gens qui connaissent pas, on n'a pas le vocabulaire, on a rien, on connaît pas les joueurs, on sait pas ce qui se passe. Tu vois, c'est juste le Maroc. J'ai regardé un peu le quart, figure-toi. Ah ouais, vraiment très peu. C'était vraiment le premier match que j'avais pas vu un match de foot depuis, je pense. Et c'était intéressant ou c'était juste du foot? Non, ça jouait bien pour le coup, ça avait l'air de très bien jouer. Mais moi je crois que le football est un sport très intéressant, hein, vraiment. Ah bah oui, bien sûr, c'est juste que moi j'ai jamais trop pris l'habitude de regarder, et puis c'est vrai qu'il y a des trucs un peu techniques, il faut connaître les joueurs, et les équipes, c'est mieux, tu vois, pour savoir un peu qui, tu vois, comment Mbappé va se faire marquer. Enfin, tu vois, je pense que quand tu connais pas trop ni les joueurs, ni les différentes équipes, ni trop les tactiques, c'est un peu moins intéressant à regarder, quoi. Ouais. Mais bon. Ouais, non, mais je veux bien. De toute façon, je suis ouvert à tout. Ou alors, on met des. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut mettre des extraits de films, mais on n'a pas le droit. Mettre des trucs, on n'a pas le droit. Putain, mais... je suis en train de faire la mise à jour de Grounded. Il y a une mise à jour. Et il y a Iron Life. Il n'est pas multijoueur, Iron Life ?
Iron Life, qu'est-ce que c'est Iron Life ? C'est un FPS par, je crois, un des mecs de Rick and Morty. Avec. J'ai pas le jeu. Mais il est sur le Xbox Game Pass. Ah ouais, sur le Game Pass. Ouais. Et donc j'imagine qu'il peut être en cloud, donc il y a peut-être même pas besoin de le télécharger, tu vois. Mm-hmm. Mais là, je vois une mise à jour. Mais je sais pas s'il est multi. Mais là, je vois une mise à jour de 21 Go, donc je pense que ça va être compliqué. Putain, ouais. Le co-créateur de Rick and Morty et Solar Opposites revient avec Iron Life, à peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition. Vous n'avez vraiment rien pour vous, jusqu'à ce qu'un cartel extraterrestre, entendant se shooter à l'humanité, envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devez répondre à l'appel de l'aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu. 50 gigas, c'est-à-dire que ça, quand même, ça peut aller vite, hein, mais c'est quand mais même ça un peut petit être peu long, quoi. Ok, et toi, tu dois partir à 21h de toute façon. Pas multi, Iron Life, en plus, on me dit. Il n'y a pas de multi. Pas multi, Iron Life. Eh bah, ça règle le problème, les amis, c'est super. Donc, on peut lancer Grounded. Il va falloir te mettre la Sea of Thieves. Hein ? On lance Grounded ? Bah, je me dis, Grounded, ça peut être sympa. Il y a juste une mise à jour, mais là, c'est pas beaucoup. C'est genre c'est 500 mégas. Ouais, bah vas-y pour. Allez, on va lancer Grounded. Moi, il faut que je mette la mise à jour aussi, j'imagine. On a joué un petit peu avec Jérémy à Grounded la dernière fois. Ouais. Pas en stream, carrément. Alors. J'ai pluché des patates, nous dit Artie. C'est quoi le problème du jeu ? Eh bien, le problème du jeu, c'est qu'il ne tourne pas sur mon ordinateur. Enfin, si, il tourne sur mon ordinateur, mais il est impossible pour moi de vous le streamer. Apparemment, mon ordinateur ne fonctionne pas. Ça ne suffit pas. Je n'ai pas la puissance nécessaire. Ça se lance. Pour le faire fonctionner. Vous n'avez pas le jeu. Il faut que je mette ce jeu-là. Je vais quitter tout ce que je peux aussi, parce que la Grounded, on ne sait jamais. Alors, si Grounded ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi ce soir. Je suis dégoûté, en fait, de ne pas pouvoir juste jouer à The Devil Enemy. J'étais vraiment chaud, quoi. Il faut avoir deux PC, un pour streamer et jouer. Oui, mais je pourrais aussi avoir un PC qui fonctionne. Ça pourrait marcher aussi, quoi. Il y a plein de solutions. Mais il n'y en a aucune que je peux régler tout de suite, là, maintenant. Voilà, voilà. Ah, je suis désolé, putain, ça fait chier. Ça fait trop chier. Est-ce qu'il voit le mot de passe ? Non, il ne voit pas ce que c'est. Ok. Putain, Je mets un mot de passe pour la partie et je te l'envoie sur Discord, Karim. Ok. Ok, ok. Putain, hop. Alors attendez, là le téléchargement a fait pause. Non, ça va, il est reparti. J'ai bientôt la mise à jour de Grounded. T'as essayé de reboot ? J'en sais rien. Le jeu est mal optimisé, franchement, je sais pas. Parce que... Karim, tu devrais demander à des connaissances qui savent streamer. Je suis sûr que c'est un problème de config d'OBS, pas de ton PC. Eh ben, je suis sûr que non, Pathout. Je suis absolument certain que ça vient de mon PC. Mon PC a des problèmes techniques depuis que je l'ai. Il est arrivé défectueux, en fait, dès le départ. C'est vrai que tu nous as souvent raconté cette histoire. Mais... Ah, mais c'est spectaculaire. Hein. C'est vraiment, il a des vrais gros problèmes depuis le début. C'est un PC de merde, vraiment, qui tourne très mal, qui a été très mal assemblé, en fait, par des gens qui ont fait ça vraiment à l'arrache. Ça a été renvoyé, désenvoyé, renvoyé plusieurs fois... ça c'est un PC qu'on n'a pas payé, c'est un PC du taf, hein. C'est pas un PC perso, c'est un PC du travail que j'ai eu et on m'a dit ouais tu vas voir avec ce PC là qui est plus puissant ça va être beaucoup plus rapide et en fait j'ai perdu un temps fou professionnellement avec cet ordinateur parce que j'ai passé des journées entières en fait à essayer de le faire fonctionner avec plein de gens qui se connaissent très bien en PC. Il n'y a pas de problème, c'est pas du tout le problème. OBS est très bien configuré, j'ai vraiment bidouillé OBS 1500 fois, ça marche très bien, c'est juste vraiment ce PC est défectueux. Et c'est déjà un miracle en fait qu'il arrive à se lancer et à fonctionner. C'est-à-dire le fait que vous me voyez là est déjà un miracle. Parce que pendant très longtemps en fait, à la base, tu vois, le PC on l'a reçu et il rebootait tout seul, tout le temps. C'est fantastique quand même. Et après il y a eu plein de bails, c'est-à-dire que parfois genre, je dois démarrer le PC et ça me prend à peu près 1h30 à 2h pour le faire démarrer. Il se lance, il n'y a même pas le BIOS, c'est-à-dire qu'il se lance et il coupe. Il y a des espèces de baisses de tension. Il dit c'est la lime, peut-être que ça vient d'un truc. Non, pas du tout. C'est quoi la multiprise ? Tu le branches tout seul à une prise. Pareil, partout. Quelle que soit la prise que tu choisis pour le brancher, ça ne marche pas. C'est juste, c'est vraiment d'accord. Très mal fait. Il n'y a pas de, problème. Alors attendez. Moi ça va. Moi j'avais acheté un PC spécialement pour streamer. Pour là, streamer, ouais. De l'année, et il fonctionne plutôt bien. C'est cool. C'est vrai que ton PC fonctionne nettement mieux que le mien. Alors ouais, attends. On a rarement eu de problème ouais, par rapport à ça. Je t'ai jamais vu planter en fait. Non, mais c'est non, complètement peu, de la merde. Les seuls problèmes que j'ai eu en stream depuis le début de l'année, c'est surtout des problèmes de connexion au début, quoi, parce que j'étais chez Soch et que ça coupait tout le temps. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Là, j'ai changé du coup et ça va mieux. Mais du coup, Grounded, ça fonctionne. Général, voilà, là, ça fonctionne. Je vois le jeu tourner de façon relativement fluide. C'est très bien, donc on va changer un petit peu le titre peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de mots
Comment ça s'appelle, comment chérie, j'ai attressé les gosses en anglais? Only I shrunk the kids. Ah, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus. Qu'est-ce que voilà, j'ai pas de jeu de mots. Tu peux dire qu'on a plus le qu'on est plus dans le diable. C'est tout. Ouais. Le diable est sorti de Gilles. Voilà, tout simplement. Est-ce que t'as réussi à te connecter un peu là, Grounded du coup? Alors Grounded, j'ai réussi à lancer le jeu qui a l'air de fonctionner tout à fait. Je peux. Est-ce que je... Ah oui, non, attends, pardon. Multijoueur. Ah oui, non, je vais cacher pour être sûr que les gens ne voient pas le mot de passe au cas où. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Hop. Donc là, théoriquement, si je fais multijoueur, ok. Joindre une partie en ligne, ok. Et là, du coup, pas chercher parmi les amis, ça on s'en fiche. C'est pas très important. Comment je fais? Alors attendez. Cherchez pas. Aussi, en fait, chercher parmi les amis, ça va fonctionner. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Eh bien, je ne vois pas ta partie. Gilles. Merde. Attends, je vais refaire. Hein. Je peux faire précédent. Là, t'es en train d'héberger. Hein. Ouais, j'ai hébergé partie en ligne. Attends, je retourne. On est bien amis, refaire, parce qu'on a joué ensemble. Donc on est tout à fait amis. Oui, on a déjà joué ensemble. Multijoueur, héberger partie en ligne. Continuez. Seuls vos amis peuvent voir rejoindre votre partie. Ok. Saisissez le mot de passe. Ah mais attends Gilles, je te vois pas là dans Xbox. C'est pas Xbox. Si c'est Xbox One Dead. Ah oui, c'est Xbox, ouais. C'est bizarre que tu me vois pas dans Xbox. Mais je ne te vois pas. T'as lancé l'appli Xbox peut-être? Mais attends, je la lance au cas où. Non, je te vois pas. Je vois mon seul contact connecté n'est pas toi. C'est notre ami Ben de post-process. Comment ça se fait, ça? Afficher le profil. Je suis connecté, je joue à Grounded pourtant. Karim. Grounded, tu es. Putain, mais là dans le chat, vous venez de me faire capter le jeu de mots en fait de Grounded que j'ai jamais compris en fait. Parce que c'est puni et au sol. Et au sol, ouais. C'est très très bien trouvé. On sent qu'on a affaire à des punition, gens ouais. Rigolos. Attends. Bah, Mambo Malari, du Décalco Malari. Tu écoutes du Richard Gottener? Oui, j'écoute du J'adore Richard cette chanson. Elle est super. C'est une chanson que j'écoute très très souvent. C'est vraiment une de mes préférées, Mambo moi, du de Richard Gottener. Bah, elle est déjà, elle est incroyablement bien composée. Je me demande si elle est en... Je crois qu'elle n'est pas en 4-4. Ah oui et, je crois pas qu'elle soit en 4-4. Et c'est, les arrangements et les harmonies de ce morceau sont incroyables. De toute façon, c'était un génie. Hein. Enfin, il est toujours vivant, d'ailleurs. C'est un génie de la composition, Gottener. Bien sûr, et qui a inventé presque la publicité moderne. Je ça. C'est ça, ouais. En tout cas, les musiques de pub. C'est bizarre. En tout cas, moi, comment on peut faire? Attends. Bouge pas. Comment je peux quitter le jeu, essayer de relancer? Non, là, je te vois. Attends. Je te vois. Ah, mais t'étais pas un ami. J'étais abonné à toi, mais je t'avais pas un ami. Ah ouais. J'ai l'impression. Alors, attends. Si je fais. Alors, c'est ajouté comme ami. On n'est même pas copains sur Xbox. Invité à un groupe. Mais comment on a joué la dernière fois en fait? Bah, je sais pas, ça doit être Jérémy qui nous avait invité, qui était notre ami commun. Mais on y a joué en stream. J'ai hébergé le truc en plus. On a joué en stream à Grounded, non? Oui, on a joué on avait commencé en stream effectivement à Grounded et après on a continué avec Jérémy, c'est vrai. On avait commencé en stream en septembre. Alors attends, si je et fais. Après, on a joué le 2 octobre avec Jérémy. Je peux pas. Inviter à un jeu, je peux pas rejoindre le jeu, je peux pas t'inviter à un jeu. Alors comment cela se fait? Les gens disent que ça valait le coup d'attendre le début de ce stream. Ouais, c'est bien. C'est clair. Oh là là, quel enfer. Mais attends, héberger une partie en ligne. Bon là, c'est pas des problèmes techniques de mon PC, donc on va forcément s'en sortir. Moi je la lance. Ah, c'est peut-être qu'il fallait que je lance la sauvegarde. Ah bah attends, d'accord. Ça va changer tout là. Est-ce que tu peux rejoindre du coup? Alors attends, je réessaye. Voilà, là je peux rejoindre, effectivement. Et on me demande un mot de passe. C'était de ma faute, désolé. Il me demandait de choisir la sauvegarde. Je pensais que c'était le moment où il fallait que je t'attendais. Moi, je prenais Pete. Hein. Je crois que tu prenais Pete. Moi, je sais plus qui je prenais. On va prendre Max. Et alors, c'est parti. Allez. Bah, super. Super, fantastique. Donc, du coup, ouais, Grounded, pour les gens qui connaissent pas. On joue à un jeu vidéo, quoi. On joue à un jeu vidéo, c'est déjà sympa. Bah oui, c'est déjà pas mal. C'est pas celui que vous attendiez, c'est moins intéressant, parce qu'on va avoir moins de trucs à dire. Parce que le truc cool avec The Devil in Me, c'était que c'était un film interactif, quoi. C'est ça qui était intéressant. Ok. Ah, c'est chez moi que ça... Non, ça va. Ça va. Là, ça va. Moi, ça marche. C'est fluide. Ça laguait au tout début, c'est genre le premier plan... Je pense que ça chargeait un peu, donc ça laguait. Alors, je sais plus comment on joue, je sais plus exactement où on en était, ce qu'on faisait.
Voilà, là, donc, ça marche. Grosso modo, on est des petits. On est des enfants qui sont devenus petits. Oui. Comme dans Chéri, j'ai rétréci les gosses. Exactement. Alors, je sais plus exactement comment on est devenu petit. J'ai oublié. Je crois que c'est pas dit, en fait. Je crois que ça fait partie des trucs qu'il va falloir découvrir. D'accord. Il me semble. Donc, vous voyez, je peux couper, par exemple, un brin d'herbe. Comme ça, là. Et putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Du coup, je me souviens de rien, Gilles. Ouais, moi non plus. Je me souviens plus du tout comment on joue à ce jeu. C'est dommage, parce que c'était vraiment super. Mais sinon, c'est un survival. Un peu, c'est The Forest, en fait, mais en mode avec des petits-enfants. The Forest avec des petits-enfants. Et il y a des objectifs à faire. Ils sont en haut à gauche de l'écran, ça on le voit. Et je ne sais plus scénaristiquement ce qui s'est passé. Quel événement avons-nous vécu? Je ne sais pas. J'ai plus rien. Pourquoi j'ai pas d'objet? Attends. Est-ce que déjà t'es où, mon petit Karim? Inventaire. Oui, tu... On va se regrouper. Ça va être la première chose. J'ai rien. Regroupons-nous. Ah, je crois qu'on est mort. Et tu vas. Ah. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est une merde. C'est une merde. Je sais pas ce que c'est. Dégage. Oh là là, je vais me faire défoncer. Partout, là. Putain, ils sont pleins. Oh, je suis mort. Voilà. La win, ouais, toujours, on adore. Hey, mais tu me toques pas comme ça, toi. Donc, on va se faire défoncer. Alors, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, je me souviens pas. Il faut juste survivre, en fait. C'est un bon début ou pas? Est-ce que vous êtes content? Il y a une fourmi qui attaque notre camp, Karim. Ah, merde. Je peux rien faire. Je peux rien faire, j'attends de l'aide. Je peux juste... Bon, si, je vais abandonner. De toute façon, j'avais pas d'objet sur moi, donc je m'en fous. Je mange les adventices par la racine. Est-ce que je peux ressusciter voilà. Et là, vous retrouvez Gistella. Il faut que je retrouve Gistella. Alors, du coup, Gistella, il est là-bas. On le voit, il est là-bas. Est-ce que je peux mettre une map? Non, je peux pas mettre de map. Si, je peux mettre une map. Gistella, il est mort. Il a été tué par une fourmi. Ah, ok. C'est la loose. Mandibule, merde. C'est la loose. Mais je pense qu'il faut qu'on se calme et qu'on se regroupe. En plus, la dernière fois qu'on a joué, on était avec Jérémy Morvan. Donc là, on est que deux alors qu'on avait fait un truc à trois. C'était super sympa. On a passé une super soirée à jouer. Une super après-midi. Notre petit camp. C'était très sympathique. Quoi. C'était très chouette. Mais là, je crois qu'il y a des merdes partout. En fait, il y a des pucerons partout. C'est la Hesse. Alors, attends. Il y a aussi des sacs à dos partout. Il faut qu'on récupère nos sacs à dos. Qu'on retourne mais à notre campement. Mort, en fait, dans 14 secondes, je perds la vie. Ouais, non, mais je vais pas pouvoir te retrouver de toute façon. Je pense que c'est foutu. Hein. C'est complètement foutu. Donc, c'est la merde. Directement ça, et puis on va. Voilà, on va revenir. Tu as fait quick. Tu as fait quick. Je tu fais as fait quick. Gros quick. Oh là là, putain. Moi, je fais Burger King. Putain, il y avait une pub insupportable pour Burger King dans le. Ah merde. Ah oui, avec tous les trucs là. Le... Tu l'as eu aussi pour Uber là. Ouais, c'est pas Uber. C'est une pub Burger King. Enfin, hein. Un truc de. C'est pas un truc de livraison? Non, c'est un truc Burger King où ils font de la pub comparative où ils disent « Mais le meilleur burger, c'est bien c'est le mien, c'est pas le tien !» C'était horrible. Je l'ai vu, mais j'ai oublié la marque finale, en fait. Ah, c'était Burger King. Je l'ai vu ce matin. Ouais. C'est un concept de pas ouf de pub. N'hésitez pas à ne pas aller manger dans des fast-food, d'ailleurs. C'est de la merde, c'est du poison pour votre système. C'est ça. Ça pue la défaite. Voilà. Et alors, attendez, parce que là... Oh, là, il va y avoir des araignées de ouf, là-dedans. Putain de merde. Help. T'as besoin que je vienne te voir ou Jesus fucking shit. Nous rejoins au camp? J'essaye, mais je me fais attaquer par toute la faune. Non, mais il y a des fourmis tout autour de notre camp, là. C'est terrible. Pourquoi il y a autant... Ah, mais c'est parce que c'est la nuit, peut-être. Je sais pas. J'imagine la nuit, c'est plus... parce que là, il a l'air de faire sombre. J'ai plus d'endurance. C'est pas interdit, la pub comparative. Alors, je crois que c'est plus interdit... Ça l'a été pendant très longtemps en France. C'est je ça. Je crois qu'il y a eu une loi il y a quelques années. Même peut-être un peu plus que quelques années. J'aurais dit plutôt vers les années 2000, mais... Oui, ils se sont dit, ouais, putain, le monde a l'air d'être un truc trop juste. Il faut qu'on rende le monde un peu plus injuste en changeant quelques lois. Alors qu'aux États-Unis, c'est un truc qui est très fréquent. Ouais, ouais. Genre Pepsi et Coca se font la guerre, la bourre depuis des années... Après, c'est cool parce que t'as le droit de dire que c'est vraiment que de la merde. Et tu vois, c'est genre. T'as envie de leur dire, ouais, nous, c'est mieux que Pepsi, c'est Coca qui te dit c'est mieux que Pepsi. T'as le droit de répondre, j'en ai rien à foutre, c'est de la merde. Tu vois, c'est vous êtes de la merde tous les deux. Donc, c'est deux étrons qui se bagarrent. Mais oui, c'est vrai que ça m'a surpris aussi parce que même si c'est effectivement redevenu légal, je crois que t'as tout à fait raison dans ce que fréquent, tu dis. Ouais. C'est quand même assez rare parce que les mecs ont un bout de race en fait qui reste. C'est un semblant de dignité. Moi, le truc où je l'ai plus vu, c'était genre des pubs de grandes surfaces, genre Leclerc, tout ça, qui faisaient des comparatifs avec des prix chez Intermarché ou ce genre de choses. Tu vois. Oui, en mode ils se mettent en mode UFC que choisir, on aime sachant le consommateur. Toi, à mon avis, ils ont pas trop de risques dans le sens où ils respectent le prix d'un catalogue, donc ils vont pas pouvoir avoir de poursuites. Ouais. Ils savent qu'ils sont dans le clou de la loi, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors que j'imagine que, bon, toi, déjà, quand tu fais ce genre de truc, tu fais gaffe, t'as un avocat qui te dit si c'est bon ou pas. Et je pense que tu fais gaffe un peu avant de le faire. Leur pub, là, sur Burger King, c'était que de la forme, quoi. C'est-à-dire que le scénar était nul à chier.
Ouais, c'est genre, c'est juste des gens qui s'engueulent pour savoir c'est quoi le meilleur burger, et à la fin, c'est « Mais non, c'est le Whopper !» Et du coup, ça fait une pub pour Burger King. Mais les acteurs sont assez convaincants dans cette pub, mais sinon, tout le reste est merdique. Je trouvais ça horrible à regarder. Mais c'est parce que aussi, j'ai un vrai sentiment de répulsion par rapport au fast-food. La malbouffe en général, hein. Avec globalement la junk food. On fait partie d'une génération de toute façon où on a été un peu... Gavé, enfin, moi c'est quand j'étais petit, 100 grammes de Kinder Chocolat, c'était l'équivalent d'un grand verre de lait. On nous disait la publicité. Genre, ouais. L'équivalent de 10 sucres. Ouais. Ah ! J'essaye de te rejoindre, mais je me fais... Je te vois, mais j'ai pas d'arme, en fait. Ouais. Y a un puceron qui m'a défoncé, là. Et je sais même pas comment faire des armes, en fait. J'ai même oublié ce truc-là. Ah, c'est ça, bon. Tu peux me... Non, ah, tu me vois, là. Je te vois, ouais, t'es juste à côté, mais je me fais attaquer aussi et j'ai pas d'armes, je suis mort. Ah bah on est mort. Tu sais quoi, on va faire eux et on va essayer de repop. Je crois qu'ils nous proposent de repop dans un centre, dans un truc. Ah non, c'est le poste de recherche. Ah, Kid Case, c'est ça ? Alors attends. Ressusciter à Kid Case. Kid Case, on revient à Kid Case. Allez, comme ça on est au même endroit. Bienvenue. Ah oui, c'est le tout début du jeu. Ça, c'est le début du jeu, ouais. Ouais. Ok, bon, on va réussir. On va réussir à faire ça. Et ouais, et moi, oui, la junk food, c'est effectivement de la merde. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de... On le savait moins de notre génération, quand on était petit. On s'en rendait moins compte. Putain de fourmis. Il y en a partout. Ah, mais parez-vous. Putain de merde. Bah, c'est pas... Ouais, c'est pas qu'on le savait moins. C'est-à-dire que, ouais, la pub était moins... Il y avait moins de lois, en fait, qui t'interdisaient de dire des trucs dans la pub, quoi. Du coup, t'avais énormément de pubs de sucre tout le temps, avec de la publicité mensongère, des choses que je pense qu'on peut plus trop dire maintenant. Tu vois, l'équivalent d'un grand verre de lait dans 100 grammes de Kinder Chocolat, j'imagine qu'il doit y avoir une loi qui dit mais non. Non. Enfin, même si techniquement en termes de calcium, peut-être. Peut-être. Mais c'est pas le problème. Putain, mais c'est pas possible. Mais je me fais défoncer, Gilles. Ouais, c'est normal, on se fait... Mais en fait, j'aimerais bien revenir le jour. Ouais, je sais plus comment on fait passer le temps, mais on peut faire passer le temps, on peut dormir. Oh là là, c'est horrible. Désolé pour ce lancement de jeu. Mais c'est un bon jeu. Si vous avez... Ne faites pas attention à ce qu'on fait. Enfin, ce qu'on fait est absolument pathétique, on en est conscient. Mais c'est un bon jeu. On s'est beaucoup amusé à jouer avec Jérémy à ça. Putain, mais non, mais je vais pas me faire tuer tout le temps non plus, quoi. Je veux juste... Et puis, j'ai pas d'armes, quoi. Et je sais pas comment choper d'armes. Oh là là. Et j'ai envie de recommencer une partie. Hein. Parce que là, en deux hits, je me fais tuer. Je peux pas choper d'armes. Donc on peut rien faire, en fait. J'ai beau revenir au camp, ça ne sert à rien. Je sais pas comment faire, en fait. Il faut que je les fabrique, mais je sais plus le craft. Il me faudrait juste le temps de regarder le manuel de survie et de regarder comment faire. Et ça, après, ça marcherait. Mais là, on n'a pas le droit. C'est bon ou pas ? C'est bon. J'ai l'impression qu'elles sont encore dans le coin, hein, quand même. Hein. On s'en fiche, on est là, on est bien. Oui, considérez ça comme un prétexte à la conversation. On peut partir sur la thématique les fast-food, c'est de la merde. Pourquoi, comment, la junk food, c'est horrible. La bouffe ultra transformée, c'est nul. En ce moment, je suis en train de me sevrer du sucre, tu vois. Ah, c'est cool, Gilles, putain. Par exemple, non, mais pour t'expliquer à quel point c'est l'enfer, quoi. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu des gros problèmes de santé alimentaire quand j'étais tout petit, à savoir que je me nourrissais pas, et du coup j'étais anorexique, mais anorexique du nourrisson, c'est-à-dire entre 6 mois et 2 ans. Ouais. Et du coup je me nourrissais pas bien. Donc fatalement mes parents, ils ont un peu compensé, et dès que j'avais envie de manger un truc, ils me le donnaient, tu vois. Ce qui fait que ils surveillaient pas trop en fait les trucs un peu addictifs, genre le sucre, tout ça. Ce qui fait que adolescent, moi j'étais à 1,5 litre de coca par jour, sans compter tous les à côté, genre des gâteaux, des bonbons, tout ce que tu veux, quoi. Et pendant 13 ans, j'ai bu 1,5 litre de coca par jour, tu vois. Et même, il n'y a pas si longtemps que ça, tu buvais des quantités massives de coca. Ouais, quand je dis 13 ans, c'est à peu près de mes 12 à 25 ans, j'ai bu 1,5 litre de coca par jour. Et après, régulièrement, je suis retourné dans le coca. Alors pas 1,5 litre, mais tu vois, là, il n'y a encore pas si longtemps, j'étais replongé dedans. Et je m'achetais une petite bouteille de 50 centilitres tous les jours, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le sucre, c'est un des trucs les plus addictifs du monde, quoi. C'est terrible. C'est absolument horrible. Si vous intéressez à l'addiction au sucre, c'est absolument abject et effroyable la façon dont les lobbies ont manipulé l'opinion publique autour de ces sujets-là. Parce qu'il y a une guerre qui a été faite entre le sucre et le gras. Il y a eu beaucoup la bagarre entre... Putain, mais là, on est envahi de fourmis rouges, on va rien pouvoir faire, quoi. Terrible. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On n'a pas d'armes, on peut rien faire... Est-ce qu'on peut juste faire passer le temps et juste avoir le moyen de prendre le temps de reconstruire une vie dans notre tente. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer le temps dans notre tente, analyseur de ressources.
Parce que vous voyez, tout ce truc, on l'a construit, ce petit camp, c'est super sympa, vous voyez. Mais ouah. Et après, on parlera d'addiction au sucre et de la catastrophe que c'est. Et de pourquoi c'est horrible. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai pas eu d'ulcère à l'estomac ou de... Eh ben non, j'ai eu de la chance de pas... Alors après, moi j'avais un bide un peu gros, quoi, tu vois. C'est-à-dire que comme j'étais pas trop un sportif, comme j'étais grand, j'avais pas l'air gros, mais j'avais un... J'ai toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'avais un bide gonflé, quoi. De sucre. Et moi je suis vraiment assez obèse. Donc je vois tout à fait... Par contre, mes prises de sang sont fantastiques, hein. J'ai pas de cholestérol, je suis clean de ouf. Ouais, mais moi c'est pareil, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance. Après, en général, jusqu'à 40 ans, ton corps peut faire le... Ouais. Ton corps résiste pas mal, quoi. Ouais. C'est, au-delà de 40 ans, il faut quand même commencer à faire gaffe, et c'est pour ça que je me sèvre, parce que là, le confinement et le Covid m'ont repoussé à bouffer n'importe comment. À de la merde. Parce que, ouais, en fait, forcément, tu étais enfermé, tu te dis, tiens, bah, je mangerais bien un paquet de M&M's, et puis t'en reprends un deuxième. Ouais. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avais mis longtemps à essayer de retrouver un équilibre alimentaire correct, et le confinement, ça m'a complètement remis dedans, quoi. Ouais, bah, ça n'a pas été facile, hein. De toute façon... Putain, mais vas-y, on est envahi de... Je sais pas quoi faire, Karim. Je sais pas non plus, Gilles. Je suis à Kid Case, là. T'es à Kid Case, ouais, bah ouais, mais je pense que je vais te rejoindre. Mais on peut rien faire là, de toute façon. On n'a pas d'armes, on sait plus comment les fabriquer. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est ce jeu. Hein. J'ai kiffé les deux premières parties que j'ai fait, j'ai des très bons souvenirs. C'était super. Mais c'était il y a longtemps et j'ai tout oublié. J'ai oublié tout le système de jeu. Je ne sais plus comment me fabriquer d'armes, je ne sais plus comment me défendre. Et pour tout vous avouer, c'est la hesse. C'est la hesse de ouf. Le sucre et le gras me bouffent la vie, franchement, j'arrive pas à me retenir. Mais oui, mais c'est terrible parce qu'en plus, t'es dans un monde où t'es entouré de ça, quoi. Et c'est comme tu me demandais, tu vois, moi je suis un ancien fumeur aussi, donc je fume plus depuis un an et un mois, à peu près. Donc je suis un ancien fumeur d'il y a pas longtemps, et même en tant qu'ancien fumeur, tu vois, j'ai du mal à me dire que. Enfin, ça fait un an et quelques mois que j'ai arrêté de la clope, mais si tu me mettais tous les jours, en fait, des clopes chez moi, partout, si j'avais une cartouche de cigarette systématiquement, je pourrais pas m'empêcher à un moment d'en reprendre, c'est terrible les addictions. Donc, le sucre, c'est terrible, parce que le sucre... C'est pour ça qu'il faut... En fait, le meilleur moyen de ne pas reprendre, en fait, c'est de plus jamais toucher, quoi. Enfin, c'est ce qu'on t'apprend, de toute façon, chez les alcooliques anonymes, ou tout... c'est vrai que... Faut plus en acheter. Quand t'as eu une addiction, après, en fait, si t'en as chez toi, il y a toujours un moment où tu peux... Tu peux replonger, quoi. Moi, la clope, ça va faire 10 ans dans 2 semaines. Félicitations, Gilles. Là, toi, on peut dire que t'as quand même vaincu cette addiction. Tu vois, t'es dans 10 ans, ça veut dire que c'est cool. Mais tu vois, mais moi, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'ai pris la cigarette électronique et j'ai réduit la nicotine de 0,01 mg à chaque fois que je faisais du mélange. Ouais. Et jusqu'à... Et en fait, au bout de 40 ou 50 fois, bah, ça a fini par atteindre 0 mg. Ouais. Mais ça a été long, quoi. Ça a été très long. Maintenant, j'ai plus du tout de cigarette électronique. Ça fait un an que j'en fume plus du tout, mais tu vois, j'ai mis 9 ans à la cigarette électronique quand même. Moi, je vape, mais j'ai jamais vape avec de la nicotine. C'est 0 mg toujours, et je vape très peu. Hein. Je vape le soir. Là, par exemple, j'ai ma vape sur moi, je vais... En fait, moi, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais passé à 0 mg de nicotine, et en fait, j'en ai plus du tout eu besoin. J'en ai plus du tout eu besoin au bout d'un moment, en fait. Je me suis dit, bah tiens, elle est là, mais je ne l'ai pas prise pendant un jour. Et au bout d'un moment, j'ai fait, bon, bah j'arrête de la remplir, et puis... Mais ça va mieux maintenant. C'est très cool. Et c'est franchement, une des pires décisions de ma vie. Ouais. Fumer, c'est vraiment de la. Parce que là, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Tu sais, ce qui est débile, c'est que j'ai commencé à fumer alors que mon père est mort d'un cancer des poumons. Quoi. Enfin, mais tu sais que de notre génération, tous nos darons sont morts d'un cancer. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est fou. Ouais. C'est terrible, quoi. Et c'est les stratégies. Je sais pas si t'as vu justement le document. On peut se dire que Grounded, ça ne fonctionne pas ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on fait autre chose ou juste on converse, tu vois, ça peut être ça peut être conversation. Je me remets en gros plan, on quitte le jeu. De toute façon, c'est un super jeu. Si tu veux, Gilles, je te propose de refaire une partie avec Jérém, parce que de temps en temps, on fait des parties avec Jérém. Mais entre nous, à la cool, pour pas qu'on ait des gens qui se moquent de nous, parce que tout le monde, je suis sûr, est en train de rire de notre nullité. Et vous avez bien raison de le faire, hein, parce qu'on ne mérite que ça. Mais je veux dire, comme ça, on pourra refaire une partie en live de ce fantastique jeu, en espérant convaincre un jour Jérém de revenir, venir en stream avec nous, parce que j'ai kiffé moi jouer à des jeux vidéo. C'est pas cool. Ce serait vraiment chouette. Non, mais surtout que Jérém, il a pas envie d'avoir une chaîne Twitch. Il y a pas de problème, je comprends tout à fait. Mais une fois de temps en temps, nous voir. Il peut venir nous faire des bisous quand même. Au lieu d'être un mec de l'ombre, tel de la sorte. Non, ce que je comprends très bien. Moi, je comprends qu'il ait pas envie d'être un personnage public.
Mais oui, bien sûr, c'est, je comprends tout à fait aussi. Ouais. Mais on peut parler d'addiction, on peut parler de bons sujets, de sujets super sympas et super intéressants, de l'addiction au sucre. Moi, je recommande, et du coup, sur la clope, ouais, il y a des choses super intéressantes. Je sais pas si t'as vu le docu d'Adam Curtis, parce que j'en parle beaucoup en ce moment. Mais alors, celui-ci, lequel? C'est dans, je vais te retrouver, dans lequel il parle de c'est Century of the Self. Non, je l'ai pas vu celui-là. T'as pas vu ? Il est dispo sur YouTube en sous-titré pour ceux qui sont intéressés. D'accord. Century of the Self d'Adam Curtis. C'est marrant, à chaque fois que je commence des streams en ce moment. Hein ? C'est quelle époque celui-là ? Sorti ? 2002. Ah, putain, 2002. Début des années 2000, effectivement. Ouais, j'ai pas vu. C'est le concept, c'est de parler de Freud et de dire comment est-ce que Freud et les théories freudiennes ont influencé le marketing et ont influencé la société de consommation par le biais... C'est le neveu de Freud, de toute façon, qui a lancé le truc. Et bah, c'est sur lui, c'est sur Eddie Bernays, effectivement, qui est du coup le neveu de Freud, et sur sa fille aussi. Et voir comment ils ont emprunté des théories de Freud, et notamment Bernays, pour inventer les relations publiques, quoi. Et ça, c'est super, super intéressant. Et du coup, il explique aussi certaines stratégies, et notamment en utilisant les suffragettes, comment il a réussi à relier, en partant des théories de Freud, du coup, ou de la psychanalyse globalement, parce que c'est un psychanalyste new-yorkais qui lui a donné cette idée-là, mais comment il a, du coup, influencé les femmes à fumer, en fait, au travers d'un move, en rendant la cigarette, en transformant la cigarette en métaphore d'émancipation de la femme. Par le biais d'une manifestation publique où il a fait... De toute façon, c'était la liberté, hein. C'était la liberté de fumer, effectivement. Ce qui est fascinant, hein. Un des trucs une fois que t'as commencé à fumer et que t'es très addict, t'es complètement emprisonné pour la vie, quoi. Mais c'est marrant que ce soit devenu un symbole de liberté. Ouais, alors que c'est vraiment, vraiment de la merde. Enfin, tu vois, c'est là, pour le coup, c'est indéfendable de quelque manière que ce soit, tu vois. Au même titre, selon moi, que la junk food, mais encore... Certains me diront que oui, l'industrie de la junk food, bon, machin, c'est que ça reste de la nourriture, même si ça se discute. Et en fait, la clope, c'est absolument indéfendable. Et c'est vrai que le fait que ça a été même traité au cinéma, tu vois, l'imagerie qui a été développée autour de la cigarette, c'est quand même spectaculairement con. Alors, c'est pas pour blâmer forcément les gens qui ont utilisé la cigarette comme un truc de j'ai le droit, mon corps m'appartient, j'ai le droit de le détruire. C'est peut-être ça qu'il y a dans le fond, mais c'est quand même assez ouf, quoi. Et tu revois des publicités des années 50 de clope, c'est un mensonge, mais c'est genre criminel de façon absolument spectaculaire, quoi. Les pubs pour la marque de cigarette Camel, la base de leur argument publicitaire, c'est que c'était la marque de cigarette préférée des médecins. Donc par conséquent, oui, c'était bon pour la santé. Très bien. Ça. C'est ouf. Ouais, je te recommande d'ailleurs un docu, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle c'est Merchant of Doubt, les marchands de doute. En ouais, fait. Ok, je connais pas. Je l'ai pas vu. C'est un super documentaire qui fait le parallèle entre les cigarettes. Et les lobbies des cigarettes et les lobbies du pétrole, en fait. D'accord. Et qui explique qu'à chaque fois, que ce soit pour les cigarettes ou pour le pétrole, on a perdu 35 ans à cause du lobbying. Ouais. Et en fait, il fait vraiment le parallèle. Donc, c'est vraiment au niveau de la clope que le lobbying s'est presque professionnalisé. Et ils se rendent compte qu'en fait, tous les trucs qui ont été appliqués pour la cigarette ont été appliqués pour l'industrie pétrolière et qu'on a perdu 35 à 40 ans de... dans le pif à cause des lobbies, quoi. Et le docu est vachement intéressant. Et le lobby du sucre s'est positionné quand même de façon assez spectaculaire dans le sillage direct des lobbies de clope. Je me souviens, alors ça va être compliqué parce qu'on n'a pas préparé ce stream où on parle d'addiction, mais je me souviens d'un reportage que j'ai vu qui est assez intéressant où ils interviewent un scientifique, quoi, qui a passé un peu toute sa carrière à comprendre les mécanismes de propagande de l'industrie de la cigarette, et dont une des disciples, en fait, a opéré le même procédé pour le sucre et l'agroalimentaire, même globalement. Et il dit que ça l'a surpris de voir à quel point non seulement les méthodes étaient très similaires, mais en plus, il considère que l'industrie de la cigarette s'est aussi inspirée de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que même dans ce sens-là, ça s'est fait. C'est-à-dire que la clope, en fait, s'est inspirée de la façon de vendre de la bouffe de merde. Et puis il y a aussi, du coup, dans les années 70, cette effroyable histoire du sirop de maïs. Je sais pas si tu vois. Bien sûr, je vois très bien l'histoire de Nixon. Comme en fait, ils faisaient de l'exportation vers l'URSS, et tout à coup, je crois qu'il y a eu un blocage d'exportation du maïs vers l'URSS. Mais c'est aussi la variation du prix. En fait, c'est les variations des prix de la bouffe. Il y a eu ça, ouais. Ouais, qui font que Nixon, du coup, en avait marre pour se faire réélire. Il pouvait pas faire ça avec la bouffe qui fluctue. Et donc, son ministre, c'est quoi? C'est son ministre de la Santé? C'est Earl Butz. Le mec qui a lancé la junk food, il s'appelle Earl Fess. Il s'appelle Earl Butz, effectivement, et donc il est allé voir, c'était la méthode du get big or get out, c'est ça que tu vas évoquer? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, absolument. Bah vas-y, continue, pardon, je suis désolé de t'avoir coupé. Mais en fait, du coup, il y avait, alors je sais pas exactement si c'est le get big or get out, je connais pas, mais grosso modo, il y avait,
Énorme. En fait, il y avait un surplus de maïs énorme aux États-Unis à un moment, et du coup, ils se sont rendus compte que de l'utiliser pour en faire du sirop de maïs et du coup faire du sucre, c'était vachement rentable, et du coup, ça permettait de faire du sucre très très peu cher. Mais je crois que c'est encore pire que ça, Gilles, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils avaient un surplus de maïs par l'opération du Saint-Esprit, c'est que du coup, pour réguler les prix, ils avaient besoin de en fait. Ils sont allés voir tous les fermiers, en gros, aux États-Unis, quoi. Ils ouais. ont dit, en gros, get big or get out, c'était ça. On veut plus de petites fermes qui produisent des légumes. Ce qu'on veut, c'est des grosses fermes qui produisent du maïs. Même de fences to fences, c'est-à-dire, ils disaient, de clôture à clôture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terrain inutilisé et on bourre les trucs qui poussent très facilement et de façon très serrée, à savoir le maïs, parce que c'est très simple à faire, quoi. Et du coup, il disait qu'ils allaient couper les financements, les aides, les aides pour les petites fermes, pour les petits agriculteurs, et qu'ils allaient par contre donner des thunes si t'as envie d'être gros. Par contre, c'est qu'en fait, ils ont poussé les fermiers à produire un surplus massif de maïs, et qui du coup leur a permis effectivement. Et même, je me souviens que c'était genre les fermiers disaient, mais on va jamais réussir à écouler tant de stocks, et que du coup, le gouvernement américain a dit, non, mais t'inquiète, on sait quoi faire. Et en fait, ils s'en servent pour nourrir les bêtes, qui ensuite ils tuent, et tout le surplus est transformé effectivement en ce qu'ils appellent le high fructose corn syrup, mais qui du coup en français s'appelle le sirop de glucose fructose. C'est un des trucs les plus nocifs et les plus dangereux du monde. C'est très mauvais, c'est du sucre, la pire qualité de sucre que tu puisses avoir. Ouais. Et en fait, c'est fascinant, mais en l'espace de 5 ou 6 ans aux États-Unis. Alors en Europe, on a été un peu préservé de ça. Oui, quand même, grâce au. Parce qu'il y a eu beaucoup de, lois et tout. Mais aux États-Unis, il y a quasiment tous les produits sucrés en fait, sont passés à ça. Ouais. C'est-à-dire que même pas, quasiment tous les produits tout court. Je sais que quand tu vas dans un supermarché américain, même quand t'achètes du pain blanc ou des trucs comme ça, il y a énormément de sirop. C'est de ça. Et même dans les produits transformés, si t'achètes un croque-monsieur, t'as du high fructose corn syrup. C'est ça. Mais on a eu de la chance, nous, on a été un peu préservés. Je sais que dans les années 2000, il y a eu une volonté un peu des lobbies de ce sirop d'essayer d'arriver en France, mais en Europe, mais le Parlement européen a un peu mis le haut là. En disant que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour la santé de ses citoyens. Bah, on a quand même en Europe effectivement des politiques publiques, même si rien n'est parfait, hein, c'est très loin de ça, mais je veux dire, on a des politiques publiques qui nous ont quand même préservé des quelques gros désastres de l'histoire récente américaine, tels que du coup l'horreur du high fructose corn syrup et la crise des opiacés aussi, parce que c'est les Allemands qui ont réussi à nous débarrasser de ça. Donc il y a quand même ça quoi, à sauver, c'est-à-dire qu'on a été moins touchés par. Mais t'en trouves quand même, hein. Tu sais, t'as des biscuits apéritifs où t'as à la fois de l'huile de palme et du sirop de glucose fructose. Ah, mais c'est terrible! Mais en fait, c'est aussi un truc de conservation. Le sucre en soi, c'est vicelard, parce que je pense qu'ils comprennent parfaitement comment fonctionne la dopamine. Je pense qu'ils comprennent très bien la différence entre le plaisir et le bonheur, et je pense qu'ils jouent sur ça de façon complètement malsaine. Par ailleurs, je pense qu'ils profitent d'un truc. Alors, ce que je dis n'est pas scientifiquement avéré, c'est juste moi qui me théorise des trucs en fait dans ma tête quand je réfléchis à ce genre de problème. Et le truc, c'est que moi, je pense en fait qu'on est tous des descendants de gens qui aiment le sucre, ce qui est tout à fait logique quand tu comprends comment le sucre est présent à l'état naturel dans les fruits en fait, et que tu dis il devait y avoir en fait plein de gens qui préféraient les trucs amers, mais ils sont tous morts parce qu'ils ont mangé des baies vertes. Et du coup, en fait, on est forcément les descendants de gens qui aiment le sucre, puisque le sucre t'indique qu'un fruit, en fait, c'est juste un indicateur qui te dit qu'il y a des fibres, en fait. Le sucre est là pour te dire, tiens, ça te plaît, mais il y a des fibres, donc c'est bon pour toi, donc mange-le, parce que c'est dans les fruits. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont complètement conscients de ce truc-là, quoi, et qu'ils jouent du truc, mais en isolant, du coup, le sucre et en faisant un produit à part entière, et ils ont complètement inondé. Moi, je suis halluciné. Par exemple, j'ai fait le test un jour dans mon Leclerc, quoi, où je suis allé me balader au rayon charcuterie parce que je voulais trouver des charcuteries sans sucre, et genre la seule charcuterie sans sucre que j'ai trouvée dans le rayon, elle était à 150 balles le kilo, quoi. Ah, tu fais, mais attends, alors d'accord, c'est un conservateur, mais je veux dire, on parle de charcuterie, tu vois, il y a un bug dans la matrice, quoi. C'est comment ça se fait que c'est aussi difficile en France de trouver en fait de la charcuterie sans sucre, tu vois. Et c'est bâtard, en plus, ils utilisent des stratégies d'enculés. Quand tu commences à comprendre comment lire les étiquettes en fait et que tu captes ce qui est écrit derrière, mais c'est vertigineux, quoi. Moi, il y a des moments de. Moi, j'ai été obligé de m'intéresser à ça parce que je suis un ancien obèse en fait, sinon je pense que les éléments transformés, c'est terrible. Mais c'est terrifiant. C'est partout, quoi. Et du coup, t'apprends en fait qu'il faut faire ta bouffe toi-même, quoi. Oui, clairement, ouais. Séparés. Allez au rayon légumes. Toi qui fais les trucs, quoi. Oui. Et même les gâteaux, faites vos gâteaux en fait. Parce que au moins quand vous faites vos gâteaux, vous savez ce que vous avez mis dedans, vous savez le sucre qu'il y a, vous savez le beurre qu'il y a.
Oui. Alors que quand t'achètes un paquet de gâteaux, en fait, c'est terrible. Moi, c'est ou alors pareil, lisez vraiment les étiquettes, quoi. Mais franchement, lisez les étiquettes, parce que je pense que moi, si je m'étais pas renseigné, j'aurais pas été conscient de à quel point les mecs sont des psychopathes. Les mecs mettent des trucs de fou. Ils utilisent des stratégies d'enculé. Tu vois, ils te mettent des trucs en mode comme ils savent que s'ils mettent, parce que dans la loi, t'es obligé en fait dans les étiquettes de mettre les ingrédients par ordre d'importance qu'il y a dans ton produit, quoi. C'est-à-dire que le premier ingrédient que tu vois écrit sur une liste d'ingrédients, c'est celui qui est le plus présent dans le produit que t'achètes. Du coup, s'ils utilisaient un seul type de sucre, en fait, ça se verrait parce que dès le départ, t'aurais écrit sucre. Donc tu dirais, il y a trop de sucre là-dedans. Et ces bâtards, en fait, ils multiplient parce qu'il y a plein de types de sucre différents, évidemment. Et donc, ils le démultiplient. Ils mettent plusieurs types de sucre différents. Ce qui fait que tu vas, au lieu d'avoir sucre, tu vas avoir saccharose, plus loin dextrose, plus loin sirop de glucose fructose et toutes ces merdes-là, quoi. Donc, bon, l'ordre d'idée, c'est quand ça finit par ose, c'est souvent un sucre, quoi. Mais Chahut qui me dit, c'est plus que saccharine. Le glucose, c'est la molécule d'énergie de base du corps. Le cerveau ne consomme que du glucose. Effectivement. Mais ça signifie aussi que ton métabolisme. Notre cerveau, tu peux le métaboliser, en fait. Que ton foie peut en créer aussi. Tu peux faire un régime kétogène, tu peux supprimer plus ou moins le sucre de ton alimentation, pas complètement je pense, mais vivre correctement, même si ça demande à ton corps plus d'énergie. Mais oui, ils sont complètement dans ce genre de délire, mais c'est des trucs de délire de maître du mal, hein, quand tu commences à fouiller le truc, tu vois, mais... C'est Babylone, hein. On a vu Avatar 2 aujourd'hui, on les a vus, les Rastas blancs. Ah ouais, non, mais moi je veux serrer la main à des vaches. Hein. Moi je suis en mode c'est la nature qui est plus cool. Hein. Là, c'est des psychopathes. Quoi. Et c'est vrai que le fait de créer de l'addiction en fait par des biais, la pub est répugnante aussi en ces termes-là. C'est vrai que quand tu commences à comprendre, parce que du coup, ils jouent en fait sur un truc que quand t'as compris, tu peux beaucoup moins te faire baiser. Mais en fait, c'est juste qu'ils essaient de provoquer donc des décharges de dopamine pour vous faire croire que vous êtes heureux en fait. Et ils associent dans leur publicité la consommation de sucre, notamment, et au bonheur. C'est-à-dire que très régulièrement, la figure du bonheur est très régulièrement utilisée. Et ça veut dire, vous voulez être heureux comme la personne qu'on vous montre dans cette publicité, consommer du sucre. Et donc ça, c'est faire en fait une confusion, mais qui est pas cool quand tu connais pas en fait comment fonctionne un cerveau humain. C'est qu'ils font volontairement, je pense, la confusion entre la dopamine et la sérotonine, en te faisant croire qu'en fait, quand tu prends du plaisir plein de fois de suite, tu finis par atteindre le bonheur. Mais en fait, si tu veux, dans les neurotransmetteurs, la dopamine, c'est le plaisir sur le temps court qui te dit c'est bon, j'en veux plus. La sérotonine, c'est celle qui te dit c'est bon, j'en ai assez. Quoi. Et du coup, en fait, ils font cette espèce de jeu-là où ils provoquent des décharges de dopamine. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux aussi, c'est absurde. Mais c'est fou. Énormément de choses, ouais, effectivement. Et moi, c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à l'école. Après, il y avait moins ce type de problème-là, effectivement, à l'époque où j'étais à l'école, donc c'est peut-être moins important. Les adultes avaient très peu conscience de tout ça aussi. Il y avait un vrai problème d'éducation à l'alimentation. Et puis, parce qu'en fait, on est sorti. En fait, c'était tellement cool d'avoir énormément de choses, de les avoir dans des rayons. Toi, quand on est arrivé dans les années 90, les adultes, il y a 30 ou 40 ans, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas forcément tout ça, des supermarchés avec énormément de choses. Quoi. Donc pour eux, c'était le progrès. En fait, là, on est en train de remettre en cause ce progrès parce qu'on se rend compte effectivement cette génération a vécu la vie en disant c'est génial, mais elle a pris 3 ou 4 crédits sur la planète. Et pour l'alimentation, c'est un peu le même délire, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait n'importe quoi. Et ouais, pour ces gens-là, je pense que c'était le progrès quand on était petit, quoi. Je suis persuadé qu'il y avait des gens qui croyaient vraiment au fait que dans 100 grammes de Kinder chocolat, c'est bon pour la santé de mes enfants parce qu'il y a du lait, quoi. Mais bien sûr. Mais parce que effectivement, si tu prends, il y a selon les générations, mais la génération de nos parents, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont plus connu des famines en fait c'est-à-dire le problème avec la bouffe, c'est quand il y en a pas assez. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que t'es heureux. Et si tu peux nourrir correctement tes enfants avec et qu'ils ont jamais faim en fait, ça veut dire que t'as réussi quelque chose. Mais c'était sans compter effectivement cette espèce de surutilisation. De sucre qui est utilisé de façon complètement addictive, et puis en plus le fait de l'utiliser comme un conservateur, notamment dans la charcuterie, moi j'ai envie de dire putain sérieux quoi, tu sais, genre, enfin, vous nous prenez pour des cons. C'est comme par hasard, le conservateur que vous choisissez d'utiliser est aussi un des trucs les plus addictifs qui existe sur la planète et que vous utilisez alors c'est régulé quand même le taux de sucre dans les charcuteries en France, t'as pas le droit d'en mettre à balle, tu vois, Alors Karim, on en parle moins car moins connu, mais il faut savoir que les huiles de friture animale comme le bœuf sont meilleures pour la santé. McDo en utilise d'ailleurs, mais les lobbies de l'époque ont fait tourner tout le monde vers le végétal, qui à haute température n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça je savais pas. Enfin je sais que l'huile, notamment le genre l'huile d'olive, crame et devient cancérigène à trop chaud quoi. Mais ça je savais pas. Je suis pas au courant de tout. Ouais, il faut faire attention. Chaque huile effectivement a son taux de cuisson. C'est vrai qu'il faut faire gaffe aussi quand tu commences à cuisiner comme ça quoi. Ouais. Mais tu sais que l'huile de noix va pas brûler à la même température que l'huile d'olive. Ouais.
Et tu sais que c'est étrange parce que même chez les nutritionnistes, il y a des trucs bizarres. Par exemple, tu vois, j'ai un pote qui, du coup, est allé voir un nutritionniste quoi, pour l'aider à manger mieux, en fait, simplement. Et ce nutritionniste lui a répété la règle des 5 fruits et légumes par jour, qui d'ailleurs est très incomplète, en fait, quand tu l'as dit comme ça. Mais en gros, il lui dit, bah voilà, faut plutôt se diriger vers des fruits et des légumes, ce qui est effectivement très juste et très vrai. Et je vous le rappelle, vraiment, dirigez-vous vers des fruits et des légumes. Mais mon ami. À la fibre, au moins, quoi. Tu dis, oui, au moins, bien sûr. En fait, l'énergie que tu as à digérer le fruit, c'est le sucre du fruit qui va te la procurer aussi, oui. Et du coup ça, globalement c'est plutôt bon pour ta santé quoi. C'est ça. Alors que quand tu vas ingérer du sucre tout seul, bah il va pas y avoir de digestion. Mais du coup attends, je finis cette anecdote parce que justement ça concerne ça en fait. Mon pote il lui a demandé du coup au nutritionniste, il lui a dit d'accord mais des fruits sous n'importe quelle forme, même un jus de fruit, et le nutritionniste quand même a dit ouais même un jus de fruit ça marche quoi. Et s'il n'est pas pressé, alors que non, pas du tout. Et ça, c'est un truc aussi, parce qu'on a l'impression qu'un jus de fruits pressé par nous-mêmes, c'est sain, en fait, mais pas du tout. C'est vrai, c'est extrêmement malsain. Il y a très peu de différence, en fait, entre un. Enfin, si, parce que c'est pas aussi transformé. La vitamine C, quand même, t'as quelques petits apports qui peuvent. Mais il faut oui, pas mais faire tes vitamines, c'est pas, en fait, c'est pas si important. Enfin, c'est important, les vitamines, bien sûr que si, mais ce qui est important dans le fruit, c'est les fibres, en fait. Parce que oui, du coup, si tu isoles. Quand tu presses le jus d'orange, c'est une orange pressée, il n'y a plus les fibres, et du coup, ton corps va. T'ingères juste du sucre. Mais tout à fait. Et en plus, c'est du fructose. C'est-à-dire que, et ça, c'est un truc aussi qui a été débunké avec le temps. Très souvent, on conseillait, tu sais, aux diabétiques de bouffer, donc pas de glucose, parce que du coup, pour pas faire monter la glycémie du sang, de bouffer du fructose, en fait. Et c'est que t'avérais, c'est complètement faux. Enfin, c'est-à-dire que oui, ça fait pas monter ton glucose, parce que c'est pas du glucose, mais en fait, ça va directement dans ton sang, en fait. Dans ton foie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux d'une maladie qui était, qu'on appelle, vulgairement, la maladie du soda, qui est la NASH, en fait, c'est-à-dire, c'est des cirrhoses non alcooliques. Mais qui est dans des chiffres assez stupéfiants. C'est de nombre de gens sont touchés par ce truc-là de cirrhose non alcoolique. Ils ont un foie gras en fait. Littéralement, hein, si vous prenez un foie gras du commerce en fait, et ben il y a plein de gens dans le monde. Leur foie ressemble vraiment techniquement à ça parce qu'ils ont consommé trop de fructose. Voilà. Et c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est je recommande vraiment de limiter ces quantités de sucre. Et je suis très heureux de savoir que tu fais un sevrage de sucre. Non mais je le fais parce que c'est vrai que là je voyais en plus, hein, et c'est vraiment après c'est vraiment comme toutes les addictions. Moi je suis quelqu'un de très addict globalement, tu vois. Je sais bien que sûr. Je suis très addict au sucre. Quand à un moment j'ai bu un peu trop d'alcool, tu vois. Je sais que je peux aller très vite dans l'addiction et un peu loin, et mon cerveau il sait aussi qu'il peut pousser le truc quoi. Et donc c'est vrai que je prenais un peu au début, j'ai voulu arrêter le coca, et puis je me suis dit je vais prendre une fois de temps en temps, je me prendrai un petit sirop si j'ai envie de sucre, tu vois. Ouais. Mais sauf que après je faisais du sirop à chaque fois, tu vois. Et du coup c'est en vrai pire. C'est juste j'avais transvasé le sucre. Bah, c'est en vrai c'est le mieux, c'est de rien avoir en fait. De pas avoir de sucre. Après, pas avoir de sucre. Tu veux pas avoir de glucides. Enfin, tu peux. Les glucides, c'est bien. Mange des fibres, tu vois. Genre, je veux dire, mange des légumes, tu vois. Mais, bien sûr, évidemment. Mais le saccharose, il y en a trop partout. Tu vois, c'est. Et même, on a des problèmes d'amidon, de féculents, quoi, aussi. On en bouffe trop, tu vois. C'est vrai que il y a des trucs. Moi, quand j'ai perdu du poids de façon efficace, c'est-à-dire, j'ai perdu plein de fois du poids dans ma vie et j'ai fait un peu le yo-yo, mais forcément, parce que du coup, j'ai un métabolisme. Comme les premières fois que j'ai perdu du poids, parce que j'ai grandi obèse, les premières fois que j'ai perdu du poids, je l'ai fait sans savoir comment faire. Donc, à la street, quoi. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les trucs, je ne savais pas comment faire. Donc, du coup, forcément, j'ai un peu flingué mon métabolisme, ce qui fait que je reprends très vite du poids. Et du coup, en fait, la fois où j'ai perdu le mieux, de façon plus efficace, du poids et que c'est bien et que ça tient plutôt, c'est le moment où j'ai drastiquement réduit les féculents, les sucres et où je me suis consacré aux fibres et aux protéines en fait. Pas forcément aux protéines animales d'ailleurs, hein, mais aux protéines, fibres, c'est des régimes qui marchent vraiment, vraiment très bien avec un peu de gras bien sûr, parce que c'est important le gras aussi. Et du coup, les féculents, tu les réduis et ça fonctionne de ouf. Hein. Faut savoir qu'une vraie perte de poids est validée un an après la perte. Ça, je savais pas qu'il y avait ce genre de règles. Oui, parce que tu peux reprendre aussi assez rapidement. J'étais full keto. Non, j'étais pas full keto parce que je mangeais quand même des trucs avec. Je mangeais. C'était pas drastique. C'était pas un régime cétogène où j'ai tout viré. Genre, tu manges quoi alors? Tu manges des super bons légumes que tu cuisines avec amour, bien comme il faut, avec des viandes qui sont pas horriblement grasses aussi, de préférence de qualité en fait. C'est ça. Hein?
C'est poulet le mieux c'est... Oui, le poulet, c'est une viande qui est quasiment que des protéines. Hein. Le blanc de poulet, de toute façon, c'est très, très protéiné. Le poisson, c'est hyper important. Moi, j'adore le poisson, donc j'en mangeais beaucoup aussi. Tout ce qui est fruits de mer aussi, j'en mangeais volontiers. Je mangeais un peu de bœuf aussi, même si j'essayais de limiter ça, j'en mangeais quand même. Et après, sinon, tu as des protéines végétales aussi qui sont vraiment cool. Tu supprimes l'alcool. Bah oui, l'alcool, c'est du sucre. L'alcool, c'est du sucre en plus dangereux. Tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Karim, quand tu as arrêté de fumer, tu as réussi à ne pas reprendre un peu. Non, j'ai repris un peu de poids quand j'ai arrêté de fumer, évidemment. Là, c'est le problème. Hein. De toute façon, les addictions se multiplient et effectivement, quand t'enlèves un truc, le corps humain a très vite fait de prendre sur l'addiction d'à côté pour pouvoir bouffer plus. Enfin, c'est normal. Ah, aussi, parce que tu vas chercher de la dopamine un peu à gauche à droite. Bah ouais, bien sûr. Et ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait logique. Mais après, c'est pas grave parce que tu te dis, bon, finalement, c'est plus important d'arrêter de fumer parce que t'as pas. Enfin, c'est genre. Quand bien même je suis un ancien obèse, je trouve que la clope c'est pire. Hein. Genre en vrai, la clope c'est vraiment de la merde de ouf. C'est-à-dire ça ne sert à rien et ça te nique tout, mais de façon. Ça te nique tout. C'est-à-dire les organes, les dents, tout ça, l'odeur. Moi quand j'ai arrêté de fumer, ce que j'ai surtout noté, c'est que les choses avaient vachement plus de goût. Alors si en plus tu fais un sevrage de sucre, c'est-à-dire que si tu ne bouffes pas de sucre et que tu ne fumes plus, là t'as l'impression, genre le brocoli, tu fais mais c'est incroyable en fait, genre c'est trop bon. C'est vrai. Le truc c'est qu'il faut et ça nécessite de perdre du temps parce que ça, pourquoi il y a un lien poids-cigarette, parce que la cigarette est un coupe-faim simplement, au même titre qu'à peu près tous les stimulants de toute manière en fait. Le café aussi c'est un peu un coupe-faim, les stimulants coupent un peu la faim. Voilà. Mais oui, c'est incroyable le brocoli. Mais ça, c'est oui, bien sûr. Moi, je le fais rôtir. C'est absolument délicieux, effectivement. Je peux mettre un peu de citron dessus, un petit peu d'huile d'olive, tu vois, des trucs comme ça. C'est absolument délicieux. La cuisson vapeur, c'est une merveille, quoi. Moi, je fais plein de trucs cuisson vapeur. Un avis sur le café me dit Baby Dibou, c'est la dernière grosse addiction dont je souffre, je pense. Ça, par exemple, il y avait du café dedans. Moi, j'ai jamais trop bu de café de ma vie. Enfin, j'ai essayé deux, trois fois, quoi, mais j'ai jamais trop aimé. Donc. Pour le coup, je suis jamais tombé dans le café. Par contre, je bois pas mal de thé. Moi aussi. Je bois beaucoup de thé, je bois beaucoup d'infusions aussi. Et ça fait un peu... Et là, de moins en moins, d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette. Mais je te recommande le Blue of London de chez le Palais des Thés, Gilles. C'est mon thé préféré. J'arrête pas de dire que c'est super. Ouais. Encore une fois, le Palais des Thés, si vous m'écoutez et que vous voulez une petite sponso, je serais ravi de déguster le Blue of London de face caméra devant tous les gens qui seront intéressés par ça. Mais oui, le thé, c'est effectivement pas ouf. Le café, c'est vraiment pas ouf. Le thé, en fait... En fait, le café, moi, j'aime bien le goût quand c'est dilué, tu vois, genre le goût dans un éclair au chocolat ou dans du tiramisu, mais je pense que c'est le sucre, tu vois. Je pense que c'est aussi le sucre. Qui se mélange. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment le chocolat et en fait, tu te rends compte qu'ils aiment pas du tout le chocolat, ils aiment le gras et le sucre. J'adore des trucs au chocolat quand c'est de la crème et du sucre avec un peu de chocolat, quoi. C'est ça. Mais globalement, un chocolat noir à 80%, je peux pas le manger, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'amertume du chocolat. Je bouffe des chocolats à 99, je sais pas quoi, pourcent, quoi. Ça me plaît de ouf. Mais c'est vrai que la plupart des gens, tu leur fais goûter ça. Même des gens, ils vont dire, mais moi, j'adore le chocolat, c'est mon kiff et tout. Mais non, t'aimes pas le chocolat. T'aimes le gras et le sucre. En fait, tu mettrais du pipi avec. Tu le mangerais quand même. Ça veut pas dire que t'aimes le pipi. Ça veut dire que t'aimes les trucs qu'il y a autour, quoi. Un bon chocolat noir, c'est de la pépite. Mais oui, moi, je suis d'accord. Ah, vous non ? Oui, bon, bah c'est oui. Le problème, de toute façon, il y a plein de gens qui ne supportent pas les chocolats très forts, mais c'est parce qu'effectivement, ce ne sont pas des vrais amateurs de chocolat. Moi, je vois ma copine, elle adore le chocolat, et du coup, il faut des chocolats un peu forts. Quoi. Ah ouais. Petit rappel que le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat, c'est uniquement du sucre et du beurre de cacao, effectivement. J'avais jamais essayé 97%, c'est chaud quand même. Mais j'aime bien tant que c'est pas trop amer. Ah bah c'est très amer quand même. Mais t'y vas petit à petit. En fait, faut pas bouffer ça en mode j'en mange beaucoup d'un coup parce que là c'est très vite écœurant quoi l'amertume. Si tu manges des petits morceaux, je trouve ça vraiment délicieux. Moi j'adore les chocolats super amers. Après voilà. Mais c'est vrai que avec le recul par rapport à la façon dont on se nourrissait, moi je recommande à tout le monde. C'est un message nul hein, parce que tout le monde vous l'a déjà dit, mais en même temps tout le monde a vraiment raison de vous le dire. C'est important de savoir bouffer correctement quoi. Faut apprendre à bouffer et faut considérer qu'en fait les gens qui vous nourrissent, c'est-à-dire les gens de l'agroalimentaire, ne sont pas vos amis. Hein, vraiment, c'est vrai. Allez sur la page Wikipédia de Nestlé pour vous en convaincre. Non, ce ne sont pas vos amis. La France a mis un but. J'ai vu que la France l'équipe avait de France 1-0 face au Maroc. A réalisé un but. On est à 20 minutes de jeu. Voilà, comme ça, je fais un petit. Vous pouvez briller en société demain, quoi.
Vous pourrez le dire. Mais du coup, voilà, donc considérez que ces gens-là sont en fait contre vous, qu'ils essayent vraiment de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous nuire, et que du coup, il faut forcément leur résister, même si c'est nul, parce que ça fait un peu truc, hein, je sais que ça fait message facile, en fait, parce que maintenant, tout le monde le sait, et c'est évident, mais il n'empêche que c'est quand même vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que les fast-foods, c'est dégueulasse, c'est vrai que les céréales pour les gosses, qui en plus sont marketées aux enfants de façon vraiment assez répugnante, quoi, c'est vraiment dégueulasse, quoi. J'ai un taf qui fait que j'ai des horaires de merde que je peux pas forcément chauffer des trucs ou emmener des trucs qui embaument, et du coup je finis par manger sandwich jambon beurre et coca tous les jours parce que c'est épuisant. Mais ça, c'est le gros problème aussi, effectivement. C'est facile. Non, mais moi surtout quand je bossais en post-prod et tout, je bouffais n'importe comment, parce que quand tu as le stress du boulot, c'est très dur de prendre du temps aussi de préparer tes repas, donc tu vas consommer des trucs tout faits. Le midi, bah évidemment, tu vas au resto, mais comme si t'as pas si t'es pas très bien payé, tu vas aller prendre un grec ou un McDo à 6 balles, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Tu te retrouves dans des situations où tu vas super mal t'alimenter. Où t'es un peu obligé. C'est une question de prix aussi, parce que les mecs, du coup, vu qu'ils sont dans cette espèce d'agriculture intensive de ouf, ils peuvent faire des prix de malade, qui font que c'est pas cher en fait de bouffer de la merde. Mais c'est consternant. Il y a des trucs, tu vois, regardez de quoi sont faits les croque-monsieur que vous achetez en supermarché. C'est pas possible, quoi. T'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule, en fait? Genre, c'est un simulacre. Ce n'est pas vraiment de la nourriture, quoi. Tu vois, et donc, je comprends. Moi, c'est même pas, tu sais, c'est pas un jugement de toute façon sur les gens qui se nourrissent mal. Hein. J'en ai fait partie très longtemps. Mais maintenant, en vrai, je préfère perdre tout mon temps à faire à bouffer, quitte à gagner moins d'argent, quitte à être en galère et vraiment manger peu, mais plutôt que de manger leur merde. Quand tu commences à te faire à bouffer aussi, tu réfléchis un petit peu à ce que tu manges, tu as conscience de ce que tu mets dedans, tu peux faire aussi des portions qui te correspondent plus ou moins. Quand tu as fait à bouffer, bah forcément, quand tu manges, tu vas prendre un peu plus de temps que quand tu vas acheter un truc que tu auras réchauffé en 2 minutes au micro-ondes, tu vois. Et puis il y a aussi, moi c'est pareil, moi j'ai un problème, c'est je mange trop vite, tu vois. Et ça, c'est un truc depuis que je suis tout petit. C'est vrai. Mais c'est, tu vois, c'est pareil, c'est parce qu'en fait j'avais pas trop envie de rester dans le self très longtemps à l'école, donc en fait tu te dépêches de manger. Pareil, après chez moi, c'était les repas, c'était pas forcément la joie, donc tu te dépêches de manger. En fait, tu vois, c'est des trucs en fait où tu te dis où t'as presque envie de te débarrasser, comme si c'était un truc qu'il fallait faire, mais dans lequel tu prends pas de plaisir. Alors qu'il faut réussir à retrouver du plaisir dans la préparation de la bouffe et aussi dans la façon dont tu la manges, quoi. Ouais. Et par ailleurs, il faut aussi... Mais tu sais qu'en vrai, ça, le calcul, en fait, n'est pas si évident que ça sur le côté « ça coûte moins cher ». Et ça, c'est un truc qu'il faut quand même rappeler aux gens. C'est que ça coûte moins cher sur le coup, mais tu as besoin de plus pour être rassasié, puisque les macronutriments... En gros, les glucides, c'est les trucs qui sont vraiment, disons, le moins nourrissant. Si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment ne plus avoir faim, il faut mettre l'emphase en fait sur les protéines, végétales ou animales. Moi, je juge pas du tout les régimes des gens. Moi, je suis pas végétarien. Toi, je sais que tu l'es, Gilles, mais c'est pas le problème. Mais juste, voilà, mettre l'emphase sur les protéines et les fibres, c'est quelque chose qui va plus vous rassasier. Donc, vous aurez besoin de moins manger pour vous rassasier. L'espèce de lieu commun qui consiste à dire, par exemple, que les pâtes, ça remplit bien, est plutôt faux. Les pâtes, ça remplit bien parce qu'on en mange des quantités qui en fait ne sont pas justes. On en mange en démesure. Si tu manges une portion de pâtes, en termes de nutriments, ce que tu as besoin lors d'un repas, tu auras hyper la dalle en fait. Alors que si tu te consacres plutôt sur des protéines et des fibres, tu auras beaucoup moins faim. Et en plus de ça, il y a aussi tous les frais qui sont associés à la problématique du surpoids. C'est-à-dire que c'est des frais qui sont différés, quoi, qui ne sont pas directement dans ce que tu payes dans ta bouffe. Mais en fait, nous, on a quand même un système de santé où il y a des remboursements et tout. Mais dans un pays comme les États-Unis, en fait, ça coûte beaucoup plus cher sur le long terme de mal manger, puisqu'en fait, tu vas te retrouver à payer des frais d'hôpitaux. Moi, j'ai des problèmes de santé du fait de mon ancienne obésité que je vais avoir toute ma vie et qui du coup forcément me coûte des sous. Donc faut voir un petit peu sur le long terme aussi et se dire que malheureusement, et je sais que c'est horrible parce qu'on est dans une période où les gens ont plus beaucoup de thunes et c'est vraiment compliqué, mais en fait c'est pas tant gagner d'argent que ça que de manger de la merde, malgré ce qu'on peut imaginer avec donc il faut prendre ça en considération. De toute façon, sur le long terme, c'est un pari risqué, hein. Oui. Parce que là on parle d'argent, mais tu peux aussi parler de temps de vie, tu vois, c'est-à-dire que tu aussi peux tout à fait perdre 10 à 15 ans de vie en mangeant de la merde alors que tu pourrais les garder en mangeant mieux. Oui, et tu ne toucheras pas ta retraite, donc c'est l'argent de toute ta retraite qui est perdu finalement, donc tu vois, donc vaut mieux manger des bons trucs et vivre plus longtemps. Après, tout ça c'est un peu des lieux communs aussi, évidemment que j'imagine que les gens qui nous écoutent le savent très bien, mais c'est juste que c'est bien de le rappeler parce que quand même moi c'est genre à chaque fois que je vais dans des... Parce que même en le sachant, moi tu vois, j'ai conscience de tout ça depuis très longtemps parce que justement je me considère un peu comme adolescent et
jeune adulte comme une victime un peu de toutes ces pubs, tout ça. Donc ça fait très longtemps que j'ai conscience de tout ça. Mais parfois, par contre, tu vois, moi j'ai des tendances un peu dépressives aussi. Donc effectivement, dans des phases de dépression, il n'y a rien de mieux que de manger des bonbons, tu vois. Oui. Mais c'est débile en fait. Que je suis tout petit, en fait, j'ai ce truc-là. C'est débile. Non, c'est pas débile, Gilles. C'est toujours cette confusion entre la dopamine et la sérotonine. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore une fois identifié complètement par plein de gens, je pense, et c'est pour ça que c'est bien de le rappeler, c'est qu'en fait, plus vous prenez des shots de dopamine, ce qui est le cas en fait, quand vous bouffez de la merde ou que vous allez scroller Twitter, c'est plus vous prenez des shots de dopamine en fait, plus du coup vous êtes vous inhibez des récepteurs. En fait, en gros, plus vous prenez du plaisir, moins vous êtes heureux sur le long terme. Mais il faut le dire parce que c'est contre-intuitif par rapport à ce que tu ressens en fait. Parce que tu te dis, si là je prends du plaisir, ça veut dire que je vais être heureux. Mais non en fait, plaisir plus plaisir plus plaisir plus plaisir, ça fait pas heureux. Ça fait l'inverse en fait, ça fait malheureux. Donc, mais c'est pas con en fait, c'est juste que c'est comme ça que ton cerveau est câblé parce que ton cerveau avait pas prévu le gouvernement de Nixon en fait. Parce que tu vois, genre, il avait pas anticipé le truc. À titre personnel, Twitter commence à avoir l'effet inverse. Parce que tu as un système de tolérance qui se met en place aussi. Enfin, oui, mais de la junk food, les réseaux sociaux et tous ces trucs-là, en fait, fonctionnent de manière extrêmement similaire. Et c'est pour ça qu'un jour, je ferai des trucs où je parlerai de ça complètement, où je dirais vraiment à quel point c'est obscène. Et surtout, en fait, c'est que les gens. Oui, de toute façon, ils ont analysé tous les trucs de ton cerveau pour pouvoir que les notifications te donnent un petit coup de dopamine, que le like que tu aies, évidemment. But du Maroc! Du Maroc, donc égalisation. Ah, il y a un raid. J'ai l'impression qu'il y a un raid qui vient de se passer aussi sur mon stream. Merci beaucoup à toi, Jean-Baptiste, pour le raid que tu viens de m'envoyer. Et bienvenue à tous les amis qui venaient de nous rejoindre. On parle de sujets durs, mais dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. On va peut-être faire un concours de prout. On vit dans une saucisse, absolument. Je t'embrasse très fort, JB. Merci beaucoup à toi. Mais ouais, on parlait donc du coup de la dopamine, de la sérotonine et de à quel point ces industries sont conscientes quand même des problématiques qu'elles créent. Et c'est peut-être le gros reproche qu'il y a à faire au truc là, c'est-à-dire que globalement, tu mets sur le marché un truc qui est pas très bon pour la santé, c'est quelque chose qui peut être admis par tout le monde comme une erreur sincère. Moi, je pense que c'est absolument malsain. Et tu sais qu'il y a un truc, mais ça, c'est la post-vérité de ouf. C'est un truc que je note sur Internet depuis quelques temps et qui est vraiment ouf. C'est l'accomplissement total du cynisme de ce type de système. C'est que c'est désormais mal vu de poser une critique sensée sur ces sujets-là. J'ai vu, il y a un documentaire Arte. Ouais, c'est un peu réac. T'as l'air d'être un peu un vieux con. Et effectivement, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pote en disant il faut faire quand même gaffe un peu avec les réseaux sociaux et tout. Et tout de suite, on m'a dit ah, t'es devenu un peu con, un vieux con. Je fais non, mais au contraire, justement. Oui, très étrange. C'est pas le problème. Vas-y, continue ta phrase. Mais ce que je disais, c'est que oui, je constate effectivement sur. Alors, je parlais pas des réseaux sociaux, pour le coup, je parlais encore de la bouffe. J'ai vu un docu. Ah, d'accord, excuse-moi. C'est extensible. Ça existe aussi. Mais j'ai vu sur un. Il y a un documentaire Arte, je crois, qui concerne l'obésité, du coup, qui est un vieux documentaire parce que je l'avais vu il y a quelques années, mais j'ai vu qu'il y a eu un réupload. J'imagine d'Arte, je sais plus comment il s'appelle, mais n'hésitez pas à aller voir, tapez obésité Arte, je suis sûr que vous allez trouver. Mais en gros, vous allez voir qu'il y a un docu en fait où du coup Arte dénonce les méthodes, si vous voulez, de l'industrie de l'agroalimentaire et du fait que quand même ils cachent de la drogue dans des produits de consommation, notamment pour les enfants, quoi. Ce qui est quand même un truc, t'as le droit de dire moi je m'en fous, je suis un peu nihiliste, je m'en bats les couilles, mais c'est compliqué d'arriver à dire ouais, mais. Et les mecs en fait dans les commentaires ils disaient ouais, mais c'est de la faute des gens, ils ont qu'à se bouger le cul, ils seraient moins gros et tout. Et tu fais, mais les gars, mais vous êtes. Mais en plus, ils le disent en mode. Est malin, tu vois, genre en mode nous on a compris si vous aviez un peu de volonté personnelle. Et tu fais, mais vous, tu sais, c'est genre vous utilisez des termes en fait, vous êtes jamais renseigné sur ce que c'était que la volonté, vous êtes, mais tu sais, des concepts que vous ne comprenez absolument pas, un langage complètement stérile. C'est une des rares récentes fois où j'ai lu des commentaires YouTube et ça m'a refait tiens, j'ai bien fait d'arrêter, j'ai recompris pourquoi j'avais arrêté de lire ce genre de truc en fait. Libéral, tu vois, genre t'es maître de ton destin complet à chaque fois, mais c'est fou. Alors non, que... mais c'est une incompréhension de même de l'existence. Moi, c'est des cours de philo que je pensais que c'était acquis, tu vois, depuis longtemps en fait, qu'on avait compris quand même le déterminisme et tout, tu vois. Non, les mecs, c'est mais bouge ton cul, tu seras moins gros. Et tu fais, mais c'est pas le problème, c'est absurde même en thème de, enfin, c'est hallucinant en fait de voir des gens quand même avoir l'impression d'être très intelligent en disant quelque chose d'absolument débile et de très facilement contestable. C'est spectaculaire. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a ce cynisme là où ils ont réussi à créer un système complètement obscène, tu vois, où les mecs ils se déguisent. C'est parce que littéralement le délire des mascottes de la bouffe, de la malbouffe, c'est quand même vraiment des mecs adultes qui se déguisent en clown et en tigre de dessin animé pour rendre des enfants malades, tu vois, c'est pour limiter l'espérance de vie d'enfants.
Tiens, et ils ont réussi à faire genre en mode, mais ouais, mais c'est normal, quoi, c'est comme ça que fonctionne le truc. Et ils ont réussi à avoir des hordes de gens qui marchent dans leur délire complètement fou de trucs de. Parce que, encore, tu peux dire, bon. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on dit. Si on oppose une critique à ce truc-là, on peut me dire oui, mais bon, finalement, ils font leur business et à la limite, c'est la façon dont fonctionne le monde. Et oui, ils profitent, c'est un truc d'exploitation de l'homme par l'homme et c'est comme ça que marche le monde. Et c'est un modèle de société et finalement, on s'en fout des morts. Tu vois, c'est pendant très longtemps, les routes étaient moins régulées. Il y avait un nombre colossal de gens qui mouraient dans des accidents de la route dans les années 70. Et les gens se sont dit oui, mais c'est le prix à payer pour qu'on puisse se déplacer librement. Tu vois, et si c'est acté comme un truc, non mais tu vois, tu peux être cynique en disant bah, c'est acté comme c'est comme ça, c'est les règles du jeu, donc on constate, oui il y a plein de morts, mais c'est le prix à payer pour notre liberté, si c'est une décision concrète. Mais en fait, le fait que on n'ait pas le droit d'opposer une critique à ce modèle là sans tomber dans un délire hyper moral de ouais le bien le mal, je comprends ce que c'est, parce que c'est même pas ce qu'on dit, mais genre t'as quand même le droit d'opposer une critique à ça, quoi. T'as quand même le droit de te dire non, peut-être que les milliers de morts, et encore je suis gentil en disant de milliers de morts qui viennent de l'industrie agroalimentaire, on peut quand même dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois. C'est une critique qui est pas débile, qui est pas en mode justicier à la con, tu vois, c'est quand même un truc qui est à peu près sensé. Le fait que même ça se soit mal vu par des gens qui disent ouais, faut vivre avec son temps, tu vois, la bouffe c'est du plastique et alors, tu vois, ce que tu veux, mais d'accord, je comprends que t'aies ce point de vue là, mais j'ai quand même le droit, si tu veux, d'exprimer une critique sur ce truc là qui est quand même assez objectivement malsain, je veux dire, tu vois, faut quand même admettre que c'est quand même chaud, tu vois. Il y a des pays dans le monde où Tony le Tigre c'est illégal comme délire, et en vrai, ça se comprend, quoi, parce que il y a rien. Mieux, ouais. C'est vrai que c'est plutôt malin. Hein. Mais c'est pas. Mais oui, au Chili, t'as pas le droit. Tu vois. Tu veux que je te raconte une anecdote que je viens d'y repenser. Quand ma mère m'a acheté des Cheerios pour la première fois, je crois que j'ai tapé dans un mur en disant regarde, je suis super fort ou un truc comme ça. j'ai fait tomber un truc qui est tombé. Mais tu vois, je devais avoir 6 ou 7 ans et j'ai fait ouais, regarde maman. Et j'ai fait semblant de donner un coup de poing dans le mur et ça a fait tomber un tableau et ça a tout cassé. Et ma mère, elle fait mais pourquoi tu fais ça? Je fais bah, j'ai mangé les Frosties. C'était pas des Frosties, c'était des Cheerios. Des Cheerios, oui, mais tu t'es comparé au tigre. Ouais, je crois que c'était des Cheerios plus, parce que Cheerios tu pouvais courir aussi, il y avait un truc mais bref. Mais c'est, oui, non, mais c'est vrai que, et ouais, en plus il y a le côté complètement ouf des pubs. En fait, il y a une représentation du corps qui est hyper chelou, c'est-à-dire que en fait ils te montrent des corps dans ces pubs. Moi je pense aux pubs Coca et tous ces trucs là, tu vois, où t'as des mecs hyper baraques, hyper tracés de ouf, c'est les mecs qui sortent de la salle, ça fait 2 mois qu'ils prennent que de la whey, tu sais, ils connaissent quand même, tu sais, ils ont rien mangé d'autre et ils sont là, ils boivent un Coca et genre quoi, de quoi, les gens qui font des pubs pour Coca, c'est fou, hein. C'est vrai, mais que mais en fait le truc qui est génial, des gros, tu devrais être obligé d'embaucher que des gros pour des pubs de sucre. Comme la pub Schweppes des Inconnus, les tu vois, ouais, ça, ouais. Mais en fait le truc qui est génial, c'est que du coup ils te vendent un produit en te mettant un corps humain, un produit alimentaire en te mettant un corps humain à côté, en te disant regarde, ce corps humain consomme ça. Non seulement c'est évidemment faux, tu vois, de façon assez évidente, le mec boit peu de Coca, le mec qui a ce corps là je vous le jure boit peu de Coca et il va beaucoup à la salle, mais en plus le seul truc qui peut vraiment t'empêcher concrètement, de façon littérale, de t'empêcher d'avoir ce corps là, c'est de consommer ce produit, quoi. C'est ça qui est génial. C'est fou, tu vois, que ça fonctionne sur cette base là. Merci beaucoup à toi, Pécrotte, pour le sub, tu déchires. Et j'ai pas remercié, je suis désolé de faire ce remerciement alors que on est encore en vocal, je suis désolé. Mais je vous remercierai à la fin tous, vous êtes trop mignons. Mais je pense que personne ne t'en veut sur ce chat. Oui, mais désolé quand même, parce que c'est fou, tu sais. Genre, ils ont des stratégies marketing où, en vrai, quand tu les vois et que tu prends un peu de recul, tu te dis, mais c'est pas possible que ça marche. Et en fait, ça marche de ouf. Et le pire, c'est que tu te dis, parce que tu peux avoir le côté prétentieux de dire, ouais, c'est fou que ça marche sur les gens. Mais moi, c'est pas ce que je dis. Je trouve ça fou que ça marche sur moi, parce que ça marche sur moi. Genre, je suis tout à fait une victime. Tu me mets un peu une pub avec un truc un peu clinquant, machin, etc. Je suis une baltringue. Moi, je fais ouais, vas-y, consommons ça, tu vois. Mais ça marche. Et genre, mais c'est normal. Après, on a grandi dans un monde, on a évolué là-dedans. Les envies, les choses comme ça, elles ont, toi, c'est des choses de ton enfance, de ton adolescence qui étaient liées dans le monde dans lequel tu as évolué, ou qui te montraient des objets que tu avais envie d'avoir. Oui. En plus, nous, toi comme moi, on vient d'environnement où on n'avait pas trop de thunes. Ouais. Donc, du coup, il y a aussi, toi, l'envie et d'avoir quelque chose alors que t'es pauvre, bah elle est encore plus présente et encore plus là, parce que t'as la comparaison avec les gens qui sont avec tes... Moi, j'avais jamais eu de Nike au collège, tu vois, ce genre de truc.
Donc, fatalement, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, non, mais faudrait. On est formaté. Hein, et à la limite, en fait, qu'ils le fassent. Moi, je comprends. On devrait éduquer les jeunes et leur expliquer ce que c'est que vraiment, ce que c'est que les neurotransmetteurs. Et on devrait leur expliquer ce que c'est que la dopamine, ce que c'est que la sérotonine, ce que c'est que le cortisol. Tu vois, on devrait vraiment, vraiment avoir des cours, mais même en bas âge, en fait. Parce que là, on est à un point, effectivement, où en France, encore, ça va, tu vois, il n'y a pas des. Enfin, ça va. C'est chaud, hein, c'est de pire en pire, je trouve, vraiment, notre rapport à la bouffe. Mais t'attends des pays anglo-saxons, les États-Unis, c'est terrible. Bah, c'est terrible, mais tu vois, est-ce qu'on va être une espèce animale qui va se tuer parce qu'on ne sait pas manger, quoi ? Et est-ce qu'on peut faire plus pathétique que ça, quand même, de crever parce que juste, on ne sait pas comment se nourrir. Bah, tu vois. Est-ce que ce serait la première cause ? Non, je suis pas sûr non plus. Tu vois, il y en a plein d'autres. Oui, oui, mais bien sûr. On est un peu débiles. Hein. Mais c'est fou, débiles. Tu vois. Enfin bref, je sais pas si ça vous intéresse ce genre de débat qu'on fait, mais moi, c'est spectaculaire. Et n'hésitez pas à vous renseigner vraiment. Lisez les étiquettes, quoi. Et quand vous commencez à voir plein de trucs où vous connaissez pas, même si vous y connaissez pas du tout, quand vous commencez à voir plein de trucs où vous savez pas ce que c'est, reposez. Moi, franchement, faites vos courses au rayon. Après, ça fait vraiment d'honneur de leçon de dire ça. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de votre propre corps, ouais. Évidemment, et c'est pas à moi de vous donner des leçons là-dessus. Mais franchement. Si vous avez un déclic en ayant envie de sucre, peut-être que vous n'avez pas envie de sucre. Oui. Ça peut être ce genre de choses aussi, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de sucre? Ou est-ce que c'est pas mon cerveau qui me dit, tiens, j'aimerais bien un petit shoot de dopamine. Et si vous avez envie de sucre, est-ce qu'un fruit serait pas plus pertinent? Il y a des, tu vois, est-ce qu'un fruit est donc accompagné des fibres qui l'accompagnent, c'est-à-dire comme vous le trouvez, un truc, est-ce que c'est pas un peu meilleur? Mais tu sais qu'en plus, en parallèle, en supermarché, les fruits, je trouve qu'ils ont de moins en moins de goût aussi. Donc du coup, Ça c'est à cause de la terre en fait. Le fait avant, tu mettais, t'avais des cycles et tu mettais des terres en jachère. C'est-à-dire que du coup, il y avait tout l'intérieur de la terre, les oligo-éléments, enfin je sais pas trop, mais toi le truc qui nourrit la terre en fait, ça nourrissait le fruit derrière. Là en fait t'en as plus, la terre elle a plus rien. En fait j'avais vu les vitamines et tous les trucs en fait qui sont importants dans les fruits, ça a diminué en moyenne de 50% dans chaque fruit et légumes. 50% Ouais. Ah oui. Parce qu'en fait la terre dans laquelle on cultive les trucs est plus bonne en fait. Donc, parce que effectivement, tu vois, il faut aussi des. C'est pas que de l'eau, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas que de l'eau et du soleil, quoi. C'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. Et forcément, si tu lui mets déjà. La terre, tu la tues en lui mettant des pesticides constamment. Et en plus de ça, tu ne laisses jamais la terre se reposer. Tous les ans, elle est réutilisée à l'infini. Donc, il y a beaucoup moins de bonnes choses dans les fruits depuis. Pour le coup, je connais pas du tout comment. J'avais vu un Cache Investigation, ils avaient sorti les chiffres en fait de différence entre des fruits des années 70 et des fruits des années 2020, c'était effarant quoi. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bah, ça, je savais pas du tout. Alors, mais manger des fruits quand même. Je veux dire, c'est pas grave. S'il y en a moins, il y en a quand même plus que dans plein d'autres merdes. Ouais, et le fait de favoriser les monocultures, d'avoir toujours la même culture sur le même espace, du coup, c'est pas bon parce qu'avant, les gens changeaient. Faisait une année une culture de ça, une autre année une culture de ça, une année on laisse la terre se reposer, et du coup, toi, ça permettait de rééquilibrer la terre. Là, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus jamais ça. D'accord. Mais écoute, ça, je ne savais pas. Je ne sais pas du tout comment. Je ne suis pas agriculteur du tout, mais je ne viens pas d'une famille rurale, donc pour le coup, j'ai eu aucune notion de comment poussent les trucs. Tu vois, franchement, l'état de mon jardin le prouve tous les jours. que je n'ai aucune idée de comment entretenir ça. Tu vois. Vraiment, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je sais juste que, en tout cas, ça a moins de goût. Voilà. Et là, c'est même au point que, parfois, genre, je me souviens encore du moment où j'ai acheté une nectarine, c'était il y a 3 ans. Tu vois, j'ai acheté une nectarine qui avait un super bon goût. Et je me souviens, mais putain, mais c'est ça le goût d'une nectarine, c'est un truc de malade. Parce que c'est fou, hein. Mais oui, c'est fou. Mais tu manges des bons légumes et tu es des bons fruits et légumes et tu fais ah ouais, c'est ça quoi. Putain. Mais même, moi je vais te dire, hein, parfois, moi je vais, comme je suis végétarien, parfois je vais au magasin bio à côté. Il y a des fruits et légumes. Alors, bio qui sont dégueulasses. Quoi. On me dit que c'est quand même un peu faux ce truc. Alors il y a des gens sur mon chat qui disent que c'est un peu faux. Okay. Le truc de j'imagine que c'est le truc des vitamines. D'accord. Ok, moi c'est Élise Lucet. Ça me paraît énorme, 50%. Après, je sais pas, tu vois, vraiment, j'y connais rien, je donne pas mon. Ça me paraît beaucoup. C'était un cache investigation d'il y a 4-5 ans, mais c'était des chiffres complètement dingues. Alors, il y a des gens qui disent que c'est vrai, mais il y a des gens qui disent qu'il y a des raccourcis. Voilà, il y a des gens. D'accord. C'est un truc que j'ai vu il y a 5 ans. Ok, d'accord. En tout cas, je sais que c'était clairement un problème d'alimentation des terres et aussi de non-repos des terres. Qui faisait que la terre se détériorait et du coup le fruit ses bienfaits se détériorent. Mais après je sais pas, peut-être que j'ai dit 50%, mais c'était
C'était un chiffre, mais c'était un truc, c'était quand même un truc énorme qui m'avait fait halluciner à l'époque. Alors on me dit 50% peut-être pas, mais oui, il y a une différence en termes de nutriments. D'accord. Donc en termes de micronutriments, les vitamines, il y en a moins. Après, ça reste des fibres. Tu vois, ça reste des fibres à manger, ça reste mieux que de la bouffe transformée. Moi, le vrai truc aussi qui m'a fait perdre du poids, et là, je le fais moins, tu vois, de temps en temps, là, j'achète un peu de la merde. Mais beaucoup moins. Les fast-food, j'y suis retourné une ou deux fois là, l'année dernière, enfin, c'était cette année, et c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Une pizza aussi. J'ai commandé une pizza, mais pas une pizza d'une pizzeria, mais une pizza d'une pizzeria fast-food, tu vois. C'était une pizza. Franchement, moi, je me souviens d'une fois où on c'était avait... dégueulasse. Je crois qu'on avait commandé des pizzas chez Domino's il y a une dizaine d'années. Et en fait, ensemble, nous deux, tu veux dire ? Il y avait peut-être Jérém. Et à la fin, on s'était regardé, on avait fait, mais qu'est-ce qu'on a bouffé, quoi ? C'était dégueulasse. C'est dégueulasse. C'était gras, c'était... T'as refaim juste après, c'est genre une demi-heure après, t'as refaim. Alors qu'une bonne pizzeria, tu vois, en plus maintenant, il y a quand même pas mal de pizzas. Ça fait partie des restaurants qui sont beaucoup présents. Dans la plupart des villes, t'as toujours une pizzeria un peu artisanale qui fait pas des trucs dégueulasses à la Pizza Hut ou Domino's, quoi. Ça, c'est vrai que c'est des trucs horribles. Bah après, ça dépend de où tu es. Mais au pire, tu peux, tu sais, des pizzas, c'est pas grand-chose, tu peux en faire. Enfin, après, il faut un four qui chauffe chaud. Mais tu peux quand même faire un truc qui ressemble à une pizza et qui est de toute façon meilleur pour toi qu'un truc de chez Domino's. Et puis même une pizza fraîche du supermarché sera bien meilleure qu'une pizza Domino's. Les pizzas un peu fraîches. Ah oui, c'est vrai que les pizzas fraîches de supermarché sont meilleures. Oui, quitte à choisir, parce que c'est vrai que ça, parfois, j'en bouffe. Parce qu'en fait, parfois, moi aussi, j'ai pas le temps de cuisiner, évidemment. Et du coup, quitte à choisir un truc de merde, autant choisir le moins pire, tu vois, genre, tu te retrouves souvent à faire ça, et c'est triste, en fait, d'arriver comme ça, parce que c'est quand même des choses qui constituent ton être, hein. La bouffe, on rappelle quand même que c'est ce qui fabrique ton corps. Donc, c'est vrai que c'est important, quoi. Et c'est... On est ce qu'on mange. Ben oui, c'est genre, et faut essayer de manger sainement. Il y a le meal prep, c'est quelque chose qui est utile. J'en fais peu, mais c'est quand même quelque chose qui est utile pour les gens où c'est un problème de temps. Vous n'avez pas le temps de cuisiner tous les jours, ce qui pour le coup est le cas de, je pense, énormément. Et moi, j'ai pas le temps de cuisiner tous les jours. Là, ça va, je suis un peu en vacances dans les jours qui viennent, donc je vais pouvoir me refaire de la bouffe tranquille. Mais t'as pas le temps de cuisiner tous les jours, c'est normal. Les meal prep, prenez-vous un dimanche, quoi. Prenez un dimanche, vous cuisinez pour la moitié de la semaine, voire toute la semaine si vous êtes un peu filou. Il y a des techniques sur internet qui existent pour pouvoir cuisiner un peu sur le long terme et tout. N'hésitez pas à faire ça, franchement. Mais renseignez-vous sur ce que vous mettez dans votre corps. Moi, je regrette beaucoup, évidemment, je suis un ancien obèse, donc bien sûr que je regrette. Mais je regrette beaucoup de ne pas avoir été plus avisé à ce sujet-là. Tu vois, j'aurais mais vraiment... C'est vrai des cours sur le cerveau, le batch cooking, sur la façon qui fonctionne. Tu vois, c'est vrai qu'on pourrait nous apprendre à l'école tout simplement en disant, tiens, quand tu as envie de sucre, c'est pas forcément... C'est ton cerveau qui t'envoie un message. Tu vois. On pourrait tout à fait te dire des trucs, des béaba, pour savoir, en fait, tiens, t'as une envie ou un truc comme ça, c'est pas forcément quelque chose que t'as envie tout de suite, c'est un message de ton cerveau, parce que pendant longtemps, on t'a fait manger la même chose, et du coup, tu en as envie maintenant, alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Mais c'est vrai que si on t'expliquait ce genre de truc, ce serait cool, quoi. Ouais. Et on me dit, grosse astuce, j'ai bouvert... À 30 ans, à peu près. De quoi ? Je le savais globalement, mais vraiment, toi, c'est vers 30 ans que j'ai réalisé tout ça, quoi. Ouais. Dans ma vingtaine, je mangeais n'importe comment. Ah ouais, non, mais pareil. Moi aussi, c'est vraiment assez récent, quoi. Malgré mon poids, j'avais pas conscience, en fait, du degré de n'importe quoi qu'il y avait dans la bouffe qu'on nous vendait, en fait. C'est-à-dire que... Il y a Goliath 153 qui disait « Concernant les vitamines dans les fruits et légumes, ça dépend des fruits et légumes. Certains peuvent en effet avoir perdu 50% de leur teneur. Le brocoli vendu en épicerie peut présenter une teneur en calcium et en magnésium jusqu'à deux fois moins élevée selon le cultivateur choisi. » D'accord. Parce que pour les gens qui habitent un petit peu dans des petits bleds, il y a des solutions cool. Tu vois, il y a des AMAP, des trucs comme ça qui peuvent vous trouver aussi des meilleurs légumes et éventuellement. Mais... Après, ça change rien quand ça va pas. Je sais que c'est mon cerveau qui veut défoncer le paquet de bonbons, mais je le fais quand même parce que j'ai besoin de réconfort, ce qui est tout à fait juste et lucide. En fait, faut réussir à avoir, mais c'est un effort, hein, faut réussir à avoir suffisamment de recul pour comprendre que c'est pas le plaisir immédiat qui va t'apporter le bonheur que tu cherches, quoi. Donc, c'est évidemment que c'est dur et que c'est tout un travail parce que faut, mais c'est horrible qu'il t'ait mis, parce que maintenant, tu vois, genre, ils ont tellement pourri les supermarchés, les trucs, que du coup, t'étais obligé de vraiment de t'y connaître en science, quoi, tu vois, pour juste nourrir. C'est un truc qu'on avait acté comme étant un truc important du monde.
Mais c'est après, je, voilà, j'ai pas fait le monde, c'est compliqué, mais on en est dans cette situation-là, quoi. C'est vrai que vous avez, dans les supermarchés, désormais, il faut vraiment essayer de mettre l'emphase sur les rayons de produits frais, enfin, sur les rayons de légumes, de fruits, sur la boucherie et la poissonnerie. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Et il n'y a plus le choix. Il dit très justement aussi, du coup, je le disais chez Karim, il allait le dire, mais grosse astuce, manger avant d'aller faire des courses. Oui, c'est, j'allais le dire. Acheter des conneries qui donnent faim sur le coup. Et ça, c'est un truc qui est assez vrai. C'est vrai que moi, si je vais faire les courses quand j'ai très faim, je reviens avec des conneries que j'aurais pas du tout pris bien sûr. Après avoir mangé, quoi. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Il y a ça, il y a le... Vous dites beaucoup, on devrait nous apprendre, mais justement, on nous apprend ça en SVT au collège. Mais c'est juste qu'au collège, on écoute très peu ce genre de cours. Alors peut-être que j'ai fait l'impasse sur ça. Moi, je me souviens pas qu'on m'ait appris ce que c'était que l'addiction. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'au collège, effectivement, on va t'apprendre des neurotransmissions, des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment appliqué à des effets, je veux dire, genre, je mange un bonbon, tu vois. Mmh. C'est ça que... Tu vois, parce qu'en fait, je pense que ce serait plus que genre une connaissance de comment notre cerveau fonctionne. Je pense qu'il faudrait genre un atelier d'intervention, tu vois, parce que genre comme comme il y a des gendarmes qui viennent te voir en disant faut faire attention sur Internet, il y a un médecin qui vient te voir, faut faire attention à ce que tu manges pendant toute une journée. C'est pas débile quoi. Et puis effectivement aussi, il faut peut-être discipliner les marques à faire que mais vous avez, il y a pas de raison en fait de faire bouffer des trucs 4 fois plus sucrés à des gosses. Pourquoi est-ce que les enfants ont, selon vous, ont besoin d'autant de sucre, quoi ? Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des études qui nous prouvent ça, etc. Après, en plus, les études, ils les ont beaucoup bidouillées aussi, ça, c'est un truc terrible. Bah, c'est fou, quoi. Mais est-ce que vous pouvez nous prouver que les enfants ont à ce point besoin de sucre, quoi ? Genre, dans tous ces trucs-là ? Je pense que pour le coup, eux, ils savent très bien que ça rend addict et que c'est pratique, plus il y a de sucre. Enfin, y a le truc de la conservation. Il y a le fait de prendre du sucre de mauvaise qualité qui est moins cher, et puis je pense qu'au fond, de tout ça, il y a quand même un côté un peu cynique de tiens, c'est un produit addictif. C'est comme quand je pense que quand tu es patron chez Haribo, c'est un peu comme quand tu es patron chez Marlboro. Hein. Non, mais tu dis, c'est oui, t'es conscient que c'est un produit addictif et que c'est pas forcément bon pour tout le monde, que ça va procurer du plaisir sur le coup, mais qu'il faut le vendre et que l'avantage du fait que ce soit addictif, c'est que tu vas pouvoir le vendre de façon régulière. Plus souvent, quoi. Ouais, mais c'est pourquoi les gosses, je comprends très bien pourquoi, mais je veux dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas, parce que du coup moi c'est évident pourquoi, c'est parce que du coup s'ils chargent les gosses de dopamine et qu'ils envoient des décharges, le parent en voyant son enfant ressentir du plaisir comprend ça comme justement une preuve qu'il est heureux en fait, et du coup ça réjouit le parent, et ça, je comprends très bien la mécanique malsaine cynique qu'il y a derrière, mais je veux dire c'est, étant donné que je le comprends, j'imagine qu'il y a quand même des pouvoirs publics qui le comprennent également, tu vois, et qui pourraient quand même, ne serait-ce que, oui d'accord, on rend pas les frosties illégal, mais est-ce qu'on peut arrêter de prendre comme mascotte des personnages de dessins animés, le Père Noël et des clowns, quoi. Tu vois, est-ce que ça peut pas être, parce que ça changerait en fait, le produit c'est le même. Et donc ils vont te dire non, mais c'est la liberté de commerce, machin, etc. Mais est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant de pas comprendre, tu vois, genre de pas comprendre, parce que c'est, il y a ce truc là de, on sait que c'est faux, tu vois, genre on sait que vous racontez du mytho et tout. Donc est-ce qu'on pourrait juste légiférer un peu pour se dire, est-ce que c'est pas dans le bien de l'humanité d'essayer de pas être dans la situation assez catastrophique d'hygiène publique de sanitaire que sont les États-Unis par exemple, où tu as des taux d'obésité qui sont complètement hallucinants, où tu as des diabétiques qui ont 13 ans, quoi, des diabétiques de type 2. Je veux dire, tu vois, tu as des diabétiques de type 2, les mecs, ils ont 13 piges. Ah, c'est pas possible techniquement, tu vois, c'est genre, ça n'a aucun sens en fait. Donc bon, mais après. C'est facile en fait ce que je dis, parce que je me suis en train de me dire on n'apporte rien de nouveau sous le soleil, mais c'est quand même bien de le rappeler, tu vois, à un moment, parce que effectivement tu dis, les gens qui n'avaient pas envie de voir le foot peut-être vont penser à leur alimentation demain, c'est ça, et peut-être que par effet de rebond en fait il y a plus que les fans de foot qui seront gros dans le monde, tu vois, parce que tous les autres ils nous auront écouté, sur tous les gens qui nous écoutent qui feront un peu plus gaffe, et même moi, tu vois, je vais peut-être faire un peu plus gaffe demain, parce que j'en aurais reparlé avec toi, tu vois, et moi demain mais tu vois là je me suis cuisiné, j'ai de la bouffe à la maison, j'ai ma copine qui a fait Sven qui dit on me gâche mon tacos. Ah désolé. Putain, tu bouffes ça, tu manges ça. Des tacos, mec. Des tacos. Voilà, on parle de tacos, on parle de tacos lyonnais ou pas? Comment? On parle de tacos lyonnais ou de tacos lyonnais? Putain. J'imagine. Là, on parle de malbouffe, il est en train de manger un petit sandwich. Ah là là. Il nous dit oui, lyonnais. Ah là 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 là, c'est terrible. C'est le mode des tacos lyonnais. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est... Moi, je pense que c'est né d'un mec qui a pris un kebab, qui s'est fait « non, c'est trop healthy ». Il a fait « je ressens presque de la vraie nourriture dedans, tu vois. Est-ce qu'on peut ?» Et c'est pareil, c'est marrant, je suis devenu végétarien et j'ai plus depuis, ça fait 5 ans que je suis végétarien, donc j'ai plus trop envie de manger de viande.
Mais un des trucs qui parfois me vrille la tête, c'est que j'ai envie d'un kebab. Parce que je pense qu'il y a ce truc un peu réconfortant de gueule de bois, de genre fin de soirée. Ouais. Et c'est parfois le seul truc qui revient en me disant « Putain, je croquerais bien dans un kebab quand je passe devant un kebab et qu'il y a l'odeur. » Je vois très bien. L'odeur me dégoûte un peu, mais tu vois, il y a ce truc-là qui est un peu ce truc de réconfort, un peu d'avoir de la viande. Je vois très bien cette sensation. Et ça m'arrive de temps en temps de manger des kebabs. Après, voilà, tout, parce que c'est, faut pas, je vais pas faire semblant d'avoir une alimentation parfaite et tout. Hein. Mais c'est vrai que... Non plus, hein, clairement pas. Hein. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à moi, à 22 ans, genre là, c'est beaucoup, beaucoup plus cool. Là, tu vois, dans mon frigo, il y a une superbe soupe petit marron butternut qui a été faite par ma chère et tendre. Il y a un délicieux chili que j'ai fait moi-même. Il est très bon. Tu vois, ça, c'est super. Mangez ça. Faites-vous des petits chilis. Faites-vous des petites courges butternut en velouté. J'ai fait un petit gratin de butternut aussi il n'y a pas longtemps. C'était super bon. Mangez des produits. C'est meilleur. Crumble de légumes ce soir, tu vois. Hein ? Crumble de légumes ce soir. Voilà. Ah, bah, c'est très bien. De quels légumes ? Tu mets quoi ? Alors, je ne sais pas si c'est Mélissa qui a préparé, mais j'imagine là, c'est la saison, donc il doit y avoir du potimarron, des trucs ça. Bien sûr. J'adore les courges. La carotte, certainement, un peu. J'aime ce genre de choses. Un peu moi c'est en ce moment, mais je suis très en mode courge dans toutes ces. C'est la saison et puis c'est super bon, c'est bon pour la santé, c'est super cool. Tu peux faire plein de choses différentes avec ça. On me dit, je sais pas comment tu fais, donc ça s'adresse à toi, je sais pas comment tu fais pour avoir plus envie de viande. J'ai arrêté il y a 2 mois, j'ai l'impression d'avoir arrêté la drogue dure. Je rêve de viande. Après, ça fait 5 ans hein, que je mange plus et ça pourtant j'étais un gros viandard. Hein. Moi, c'est vraiment plus par idéologie que parce que ça me plaisait pas, tu vois. Ouais. Je sais pas en fait, mais vraiment au bout d'un moment tu te dis tiens, en fait comme tu t'es passé de ça pendant très longtemps et qu'en plus moi derrière il y a vraiment ce truc un peu idéologique du coup j'en ai même plus l'envie quoi. Il y a Mélissa aussi qui était dégoûtée par la viande, enfin qui était dégoûtée par le gras de la viande aussi ouais, elle trouvait ça dégueulasse, je me souviens qu'elle disait ça déjà à l'époque. Ouais, bah Mélissa là, pour le coup en fait c'est parce qu'elle mangeait moins de viande que j'ai commencé à en manger moins. Et en mangeant moins, je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être moyen, parce que ça faisait longtemps quand même que j'avais ça en tête de devenir végétarien. Mmh. En mangeant moins, je me suis dit, tiens, essayons de ne plus en manger, et finalement, ça me manque plus, tu vois. Ce qui est cool, moi je t'avoue qu'aussi pareil, j'aurais beaucoup de mal à supprimer complètement la viande, et encore plus à supprimer complètement les protéines animales. J'aurais vraiment, vraiment du mal à faire ça. C'est très compliqué, après ça c'est des vieilles habitudes, et j'ai déjà arrêté tellement de trucs mauvais pour ma santé que je me dis, voilà, chaque chose en son temps. Tu vois, allez, ouais, puis... tranquille, tu vois. Déjà, si je peux arrêter un peu le café, c'est cool. Tu vois. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, bah super. Moi, je vais te laisser mon petit Karim parce que il est bientôt 21h. Je vais quitter aussi. Hein, ouais, c'est cool. Ce fut un plaisir de ne pas jouer à The Devil in Me avec toi, Gilles. Voilà. Je dis juste, c'est quoi ce bordel? Ouais, mais ma copine, on a pris la décision ensemble avec ma copine de devenir végétarien. Ça aide, hein, parce que je pense que si tu commences à prendre la décision et que quelqu'un dans ton couple, et que dans ton couple, l'autre décide de garder, c'est plus compliqué, je pense. C'est mieux de faire c'est plus simple. Parce qu'après, le changement alimentaire est plus compliqué. Enfin, toi, tu dois faire des plats différents selon les gens. C'est bien de faire ça à deux, quoi. Et puis en plus, ça t'aide. Si t'es motivé à le faire. Ça peut t'aider à garder le truc de le faire à deux. En tout cas, j'allais te proposer, on va pas continuer le jeu demain. Hein. Mais non, on va pas continuer le jeu demain. Là, ça marche pas. Demain, on va faire une partie de normalement si tout va bien avec Fred et Seb de Baldur's Gate. Voilà, c'est cool. Le soir, je pense qu'on va faire ça. C'est quoi, c'est le jeu de l'époque ou le 3, parce qu'il est multi et du coup il est pas sorti, il y a juste l'intro. D'accord. Voilà, et on s'est dit qu'on allait faire ça. Je sais pas si je vais leur proposer. Je sais pas s'ils ont prévu un quatrième joueur en fait, mais du coup je sais pas si je peux te le proposer. Mais si ça t'intéresse. Mais à l'occasion, par contre, ça peut être cool de se refaire, de se trouver un jeu qu'on teste avant. On voit qu'il fonctionne. Mais en fait, moi j'aurais testé. Je t'aurais dit, il fonctionne. C'est juste le stream, hein, parce que sinon il marchait le jeu. Il laguait pas sur. Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, tu peux pas quand tu testes le jeu, tu peux pas ouvrir OBS et voir comment ça réagit, ou c'est forcément quand tu. J'aurais pu ouvrir OBS et voir. Peut-être pas, parce que du coup, si je stream pas, peut-être que ça. Je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas essayé. D'accord. Mais je pourrais essayer pour voir si ça tourne. La prochaine fois, on testera tout ça. Ouais, mais on se fait un truc prochainement. Moi, là, vendredi, je continue ma petite aventure des vieux jeux un peu FMV, tout ça. Ah, super. On sera sur le cauchemar de PPD. Ah oui, bah oui, super. Ok, ça roule. De l'info. Ok, mais moi j'aimerais bien aussi me mettre à des FMV, à des jeux de. Sur Abandonware, il y a vraiment plein de choses. Sais, et en plus, c'est cool parce que c'est des,
C'est des lancements automatiques. Donc, en gros, tu télécharges un Windows 3.1 ou 95 et en fait, tout est encapsulé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu lances les mecs, ils ont tout fait, et tu lances l'installateur et ça va t'installer le jeu dans un émulateur de Windows 3.1 ou de Windows 95 et tout est plug and play, ça marche trop bien. Ouais, ouais, non, mais je regarderai ça. Il y a plein de jeux que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Bad Mojo. D'Abandonware France, ils sont incroyables. Ouais. Ils sont trop cool. C'est cool. Eh ben gros bisous. Moi, je vais rester un petit peu. Je vais faire encore une petite demi-heure de stream. Je pense dans une demi-heure, Je t'envoie tous les gens. Je raide les gens vers toi. Et je te fais des gros bisous. Et puis on se capte bientôt. Gros et bisous. Je vous dis au revoir. Du coup, je vous envoie direct chez Karim. Prenez bien soin de vous, tout le monde. Et puis à vendredi pour ceux qui veulent. Ciao. Bisous Gilles. À toutes. Hop. Déconnexion, l'appel s'est très bien passé. Ah là, je suis absolument désolé, on va continuer un petit peu à discuter. Je me barre, je me suis donné une demi-heure supplémentaire et après je m'arrache. Donc on n'a pas du tout joué. Merde, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Mais oui, je suis arrivé avant le raid psychomuniste. Je vais commencer par remercier les gens qui ont sub parce que j'ai pas fait de la soirée, ce qui est fort mal poli, vous avez le droit de m'en vouloir. Donc Suffren, t'as fait plein de dons, c'est hyper sympa. Je vous remercie tous, on continue un peu les discussions dans une petite demi-heure et puis on s'arrache. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop triste d'avoir raté le foot pour une expérience aussi peu concluante de jeux vidéo qu'on vous avait promis. Vous avez été nombreux effectivement à sub, donc Suffren, je t'ai remercié. Brotato, Delisboa, merci à toi, tu me dis bonsoir. Anastasia Blaze, merci. Camouflage Caca, merci. Bas du cul, merci beaucoup à toi. Wade Wilson Jr., merci à toi, tu me dis coucou Karim, c'était toi qui me parlais de RRR. Bien sûr. Merci à toi, Brick Tamlon, qui me dit bonjour les amis. J'ai vu la vidéo de Bolshevik sur Avatar. J'avoue, ça m'a un peu réconcilié avec moi. J'aime toujours bien Avatar. On pourra en discuter un petit peu. Merci à toi, Tournebulle, qui me dit salut Karim. Je suis character artiste chez Supermassive et super heureux de te voir jouer au jeu du studio. J'ai pas bossé sur Devil in Me, mais en l'occurrence, mais j'espère que ce sera sympa. Écoute, Tournebulle, je suis vraiment désolé. En plus, c'est ton 26e mois de sub, donc je n'ai pas. Je suis vraiment désolé. C'est pas ma faute, c'est mon ordi. Je pouvais pas faire autrement. Mais voilà. Mais vous faites des trucs très sympathiques quand même, quoi. Vous faites des trucs où, en plus, vous avez l'air d'être des cinéphiles, donc c'est cool. Je t'embrasse très fort. Et je suis sûr que. Je sais pas quel cara design t'as fait chez Supermassive, mais je t'embrasse très fort. Et merci infiniment pour ton sub. Et je suis désolé, du coup, de ne pas avoir fait honneur à ton jeu en cette soirée. Qui était quand même assez complexe. Merci à toi, Plaque d'Égout. Merci à Sniper du Web 159. Merci encore à Suffren, qui me dit déjà de moi entre les VOD et les streams. Je me rends pas compte. T'as vu, ça passe vite. Hein. Merci à toi, Vespiter, pour le merveilleux que tu m'envoies. Merci à Bemoret30 pour le sub. Merci à Clodomir. Merci à Dirty Player of the Game. Merci à Royal Belette. À AlexB612, tu me dis bonsoir. Karim et Gilles. Merci à Tabarnak. Merci à Roakam, qui me dit je t'aime, Karim. Merci à Kraftos. Merci à Karim, tu le butes-moi, toujours le pseudo le plus chelou de ces streams. Merci beaucoup à toi, Autre Chauve, qui me dit du love et de la moula. Merci pour tout, Karim Debache. Merci à toi. Merci à Kiwi. Merci à Jimourouli, qui me dit je t'aime aussi très fort. Merci à toi, Suffren, également pour le sub que tu as encore offert à Bambi Fontaine. Merci à Nice Lighter. Merci à Ebion. Merci à OP Crotch, je t'ai remercié. Merci à Calégar, qui me dit l'amour, la plus belle chose du monde. Suffren, tu rebalances un sub encore, t'es trop mignon. Merci à Kaori Yaki, merci à Gecko 2222, merci à Arcos, merci à Playmobix TV, merci à Skamos, merci à Calizior 66 qui me dit 22, ça fait long, c'est pas la taille de son pénis, c'est le nombre de mois qu'il a passé à être sub sur cette fantastique chaîne Twitch. Merci à toi Blob, merci à Nedriff, merci à Psychomuniste du coup, qui me dit je suis quelqu'un de génial, et c'est vrai. Merci à toi Karate Calzone, le mélange de la bagarre et des saveurs de l'Italie. Merci. Qui me dit, bah voilà, j'ai reçu, mais ça fait plaisir. C'est ton 6e mois, tu déchires. Merci à toi, Franck Zappa. Merci à Tarpinouche. Merci à Marshmallow, qui me dit salut, bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, Jalfef. Tu es un habitué. Tu viens d'offrir un sub à Lifeless Nuggets. Donc voilà, c'était une conversation, en fait, qui n'avait rien à voir ni avec le cinéma, ni avec les jeux vidéo, qui a complètement dérivé sur la nutrition. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vit des temps complexes en termes de la bouffe. Et je trouve que c'est un des trucs les plus importants, je pense, de la vie, de savoir se nourrir correctement. Donc voilà, écoutez pas les gens qui vous diront que ça n'a pas d'importance et qu'on s'en fout et qu'on mange n'importe quoi et qu'on s'en fout, c'est pas vrai. C'est ce qui vous compose, la nourriture, c'est important ce que vous bouffez. Et c'est cool de pas vous faire souffrir. Et en plus, le fait de vous faire souffrir en engraissant d'argent des gens qui sont là, qui n'ont aucune considération pour vous et qui vous mettent dans le mal, c'est pas ouf. Voilà, c'est un message à la con hyper bateau. Je suis tout à fait conscient de la dimension absolument futile et absurde et très évidente de mon discours. Mais c'est vrai qu'en voyant ce commentaire donc qui m'a fait sursauter un petit peu, qui
qui disaient ouais mais merde vous avez qu'à garder la volonté et ça marche très bien, j'ai envie quand même de rappeler que non c'est pas vraiment le cas, sinon ce serait vraiment très simple et ce serait en plus absurde en termes de chiffres dans le monde, ça voudrait dire qu'il y a des endroits du monde où les gens naissent plus cons, tu vois, c'est ce qui n'a aucun sens en fait quand tu réfléchis deux minutes à cette concept, à ce concept là, c'est à dire que non il n'y a pas des gens dans le monde où les gens naissent, il n'y a pas des endroits dans le monde pardon où les gens naissent avec plus ou moins de volonté, c'est pas possible techniquement, donc déjà le concept de ça est absurde et donc n'explique pas les différences des taux d'obésité et de diabète qui existent aujourd'hui dans le monde. C'est un vrai vrai problème, donc n'hésitez pas à vous renseigner quand même là-dessus si au moins 2-3 personnes d'entre vous se disent ah peut-être que ça peut être cool, et puis en plus vous allez kiffer parce que la bonne bouffe c'est super bien quand vous la faites correctement et quand vous la faites un petit peu en essayant de réfléchir à ce que vous faites en faisant à manger, c'est super bien la bonne bouffe, c'est très bon, ça nourrit bien, c'est mieux que la merde des fast food et donc c'est super cool. Voilà, c'était le débat de la soirée, je sais pas pourquoi c'est parti là-dessus mais c'était le débat de la soirée. On peut parler d'autre chose du coup désormais. Merci à toi Glandus Bitus qui me dit on est ce qu'on mange comme on dit. C'est vrai, littéralement. Voilà. Merci à toi, Zéréal Maki, aussi, pour le sub que tu viens de prendre, tu déchires. Qu'est-ce que vous me dites d'intérêt ? Eh, merci beaucoup à toi, évidemment, Gilles Stella, pour le raid que tu viens de m'envoyer, c'est trop mignon. Est-ce qu'une sucrerie comme Avatar 2, c'est mauvais pour la santé ? Non, c'est absolument super. Quels sont les défauts que tu reprocherais à Avatar 2 si tu en trouves ? Je trouve que le début du film est un peu trop proche à mon goût du premier Avatar. Ceci étant, je comprends, c'est pas vraiment un reproche que je ferai au film, je comprends l'importance après 13 ans, parce que c'est un film qui sort, c'est une suite qui sort avec 13 ans d'écart par rapport au premier, et donc je comprends après 13 ans en fait la nécessité de se dire on va se remettre quand même dans l'ambiance du premier. Souvenez-vous, Avatar c'est ça, et donc tout le début du film est assez proche en termes d'esthétique surtout en fait du premier film. Mais c'est normal. Et très vite, il y a de toute façon, c'est ça le principe aussi, c'est qu'il y a une rupture qui se fait dans le film où ils arrivent à un autre endroit, voilà, qui est un endroit de flotte. C'est tout ce que je dis, j'ai pas envie de spoiler globalement, mais vous vous doutez, ça s'appelle The Way of the Water. Donc vous vous doutez qu'il y a, j'ai très mal prononcé, j'ai prononcé à la française. Vous doutez que ça se passe dans l'eau. Et du coup, dès lors qu'ils sont dans l'eau, là, c'est un espèce de festival absolument somptueux, qui t'en fout plein la gueule. C'est mortel. Franchement, c'est mortel. C'est cool, quoi, putain. Moi, j'avais vu ça, et en plus, bah, vous n'êtes pas sans savoir du fait de mes nombreuses prises de parole publique récente que je suis un peu déçu quand même de ce qu'est en train de devenir le grand cinéma de divertissement et notamment le grand cinéma de divertissement américain, hollywoodien en fait, je précise quand même ça, je suis un peu déçu de ce que ça devient et je suis en fait, j'ai vraiment réfléchi à ce sujet là et c'est pas moi qui vieillis, je vieillis à bien d'autres, je suis conscient en fait que j'ai plus le même regard qu'à l'époque, mais moi en fait je suis pas passéiste du tout, malgré ce que certains de mes discours peuvent laisser penser, je veux pas qu'on revienne au cinéma des années 80, je veux pas qu'on revienne au cinéma des années 90 que je trouvais pas ouf non plus, d'ailleurs le cinéma de divertissement des années 90, je le trouvais pas terrible non plus. C'est des films catastrophes qui sont à des années-lumière, je pense, des grands films catastrophes des années 70 aussi. C'est pas spécialement bien fait non plus. Il y a un espèce de côté exploitation où tout se répète également dans des boucles. Ça, c'est les années 80 qui ont amené ça aussi au cinéma. Cette espèce de truc de formule qui se répète à l'infini et qui commence à se mordre la queue. C'est pas du tout de la nostalgie en fait. Je suis pas en train de dire c'était mieux avant. Je suis en train de dire franchement, c'est pas mieux aujourd'hui et j'aimerais que ce soit mieux demain. En fait, c'est ça que je me dis. Et j'aimerais vraiment qu'on essaye qu'on construise des nouveaux univers. Quoi, parce que c'est aussi ça, et en fait il y a un propos global sur l'état du monde qui est relié à ça, quoi. C'est-à-dire que on ne tolère les évolutions que dès lors aujourd'hui qu'elles sont qu'elles conservent le statu quo, quoi. C'est-à-dire que désormais c'est vrai qu'on est dans une espèce de zeitgeist où effectivement le progrès qui est admis est un progrès qui préserve le vieux, quoi. Et moi c'est pas ça que je veux, et en fait ce que je dis c'est vraiment un délire de est-ce qu'on pourrait aller vers un cinéma vraiment des années 2020, est-ce que les thématiques qu'on pourrait développer pourraient un petit peu changer des anciennes, est-ce qu'on pourrait créer des nouveaux univers qui nous offrent des nouvelles perspectives et des nouvelles visions aussi du futur et de bon, Avatar, c'est 2009. Enfin, c'est la fin des années 2000, donc c'est pas tout neuf non plus. Mais c'est vrai que voilà, ça appartient quand même à l'ère moderne et c'est en train de développer un univers qui appartient à notre époque à nous, quoi. Et c'est un imaginaire qui a quelques limites aussi parce qu'il y a quelques trucs dans la direction artistique de l'univers Avatar que je trouve un peu pas simple parce que c'est extrêmement dense et extrêmement construit, mais que je trouve un peu convenu parfois. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont un peu des idées de SF qui sont un peu convenues peut-être. Mais globalement, il y a quand même un nouvel univers qui s'ouvre. Là, on a des nouvelles espèces qui nous sont montrées, avec des nouveaux endroits qui nous sont montrés, et il y a des portes qui s'ouvrent sur un hors-champ qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que là, du coup, on retourne sur Pandora, on reprend conscience de cet univers-là, on voit des... Et puis en plus, c'est bien montré, quoi. C'est aussi ça, c'est magnifiquement bien montré. On a envie de... Moi, j'ai envie d'imaginer des nouvelles espèces qui sont montrées. Ça m'a fait l'effet d'un univers qui demande à être découvert aussi, et qui est montré, en fait, avec passion et vraiment... et sérieux, en fait, par des gens, quoi. Et il n'y a pas ce côté recul, il n'y a pas... Donc moi, ça, c'est le type de projet
projet en fait qui me réconcilie avec le cinéma de divertissement moderne. Si ça devient des trucs comme ça, je vais redevenir fan des blockbusters américains et je vais dire que c'est mortel. Même s'il y a des défauts, hein. Je dis pas que c'est un film parfait et tout, bien sûr, parce qu'il y a aucun film qui l'aide de toute façon. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je veux dire, il y a quand même voilà, une démarche vraiment un peu de proposer un vrai divertissement exigeant, sérieux, mais jamais prétentieux. C'est-à-dire que c'est du grand cinéma populaire dans le sens où ça prend pas les gens pour des cons, ça a tout à fait conscience des attentes des gens, mais ça ne joue pas dessus en mode un peu sarcastique, cynique. Comme ce que font tous les blockbusters modernes qui sortent, quoi. Il y a une envie de voilà, c'est cool de prendre ces univers là au sérieux. D'ailleurs, oui, c'est un univers un peu nerd, etc., mais ça joue pas sur des référentiels complètement obscènes. Ça, c'est pas tout le temps en train de vous mettre des coups de complice. Ça fait pas référence à un truc qui s'est passé dans la vraie vie il y a deux jours, tu vois. C'est pas genre ah ouais, bah il a pas signé pour la suite, et on va faire des blagues là-dessus, tu vois. Ça fait pas des blagues sur ce qu'était le truc de ouais, je vais quand même pas mettre un costume jaune parce que vous savez, dans la BD, il est jaune. C'est pas ça, quoi, Avatar. C'est vraiment des personnages qui vivent des aventures qui parfois sont un peu évidentes et tout, mais qui vivent des aventures de façon sincère avec des acteurs qui sont impliqués en fait pour jouer des rôles qui s'effacent en fait derrière les rôles qu'ils jouent, quoi. Et c'est cool, et c'est pour ça qu'il faut aussi saluer, mais pas seulement Cameron, mais absolument tous les gens qui travaillent sur ce film là. C'est que là, t'as l'impression en fait de voir quelque chose qui paraît évident, mais qui en fait n'était quasiment plus dans l'air du temps, c'est-à-dire simplement de voir des êtres humains qui s'effacent au service du spectacle qu'ils sont en train de se proposer. C'est-à-dire que t'as voilà des gens des effets spéciaux qui essaient de faire des effets spéciaux qui sont invisibles, des gens des acteurs qui essaient de jouer vraiment les émotions que leur personnage ressent à ce moment-là, un réalisateur qui a vraiment envie de te faire découvrir un univers et tout. Et putain, ouais, c'est cool, quoi. C'est cool que je sois pas en train de me poser la question de systématiquement de ouais, mais comment ça a été produit, comment il s'est entendu avec la Fox, ce mec, ce réalisateur et tout. Il n'y a pas ça dans le film. Là, c'est vraiment genre des personnages qui vivent des aventures, qui sont hyper intéressantes, avec des vrais, en plus, des personnages. En plus, c'est cool parce que c'est le 2 et on sait qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Et du coup, je vais pas spoiler du coup, mais il y a des personnages qui vivent des trucs où j'ai vraiment envie de voir ce qui va leur advenir, quoi. C'est pas ce que l'acteur va signer ou pas pour le 3 ou 4, j'ai vraiment envie de voir que le personnage que j'ai vu dans ce film-là évolue dans les suivants, quoi. C'est franchement, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool et je suis vraiment heureux. Tiens, t'en as pensé quoi de Everything Everywhere All at Once? Je l'ai trouvé vraiment passionnant. J'avais vraiment l'impression de jamais avoir vu ça, de la vraie nouveauté. Ouais, j'ai adoré Everything Everywhere All at Once. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Mais tu vois, c'est pas un blockbuster, Everything Everywhere All at Once. Moi, quand je dis ça, ça concerne vraiment le cinéma de grand divertissement, de grand spectacle, des Laurence d'Arabie-like, quoi. C'est ça que les films qui essaient de vraiment t'emmener dans d'autres univers, quoi. Mais Everything Everywhere All at Once, c'est excellent. C'est très réussi, ouais. Merci beaucoup à toi, du coup, Zerel Maki, je t'ai remercié. Crispy00 et Monsieur Demo qui me dit t'es magnifique. Merci beaucoup. Malgré mon star, comme ça, qui est juste là. Voilà. Meilleur film de l'année, Everything Everywhere All at Once. Alors, il y a aussi quand même RRR que j'ai adoré. J'ai adoré RRR, vraiment. J'ai trouvé ça mortel. Et franchement, Avatar, il faut que je le revoie. Mais là, ce que j'ai vu, moi, c'est un spectacle qui m'a tellement réjoui. Genre, j'étais tellement content, au bout de 2h30 de film, de pas avoir l'impression d'être dans une salle de cinéma, en fait. D'être vraiment dans un univers projeté dans Pandora. Tu vois, de vivre des trucs. Bah, à ma droite, il y a un extraterrestre, il y a cette créature-là. Là, il y a cette espèce d'énorme truc qui nage. J'étais vraiment content. Ça faisait longtemps, en fait, dans une salle de cinéma, que j'avais pas l'impression d'être dans une salle de cinéma. Et c'est cool. Et putain, mais ça, si vous le comparez vraiment, franchement, parce que même avec des boutons, t'es beau gosse, t'inquiète. Merci beaucoup, Dreamline, tu me touches toujours. Pas littéralement, parce que c'est pas du tout cette relation-là qu'on a, mais je t'embrasse très fort. C'est très gentil ce que tu dis. Merci à toi, Ruven, pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis coucou. Je te renvoie le coucou aussi. Donc ouais, je l'ai vu en 3D, je l'ai vu au Gaumont de Rennes. C'était une très belle projo, ça s'est très bien passé, c'était cool. Putain, et puis c'était tellement cool de le voir en plus en 3D, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Voilà. Si vous disposez pas chez vous d'un écran immense, vraiment là, prenez votre place, et puis payez votre place, merde, quoi. Parce que là, franchement, pour le coup, vas-y, si ça rentre pas dans ses frais... Et c'est des frais chers, parce que là, ils t'en foutent plein la gueule, quoi. Donc si ça rentre pas dans ces frais, que ça bide, ça va pas bider. Mais si ça fait pas assez d'argent, parce qu'en fait, pour que ce soit rentable, à mon avis, un film comme ça, il faut que ce soit un des films les plus rentables de l'histoire de... Enfin, il faut que ce soit un des films qui rapporte le plus d'argent de l'histoire du cinéma, je pense, pour que ce soit rentable. Parce que là, on t'en fout vraiment plein la gueule, quoi. Ça n'arrête pas. C'est chaque plan... Si tu peux faire pause et te dire combien ça a coûté et tu tombes dans les pommes, en fait. Donc ouais, allez le voir, payez votre place parce que c'est cool, quoi. Parce que par pitié, putain, si ça peut embrayer un truc sur voilà, maintenant les cinéastes, ils sont conscients qu'ils peuvent créer des nouveaux univers, s'amuser avec et le faire sérieusement de façon exigeante sans avoir besoin de faire référence à Retour vers le futur. Vraiment, je serais vraiment ravi que le cinéma parte dans ce délire là. Donc c'est cool, je suis satisfait, vraiment satisfait. On parle d'Avatar 2, Kajibi.
Voilà. Perso, j'ai kiffé le chapeau des deux. Mais tu sais que t'es pas Gamebuster 42, donc je lis ton message, tu me dis, perso, j'ai kiffé le chapeau T2 car DreamWorks est revenu, j'imagine, sur leur concept des Shrek. Il t'a fait quelques fautes qui font que c'est dur à lire. Je suis désolé, je ne t'en veux pas du tout pour les fautes que tu as fait, mais c'est juste que du coup, je galère. Et ça donne envie de voir plus de films dans cet univers, car c'est pas juste une simple suite. On voit que l'univers propose beaucoup de choses en arrière. Écoute, je n'ai pas vu le chapeau T2, mais tu n'es pas le premier à me dire que c'est vraiment chouette et que ça vaut le coup. Donc, je suis ouvert tout à fait à voir ça. C'est marrant parce que tout ce que tu dis au final, c'est ce que je me suis dit après avoir vu le 1. J'ai adoré l'esthétique, la 3D pour une fois, et l'univers, Karim. Moi, j'adore le 1. Après, je trouve il y a des critiques qui sont... Non, je l'ai pas vu en 4DX, par contre. Je trouve je l'ai vu en VO. Mais je vais le revoir en VF. De toute façon, je vais le revoir, ce film, c'est sûr. Il passe au cinéma à côté de chez moi en VF. Faut que j'aille le mater aussi. Je vais le voir dans quelques versions différentes. Je crois que, à mon avis, la mère, putain, il y a un mec qui a fait un post sur Facebook qui explique précisément toutes les versions et tout. Faudrait que je le lise. Je l'ai pas lu avant d'aller voir le film, donc c'est la honte. Mais je l'ai vu dans ce que j'imagine être les meilleures conditions pour le voir, en tout cas là où j'habite. Après, je crois qu'en France, je me demande si le Disney Village, du coup, il y a à mon avis des trucs en IMAX. Je pense que ça doit être le meilleur endroit pour le voir. Je sais pas. Renseignez-vous sur les trucs de projection et essayez d'aller le voir dans les meilleures conditions. Parce que là, pour le coup, c'est un spectacle qui mérite vraiment un grand écran, quoi. C'est genre, ça vaut le coup de le voir sur un écran massif, même de le voir comme une expérience entourée de gens. Et c'est une vraie expérience de cinéma que t'as envie de partager avec des gens autour de toi, que ce soit des inconnus, des potes à toi. Genre, c'est un truc que t'as envie de voir. Franchement, putain, c'est cool, quoi. Et puis merde, je suis content de pas avoir été déçu. En vrai, si j'avais été déçu, s'il y avait eu un moment où genre Jake Sully s'était tourné pour faire comme ça à la caméra pour faire mais attends, là ça m'aurait saoulé. Parce qu'il y a des références dans le film, mais elles sont, je pense, volontairement old school. Parce que du coup, il y a la référence de We're Not in Kansas Anymore, évidemment, quoi. Mais du coup, c'est référence de vieux films old school qui sont pas à la mode, en fait. C'est ça. Et le film, t'as l'impression qu'il a jamais envie d'être cool. Il a jamais envie de te faire genre, mais je suis hyper comme toi, le Jones. Moi aussi, parce qu'il y a un truc, il y avait la bande-annonce de Donjons et Dragons avant le film, je l'ai revu du coup, parce que je l'avais déjà montré en stream, et voilà. Tu vois, c'est l'inverse de ça, quoi. C'est-à-dire, ouais, il va faire un petit pas, il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas le côté anachronique un peu pété, rincé des blockbusters de Marvel, il n'y a pas ça, il y a vraiment juste, waouh, on a fait des créatures de ouf, on a fait un univers de bâtard, on a fait des trucs avec des espèces de trucs bioluminescents partout, et on va vous plonger là-dedans, et c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais pas non plus en faire trop, parce que je suis à chaud, je viens de le voir, donc du coup je suis hyper enthousiasmé par le spectacle que je viens de voir, quoi. Et peut-être que je vais le revoir, je vais dire, bon, il y a quand même 2-3 trucs qui bloquent un petit peu et tout, mais franchement, ce que j'ai vu, c'est putain, c'est un vrai spectacle de cinéma, quoi. C'est un vrai truc, là tu comprends, et tu comprends les thunes que ça a coûté, tu fais, oui, c'est normal que ça coûte cher, évidemment, parce que là tu m'as fait voyager dans un truc magnifique, et puis ça va rester, quoi. Et là, en plus, là, Cameron, il a l'air d'avoir arrêté sa carrière en mode, maintenant, ma vie, c'est Avatar. Donc, ça a l'air tellement sincère. Tu sens que, genre, même malgré tout ce que tu peux dire, avec tout le cynisme ambiant de, ouais, mais ça ressemble quand même à Danser avec les loups, machin, etc., si tu veux. Mais là, c'est vraiment l'œuvre d'un auteur qui est hyper à fond dans son délire, quoi. Tu vois, qu'il y croit à fond. En fait, il y croit tellement en Pandora que, genre, ouais, mais je te suis, tu sais, t'as l'impression que le mec te tend la main. Il fait, non, mais j'ai vraiment des trucs à te montrer et ça peut t'intéresser. Alors que la plupart des blockbusters que je vois en ce moment, j'ai l'impression que c'est des mecs qui te prennent, fait, regarde, je suis bien habillé, non ? T'as vu comment je suis bien habillé, non ? C'est cool. Et James Cameron, il fait pas ça, quoi. Il fait, non, j'ai vraiment un univers super chouette et tout. Et non, c'est trop bien. Je suis trop content d'avoir vu ça. Je suis content d'avoir été le voir au cinéma. J'y retournerai très probablement. Je suis satisfait, vraiment satisfait. Oh, et en parlant de Donjons et Dragons, la vidéo HSJDG est pas massivement passée à côté du fait que les films sont réalisés comme une adaptation de parties de JDR et pas comme une adaptation de leur univers. Mais je crois, il l'a pas mis. Alors j'ai pas revu. Si, j'ai revu des bouts de la vidéo vite fait. J'ai rematé quelques trucs en live. Mais je sais. Mais ça, on en est tout à fait conscient. Mais c'est, si, il a forcément dit, Fred. Ça, on se le disait tout le temps, en fait. Mais surtout le 2 et le 3, où là, c'est vraiment en mode adaptation de partie de JDR, alors que le premier, mais j'en parlais dans un live, en plus, où j'ai évoqué ça, quoi. C'est tout à fait... c'est conscient. Il le dit à la fin.
Ouais, non, c'est en tout cas, c'est conscient. C'est évidemment que c'est sous cet axe-là même qu'on l'a vu, le film. Et justement, on s'est beaucoup dit avec Fred que le premier était beaucoup plus en mode, justement, ça a essayé de prendre une partie de JDR et de la tirer vers une adaptation classique des mythes un peu plus traditionnels, en mode ça a essayé d'être beaucoup plus épique que le 2 et le 3, qui essayaient plus d'être effectivement une retranscription d'une partie de jeu de rôle. Mais ce qui, en fait, c'est évidemment quand tu parles, l'idée, moi je connais très peu Donjons et Dragons, mais ça j'en ai parlé dans mon stream. Mais Donjons et Dragons, évidemment, que le concept premier, quand tu dis on va adapter Donjons et Dragons en film, c'est tu te dis bah tu peux faire plein de films déconnectés les uns des autres sur des petites aventures. C'est contrairement à un truc, si tu adaptes Le Seigneur des Anneaux, tu parles de grands rois, de machins, de trucs et tout, alors tu peux faire juste des histoires de c'est des petits voleurs, etc. Ce qu'ils vont continuer à faire d'ailleurs dans le prochain long métrage qui va sortir. Mais ça fait pas que c'est des bons films non plus. mais évidemment que ça, c'est le truc évident quand tu te dis je vais adapter comment est-ce que je vais faire en fait comment est-ce que je vais séparer l'univers Donjons et Dragons des autres univers potentiels d'Heroic Fantasy qui existent. Et bah, le truc très logique qui devient Donjons et Dragons, c'est du jeu de rôle, donc tout le monde a vécu des petites histoires chacun dans son coin et ça construit un univers. Donc c'est évidemment que ça que tu te dis tu dis que tu vas faire. Quand Pterodactyl, tu dis je débarque, désolé, on parle de quoi? On parle de Avatar 2 du coup, qui est sorti aujourd'hui, Way of Water, qui mérite vraiment, je trouve, et qui me rassure sur le cinéma de divertissement. Et putain, si c'est ça que ça annonce, les années 2010 ont été très chaotiques. C'est-à-dire là, ça m'a pas fait l'impact d'un Mad Max Fury Road en mode ouais, putain, c'est ouf, mais ça m'a fait cette sensation de putain, il y a un auteur qui est hyper investi par son univers et qui a envie de te montrer à quel point son univers est intéressant à regarder, qui a pas envie de se la péter avec quoi. Donc c'est les deux derniers blockbusters que j'ai surkiffé, moi c'est ça, c'est Fury Road, mais c'est 2014 quoi, on est en 2022. Voilà, Fury Road et ça, c'est les deux derniers gros blockbusters. J'espère que c'est pas en fait un... Juste que Avatar, ça va pas être une exception, et j'espère que les studios vont avoir confiance dans des réalisateurs un peu ambitieux et en même temps habités par leurs univers, qui ont envie de proposer un spectacle exigeant. J'ai vraiment envie de ça, donc j'espère que ça va cartonner de ouf. J'espère que ça va enterrer tous les Quantum Mania et les conneries. Ben, j'ai pas vu Quantum Mania, mais ce que j'ai vu de la bande-annonce, moi je m'en bats les couilles de ce film-là en vrai, et du coup j'espère que ça va enterrer tous ces trucs-là et qu'on va partir sur une nouvelle ère de cinéma, d'un cinéma plus sincère quoi, qui a envie de se détacher de cette espèce de d'épée de Damoclès, enfin de comment dire, même pas, mais de se détacher de ses ancêtres quoi, qu'on va pouvoir passer enfin les années 80 et 90 quoi, et regarder peut-être dans le futur et proposer des nouveaux spectacles de divertissement, peut-être des nouvelles utopies, peut-être des nouveaux trucs de science-fiction, des nouveaux trucs comme ça quoi. J'espère vraiment. Merci à toi Auricia pour le deuxième mois de sub, tu déchires. Voilà, c'était bien Avatar, moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé Avatar. J'espère aussi que les critiques vont comprendre la proposition. Arrête Karim, il y a les Jurassic World qui étaient énormes. Ah pardon, c'était... non, c'était pas terrible quoi. Se détacher de John du marketing qui dit qu'il faut faire comme ça. Je sais pas d'où ça vient, cette espèce de délire. Si, je sais d'où ça vient. Ça vient de quelques succès, en fait. Et ça vient aussi de l'époque. C'est normal. En vrai, je fais beaucoup de critiques sur le cinéma actuel et j'en suis conscient. Elles sont peut-être pas justes. Complètement, dans le sens où c'est des critiques qu'on peut aussi faire aux années 80, évidemment. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait les tropes de l'époque aussi, et les mecs, ils faisaient que ça, quoi. Ils bouclaient là-dessus comme des oufs sur ouais, il faut que. Et même, effectivement, aussi par rapport au scénario, c'est même quand ça trahissait un peu le scénario, ils voulaient remplir les cases de l'époque pour le truc à la mode qui marche, mais ça, j'en suis conscient, bien sûr. Mais c'est juste qu'il y a un manque de nouveauté, quand même, et il y a un manque d'envie de nouveauté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une façon de regarder le futur comme étant... c'est normal parce que c'est... En fait, je réfléchis à chaud, donc c'est peut-être que ce que je dis est débile. Mais c'est-à-dire qu'il y a un truc un petit peu en mode... le futur a l'air tellement angoissant et tellement flippant qu'on va refuser tout ce qui ne va pas préserver le passé, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un délire, et même au-delà du cinéma, mais ça se retranscrit forcément dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est terrifiant, la nouveauté est devenue terrifiante. C'est paralysante quoi, presque. C'est-à-dire que tout ce qui peut avoir l'air d'être un truc nouveau tétanise les gens de façon, et du coup ils sont immédiatement sur la défensive en se disant on va du coup essayer de se protéger un maximum, et les seuls trucs qui sont admis comme étant du potentiellement nouveau, c'est que si non seulement ils contiennent de l'ancien, mais qui permettent de préserver le statu quo d'aujourd'hui quoi. Ce qui est un peu étrange parce que le statu quo d'aujourd'hui n'est pas désirable, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas ouf le monde qu'on a construit là. Mais on est tous terrifiés à l'idée de le faire évoluer vers quelque chose qu'on connaît pas. Il y a une terreur de l'inconnu qui, je pense, est vraiment mais vraiment profondément ancrée dans le cœur de nous, en fait. Et je m'inclus parfois là-dedans aussi. Mais du coup, c'est vrai que tu te dis, bon, bah,
Est-ce que ça va être ça, du coup? Est-ce que ça va être juste regarder le divertissement? Est-ce que ça va être juste regarder dans le passé et se poser des questions sur à quel point on a foiré les années 80 ou à quel point c'était mieux avant? Non, moi, c'est ça qui me rend triste, en fait. J'ai envie de vraiment de voir des nouvelles propositions. Moi, j'aimerais qu'il y ait des nouveaux avatars, mais qui sont... genre où les mecs, ils investissent à balles d'argent pour me faire des licences de ouf que j'ai jamais vues avant, avec des nouvelles façons de filmer que j'ai jamais vues avant. Mais du coup, non, c'est pas ça. Ils sont pas partis sur ça, les gens. Donc là, c'est bien qu'il y ait James Cameron qui soit là à dire, moi, c'est mon projet de cœur, Avatar. Je vais consacrer ma vie à ça parce que je vois quelque chose dans ce projet-là que je pense sensé. Et c'est bien. Et voilà, c'est super cool. Donc, regarde l'émission récente sur les inconnus, très, très fort. Ah si, mais si, vous m'avez déjà parlé de ça. C'est le délire de... Ils refont des sketchs des inconnus de l'époque... Mais verbatim, et genre juste avec des modes, des gens à la mode d'aujourd'hui. C'est ça le délire? Mais ça faut. Mais c'est l'idée de qui ça? Tu vois, c'est qui le mec qui est assez fou? Enfin, non, c'est pas assez fou en fait. Je suis désolé pour lui en fait, si je suis un peu méchant quand je dis ça. Mais ça me paraît fou comme idée. C'est quoi ton idée de ouf là? Tu t'es dit, bah vas-y, on va refaire exactement les mêmes sketchs avec juste des gens différents à la mode et ça va plaire quoi. Mais c'est pas ça, la création des trucs, en fait. Si tu veux faire des sketchs des inconnus, tu peux revoir des sketchs des inconnus de l'époque. C'était très bien, j'aime bien les inconnus, moi. Mais c'est la plus-value, ça peut pas être juste la tête des gens qui sont connus, quoi. C'est pas possible. Mais on est toujours dans le métatexte, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, c'est genre, c'est juste le mec est connu et du coup, ça va être mieux. Non, ça peut pas être mieux. Je l'ai pas vu, hein, le truc. Je suis sûr que c'est naze. Je suis sûr, mais à 200%, ça se dit pas. Je déteste les gens qui disent ça. Je retire exactement ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit à 200%, à 100%. Je suis certain à 100%, c'est-à-dire que 100% de mon corps et de mon esprit est convaincu que c'est schlag. Je suis sûr que ça pue la défaite. C'est obligé. J'ai même pas eu besoin que vous me disiez, c'est évidemment. Mais oui, bien sûr que c'est naze. Vous me dites que c'était à chier. Mais oui, c'était à chier. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de ouf? Voilà, c'est chercher de l'affectif, de la nostalgie des anciens, plus l'hype des nouveaux acteurs. Forcément, c'est pas ouf, ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, quand t'es face au truc où tu te dis, mais créer des émotions... En fait, il y a une forme de renoncement aussi dans cette démarche nostalgique, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais putain, créer des émotions, c'est trop dur. Comment on fait? Ah bah, on remonte des trucs qui en ont créé par le passé. Et ils jouent sur ce truc de rebond, en fait, tu vas voir un truc et tu vas dire, ah, ça me touche, parce que c'est l'Ecto One de Ghostbuster. Tu vois? Mais en fait, c'est pas une émotion, ça. Enfin, si, c'était une émotion à l'époque. Mais c'en est plus une maintenant. T'as plus le droit, en fait, tu peux pas faire ça. C'est vrai que c'est hyper, mais par contre c'est hyper intéressant à analyser. Et il faut l'analyser, il faut essayer de le comprendre, il faut essayer de comprendre l'époque dans laquelle on vit parce qu'elle est fascinante, quoi. Parce qu'elle est dans un espèce de paradoxe hyper chelou. De à la fois on déteste notre passé, mais en même temps on peut pas vivre sans, quoi. Il y a ce truc là vraiment de ouf. C'est assez amusant parce qu'il y a 10 ans c'était un peu fun, quoi. Moi je sais que ça quand c'était fait il y a c'était un peu rigolo, quoi, de dire, ah tiens, on se re-questionne sur les trucs qui nous ont fait grandir, cette espèce d'époque complètement débile, pas débile, mais complètement abusée des années 80 et 90. On la regarde un petit peu avec un petit peu tongue in cheek. Il y a eu les années 90 qui sont l'année du métatexte, en fait, qui ont inondé la pop culture et le cinéma. Et du coup, arriver après ça et repenser le méta de l'époque, c'était super intéressant. Mais là, du coup, maintenant que tout le monde le fait, je trouve qu'il y a des moments, moi, dans les films récents où je fais, mais attends, mais... Attends, je comprends ce que tu es en train d'essayer de faire, en fait. Mais je trouve ça vraiment facile. Est-ce que tu voudrais pas essayer de m'émouvoir avec d'autres trucs? Voilà. Salut, je veux un Kev Adams rejoue Coluche. Ça peut arriver, hein, arrête de les tenter comme ça. Moi, je te dis, le point de rupture, ça va être le Police Academy reboot. Police Academy, mais qui s'appelle pas Police Academy 8, parce que oui, il y en a eu 7. Mais c'est Police Academy, et il s'appelle Police Academy, et c'est un remake de Police Academy. Et ça te montre comment Police Academy, c'était pas ouf, mais en même temps, ça fait que des références à la licence Police Academy. C'est ça que je veux. Je veux des mecs qui font des bruits de prout. C'est ça, non, mais et là, ça va être le point de rupture. Là, c'est le moment où je ne consommerai plus jamais de films américains. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ça va me déclencher une espèce de truc de rejet où je vais faire là, c'est trop. Parce qu'ils les ont tous faits. Ils les ont tous faits. Vous avez vu Scream? Genre le dernier Scream, qui en fait est Scream 5, mais qui est Scream. Vous pouvez faire plus consensuel. Moi, j'adore Scream 1. Je sais que c'est très... c'est une parole qui est, comment dire... Il y a plein de gens qui détestent Scream, parce que c'est aussi un film qui lance aussi cette époque-là méta. Mais c'est-à-dire... c'est une horreur, le 5. C'est une horreur. C'est vraiment... C'est pire que le 4, c'est pire que le 3, c'est pire que le 2. C'est vraiment... C'est une horreur.
C'est, tu regardes le truc, tu fais, mais là, vous avez ni idée, ni passion. Vos personnages, vous en battez complètement les couilles. Le film est vide. C'est-à-dire que tu retiens rien. C'est vraiment le truc. Mais le film s'appelle Scream. Pas Scream 5, pas Scream. Et ça fait des blagues sur le côté que c'est une requel et que du coup, c'est la blague de machin. Mais c'est vraiment le niveau zéro. Ils ont tout refait. Ils ont fait Scream. Ils ont fait Candyman. Ils ont fait Massacre à la tronçonneuse. Ils ont fait Halloween. Qui est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce film aussi. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont tout fait. Ils ont fait Evil Dead. Ils ont fait le projet Blair Witch. C'est abusé, quoi. Il y a un moment, Ghostbusters, mais qu'ils ont quand même appelé Ghostbusters Afterlife. Non, je suis un ouf. Le 2016, il s'appelle juste Ghostbusters. Je suis un ouf. Ils ont fait Ghostbusters, du coup, effectivement. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont pas fait Avatar, parce que Avatar s'appelle Avatar The Way of Water, et c'est la suite de Avatar, et c'est le même réalisateur, et c'est un projet de longue date, donc c'est super. Ils ont fait Total Recall. Ils ont fait... T'as toujours pas vu Halloween Ends? T'es pas un peu curieux de le voir? Je vais le regarder dans pas longtemps, Halloween Ends. Je repousse... Oui, ils ont fait Silent Night, Deadly Night. Ils ont fait Black Christmas. Ils ont fait... Mais c'est genre, tu fais, mais putain, mais vous... C'est... Ouais, c'est cool. Tu sais, ils vont refaire genre... Est-ce que tu comparerais ça au film qui reprenait les... Non, 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 je compare pas ça à Sergio Leone et Kurosawa. Peut-être qu'un jour, je parlerai de Sergio Leone et Kurosawa, et non, c'est pas du tout pareil. Ils ont fait Robocop, ils ont fait Top Gun Maverick, c'est une suite, et je crois que c'est vraiment bien, je l'ai pas vu. Je crois que c'est vraiment bien. Alors, Hellraiser aussi, apparemment, c'est pas trop mal. Après, il y a quelques films que j'ai trouvé pas trop mal, hein, dans ce délire-là. Mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, ils ont fait Fright Night, effectivement. Vampire, vous avez dit Vampire. Ils ont fait quoi? Non, Dredd, c'était cool, et Dredd, c'est pas ça. Dredd, c'est une réadaptation de la BD, et ça s'appelle juste Dredd. C'est pas Judge Dredd, et ça n'a rien à voir avec le film de Stallone. Donc voilà, ils ont fait Top Gun Maverick, ils arrêtent pas de faire des clins d'œil au premier. Ah ouais, je l'ai pas vu, Maverick, toujours pas, parce que j'attends, parce qu'il faut, j'ai envie de me faire un double feature avec le premier et le deuxième. Et du coup, comme je l'ai raté au cinéma, je vais me le mater sur mon projo, tranquille, je chopperai le Blu-ray. Voilà. Mais vous savez, en plus, ces films, ils sont tellement... Là, je vous jure, c'est vrai, ils sont tellement jetables, c'est tellement des produits jetables. Là, j'ai relancé Blair Witch, le remake, enfin le remake, pas le remake, c'est une suite, mais le film il s'appelle Blair Witch. Je l'ai relancé parce que je me suis dit, tiens, faudrait que je le matche, je l'ai pas vu. Et en fait, si, je l'avais vu. Je m'en suis rendu compte à peu près à partir de 40 minutes de film. Et du coup, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé. Yeah, yeah, whoop, whoop, tu me dis, Turbo Ser, merci beaucoup à toi pour ton sub. Et d'ailleurs, merci aussi à toi, Castor Garou. Et merci à Asmatak aussi pour les subs. Et merci à Malfir, je crois pas t'avoir remercié. Gros bisous à toi. Voilà. Il y a toujours eu ça dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma américain, King Kong, Dracula. Oui, mais pas de façon aussi industrielle, quand même. Tu vois, il y en a eu... En plus, c'est sur le temps court, et ils bombardent. Tu vois, ils bombardent, ils arrêtent pas, quoi. Genre, c'est oui, bien sûr qu'il y a toujours eu. Il y a eu des remakes, il y en a toujours eu. Ça, c'est pas le problème. Mais et puis il y avait, en fait, c'est juste que là, c'est, si tu veux, c'est toujours le même propos aussi. C'est toujours, ah, vous vous souvenez, c'était pas ouf, mais en même temps, ah ouais, vous vous souvenez, c'était marrant. Il y a pas grand chose à dire en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que Halloween amène grand chose à Halloween en fait. C'est pas une réadaptation des thèmes. Enfin, après oui, je disais sur Halloween Ends, j'attends de le revoir, je repousse le truc parce que je suis sûr que je vais détester en fait, de ouf. Je suis sûr que je vais trouver ça horrible. Parce que là, ça clôt le truc, mais en fait, Halloween Kills, j'ai trouvé que c'était tellement n'importe quoi que pour moi, ils ont pas de porte de sortie. En fait. Parce que c'est en fait, soit ils nient tout ce qu'ils ont fait dans le 2 et le 1, dans Halloween 1 et 2. Il va y avoir un abandon, c'est sûr. Et je me demande comment ils vont l'abandonner. Je suis sûr qu'ils vont abandonner le 1 et le 2, le Halloween et Halloween Kills, c'est certain, parce que c'est une impasse, ce qu'ils ont fait. C'est comme quand j'avais vu Star Wars 8, en fait. Je me suis dit, mais il n'y a pas de sortie à ça. Parce que visiblement, vous ne savez pas ce que vous faites, en fait. Vous n'avez aucune idée de où vous allez. Vous êtes en train d'improviser des trucs, ça se voit de ouf. Vous êtes en train de prendre la température pour voir si les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux, ça se voit de ouf. Et du coup, en fait, vous êtes dans une impasse. Parce que vous n'avez pas réfléchi votre film avant, en fait. Vous avez pas, enfin, votre trilogie. Et du coup, là, c'est pareil. Halloween Kills, à la fin du film, soit le film assume ce que Halloween Kills est en train de proposer, et ça veut dire que Halloween Kills va s'inspirer de Dragon Ball Z et va être un espèce de combat avec de Jamie Lee Curtis et Michael Myers qui ont des super pouvoirs et qui s'envoient des boules de feu. Et qui du coup se battent comme ça, et du coup il va y avoir des trucs où Michael Myers comme ça il évite dans les airs et il tire des boules de flammes comme ça. Soit ils font ça, soit ils abandonnent tout en fait. Et du coup, comme j'imagine qu'ils vont pas faire ça parce que sinon tout le monde en aurait parlé et je l'aurais su, je pense qu'ils vont complètement abandonner ce qu'ils ont proposé. Et je veux voir à quel degré ils vont abandonner ce qu'ils ont proposé. Parce que c'est une impasse en fait la fin d'Halloween Kills.
Il y a pas possible, c'est pas, tu peux rien faire en fait. Par contre, s'ils font vraiment ça et que je le sais pas, s'ils font vraiment un truc où il y a Michael Myers qui commence à léviter comme As, qui enlève son masque. Non, tu te rends compte, c'était pas un masque. En fait, c'était vraiment son visage. Et le mec a des super pouvoirs. Et genre, il arrive à contrôler le métal comme ça. Et du coup, il lance les couteaux, en fait, les couteaux de cuisine. Maintenant, il les lance comme ça. Et du coup, Jamie Lee Curtis, elle avance avec un bouclier comme As. Et soit ils font ça. Et auquel cas, franchement, pourquoi pas. Je suis capable d'admettre ça comme au moins une vraie démarche originale et intéressante. Mais sinon, c'est mort. Tu peux pas. Et vous dites ce que je dis, c'est un peu abusé. Regardez Candyman. Regardez la fin de Candyman. La fin de Candyman, c'est Candyman. Ils se sont dit Candyman, Docteur Manhattan. C'est à peu près pareil, finalement. Ça rentre. Allez, vas-y. Ouais. Candyman. Kamehameha Candyman. C'est fou, hein, mais je. Voilà. Après, Candy Manhattan. Il y a un peu de ça. Karim, je l'ai vu et Halloween Ends porte bien son nom. La franchise est bel et bien finie et enterrée. Moi, je veux voir ça parce que ça, c'est tellement le. Et moi, j'étais troublé parce qu'à l'époque, je me souviens quand Halloween 2016, 2018, je sais plus, quand le premier Halloween remake de David Gordon est sorti, il y avait des gens quand même qui me défendaient le truc en me disant mais c'est intéressant. Et moi, je trouvais que je disais mais ah ouais, intéressant. Parce que moi, je préfère Halloween 20 ans après en fait, à Halloween tout court. Donc je me disais mais d'accord, bon bah ça intéressait, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, voyons ce que la suite propose, parce que pour moi c'est l'œuvre de quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait en fait, Halloween, qui comprend un peu, qui a envie de te montrer qu'il a compris les thématiques de fond de l'œuvre originelle, visiblement, mais qui sait pas trop quoi faire avec, et qui est un peu dans une espèce d'entre-deux un peu chelou. Et du coup je me suis dit mais d'accord, peut-être j'ai pas capté un truc, voyons le 2. Et j'ai vu le 2 et j'ai fait non mais attendez, j'avais dit, il a rien capté en fait, il fait n'importe quoi. Le mec est en roue libre totale, il comprend pas trop ses personnages, il sait pas où ça va et tout. Il essaye de faire des métaphores, mais de schlag de ouf, hein, dans Halloween Kills quand même, cette métaphore sur le côté un peu la vengeance populaire, les trucs, les thèmes de Frankenstein en fait, qu'il essaye de... mais qu'il comprend pas complètement non plus, qui ont rien à voir vraiment avec la licence Halloween, c'est pourquoi il les met là. Et moi, le 3, je suis sûr qu'il va se foirer. Je suis sûr. Vraiment, j'en suis certain. Et j'attends. Et du coup, je repousse en me disant, il va se foirer. Mais là, il faut que je le mate, quoi. Vous avez raison, hein. Il faut que je mate Halloween Kills pour être vraiment mort de rire. Je vous ferai un live spécial Halloween Kills. Halloween Ends, pardon. Je me trompe. Où on parlera, du coup, de cette trilogie complètement ouf. J'ai revu Halloween 3 il y a pas longtemps. Où je me suis dit, tiens, c'est cool, en fait. J'avais pas revu depuis longtemps. Je savais que c'était cool. Dans ma tête, c'était cool encore Halloween 3. Mais je l'ai revu, je me suis dit, tiens, c'est cool, c'est un petit bis des années 80, un peu hardcore hein, parfois, il vous montre des trucs vraiment un peu vénères et tout. Il y a des moments même où tu dis, putain, violence sur les gosses et tout, tu fais, waouh, ça devait être, c'est hardcore, c'est un peu hardcore. Mais je me suis dit, tiens, très intéressant. Et j'ai repensé à toute la saga Halloween, et je me suis dit, mais en fait, il y a que, c'est la seule, à part le premier qui est un chef-d'œuvre, mais à part le premier, en fait, c'est le seul truc bien d'Halloween, c'est Halloween 3, quoi. Et si le premier Rob Zombie, on peut le défendre comme étant un peu intéressant, mais c'est pas vraiment Halloween. Ça va détourner en fait ce qu'est Halloween, je sais pas. Mais le cinéma d'horreur, pour moi, il y a aussi tout un truc à faire sur le néo-cinéma d'horreur, sur le cinéma d'horreur comme il existe aujourd'hui, où il y a vraiment maintenant des clans, ou des guerres de clans à différents types de cinéma d'horreur. Tout se polarise de façon assez évidente, où tu as plusieurs types de cinéma d'horreur qui sont imposés, et il n'y en a aucun qui me convient complètement. Et du coup, mais ce serait intéressant à décortiquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons films d'horreur. J'ai vu Barbarian, j'ai trouvé ça sympa, hein. J'ai été déçu par rapport à ce que les gens avaient dit sur le film, en mode c'est génial, c'est le renouveau et tout, machin, c'est incroyable, c'est le meilleur film d'horreur de ces 10 dernières années. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est un film d'horreur sympa, ça se tient. Et la première partie du film est vraiment cool et ça joue sur tes attentes de façon un peu astucieuse. Après, ça retombe, je trouve. C'est un peu dommage. Deuxième moitié de film moins intéressante pour moi. Mais c'était pas trop mal. J'ai pas vu X encore. Apparemment, c'est pas mal. Les gens mais pareil. Alors, c'est peut-être les gens me survendent les trucs à moi, en fait. Parce qu'ils disent, le mec aime bien les films. Et donc, celui-là, il va kiffer et tout. Mais moi, X, on m'a dit, ouais, c'est un super. Une relecture de Massacre à la tronçonneuse, c'est top. Deadstream, on m'a dit, c'est vraiment super. C'est un renouveau du found footage, c'est top. Je les ai pas encore vus, Deadstream et X. Je les materai, hein. Mais je vais être un peu déçu, j'imagine, forcément, quoi. Mais. Ouais, Elevated Horror versus Slasher versus film à gros budget. Moi, j'avais bien aimé Malignant, que j'avais trouvé un peu généreux, au moins dans toute sa dernière partie, en fait, où je m'étais dit, tiens, il s'amuse. Alors, ça fait pas très peur, hein, mais il s'amuse. Et ça, j'avais trouvé ça un peu cool. Penses-tu qu'ils feront revenir la saga Vendredi 13? Alors, il y a déjà un Vendredi 13 remake. C'est Marcus Nispel, si je ne m'abuse d'ailleurs, qui l'a réalisé. Je suis pas certain de ce que je dis.
Je sais plus. Mais il y a déjà un Vendredi 13 qui s'appelle Vendredi 13 et qui est un remake du premier. Mais qui date d'un peu avant la mode. Tu penses quoi de Dupieux? Dupieux, globalement, je trouve que c'est un très bon réalisateur. Ça me fait plaisir de voir ses films. J'ai pas vu le dernier Fumer fait tousser. Voilà. Hereditary est pas mal, effectivement. C'est pas mal. J'ai préféré Midsommar, tu vois. Ça reste classique, X, rien de nouveau. Ouais, mais tu vois, mais moi, on m'a dit, ouais, c'est top. Arthur Malédiction, tu pourras pas être déçu. As-tu apprécié Hereditary et Midsommar? J'ai beaucoup aimé Midsommar, même. J'avais trouvé ça cool. Il y a des scènes que je trouve vraiment chouettes dans Midsommar. Mais après, moi, c'est le genre de film que j'aime bien. Comment s'appelle ce genre les Wickerman-like, quoi. C'est le genre de film que je trouve cool. Même si je le trouve un peu trop, justement, héritier de je trouve un peu trop... C'est un peu trop proche de Wickerman, en fait, simplement. C'est un peu trop proche de ce type de film-là. C'est quand même pas mal. C'est mieux que pas mal. J'ai trouvé ça vraiment bien, Midsommar. Mais ça aurait pu peut-être un peu plus se détacher, un peu plus trouver sa personnalité. Là, il y a des moments où je trouve qu'il est un peu trop dans ce truc-là. Mais j'ai quand même vraiment aimé l'expérience. Et il y a des moments qui m'ont fait flipper un peu. Je trouvais ça cool. J'ai vu quoi comme film récemment dans... J'ai revu quoi j'ai... C'est... Merde. Dagon. Comment il s'appelle, putain? Ah, je suis fatigué. Je vais oublier tous les noms des trucs. C'est pas grave. Adaptation de Lovecraft. Mais pas adaptation de Dagon de Lovecraft. Je dis Dagon parce qu'on m'a fait remarquer, on m'a dit ouais, mais tu prononces pas bien Dagon, tu prononces Dagon alors que c'est Dagon. Et j'ai dit ah ouais, bon, je sais pas, je le lisais en fait, j'avais pas cette notion là. Mais c'est merde. Ah putain, comment il s'appelle ? Stuart Gordon. De Stuart Gordon, qui est un peu hein, finalement un truc dans ce. C'est pas une adaptation de Dagon, pardon, c'est une adaptation de Dawn Witch Horror, mais qui est un film pas ouf, qui est hyper cheap en fait, qui est vraiment zéro budget. C'est vraiment, je crois, c'est le début des années 2000 et c'est zéro budget. Mais j'avais envie de me remater ça parce que je le voyais traîner sur le site et ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je me suis dit, tiens, je le mate, je sais plus sur quelle plateforme de streaming c'est. Mais du coup, je me le suis rematé. Bon, visuellement, c'est hyper cheap en termes de mise en scène, c'est franchement pas digne du tout de Stuart Gordon en termes de pure fabrication, quoi. Mais il y a des moments assez rigolos dans le film quand même. Ça essaie d'être un peu généreux. Bon, c'est pas terrible. Je le défends pas comme un bon film. Hein, c'est vraiment pas ouf. Mais du coup, c'était parce que ça me faisait penser à Midsommar, parce que c'est le trope du personnage qui arrive dans un petit village où il y a une secte. Voilà, c'est le délire de Dagon. Que me dites-vous? Merci beaucoup à toi, Violet 0055. Les lave-linges durent plus longtemps avec Dagon, effectivement, tout à fait. Voilà, pour moi, le seul Dagon, c'est celui de Elder Scrolls, mais c'est une référence de toute façon à Lovecraft. Hop, Dagon, je connais, c'est pour tuer les, c'est pour tuer les moustiques. Niveau horreur, les films de Pascal Laugier sont géniaux. J'aime beaucoup Pascal Laugier, effectivement, c'est quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il a fait récemment, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un Pascal Laugier. Je l'ai rencontré il y a très longtemps, Pascal Laugier. Bien avant que je fasse Crost, machin, etc. C'était à l'époque où je voulais faire une émission de télé à l'époque sur le câble et je m'étais maqué avec une chaîne câblée, ça n'a rien donné, mais bien avant que je fasse des émissions sur Internet, je voulais faire une émission de télé. Et donc j'avais interviewé avec un ami à moi, Pascal Laugier, qui est quelqu'un de très intéressant. Très intéressant et qui a une vision de l'horreur qui est très noble et très intéressante aussi. C'est quelqu'un de très sympathique. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Non, c'était pas du tout No Life. Non, c'était une toute petite chaîne de locale. Voilà, je suis très fan des films de John Carpenter. Les as-tu aimés? Oui. Je dis ça, mais j'ai beaucoup parlé de Carpenter, c'est un de mes cinéastes préférés. Donc je suis très fan de John Carpenter. J'ai vu absolument tous ses films. Tous ses longs métrages cinéma, en tout cas, je les ai vus. Je n'ai pas vu son deuxième de Master of Horror. J'ai vu Cigarette Burns, du coup. Que moi je trouve sympa. Il y a plein de gens qui aiment pas Cigarette Burns. Moi je le trouve sympa, même si effectivement ça fait un peu parodie de Carpenter parfois, mais je l'aime bien. Mais je n'ai pas son deuxième, j'ai oublié le nom. Il a fait un deuxième pour la deuxième saison de Master of Horror. Je l'ai pas vu celui-là. C'est le seul truc, je crois, de Carpenter que j'ai pas vu. En tout cas, c'est le seul. Enfin, en long métrage cinéma, je crois que j'ai tout vu. Je crois que j'ai tout vu de Carpenter. Et je trouve que c'est fantastique. Voilà. Je trouve que c'est un des plus grands génies de l'histoire du cinéma. Voilà. Suite à ton NTSC, j'ai rematé Dreamcatcher. Dreamcatcher, toujours aussi sympa. C'est chelou, Dreamcatcher. Il y a des trucs dans Dreamcatcher où tu fais « Waouh !» Il y a beaucoup de caca quand même hein, dans Dreamcatcher, on va pas se mentir.
Il y a aussi la couleur tombée du ciel, effectivement, dont j'ai déjà parlé. Alors, je vais vous laisser là, les amis, parce que j'ai vu qu'il est 21h39. J'avais dit que j'arrêtais à 21h30. Donc, on va se quitter, mais on se retrouve demain, peut-être dans l'après-midi. En tout cas, le soir, c'est sûr, parce que je vais faire un stream avec mes amis Fred et Seb sur Baldur's Gate 3. Normalement, on va commencer Baldur's Gate 3 ensemble. Et je pense qu'on va continuer. Il m'a dit qu'il y a une dizaine d'heures de jeu dispo, parce que le jeu n'est pas sorti. Mais il y a la démo qui est dispo. Et du coup, apparemment, il m'a dit, Fred, il y a déjà au moins une dizaine d'heures de jeu cool à jouer. Et ça fait un moment qu'il veut jouer à Baldur's Gate. Moi, je connais très peu les Baldur's Gate, j'ai un peu joué quand même au 1 il y a très longtemps, mais j'ai plus trop de souvenirs. Ça a l'air vraiment top et j'ai vraiment envie de jouer à ça, et notamment avec des potes. C'est un jeu qui, je pense, peut être vraiment cool en multijoueur. Donc on jouera à ça le soir, et peut-être qu'on fera un petit stream. De toute façon, je vous le dis, en ce moment je taffe pas, donc du coup je vais avoir pas mal de temps à consacrer au stream, et je pense que je reviendrai assez régulièrement dans les jours qui viennent pour vous tenir un petit peu au courant de ce que je fais, de ce qui se passe, pour avoir ce genre de conversation absurde sur la nutrition et Avatar et le cinéma d'horreur. Voilà, donc je pense que le 3 a pas grand chose à voir avec le 1 et le 2. Et bah, écoute, on en parlera, ça peut être cool. Je vous embrasse en tout cas très très fort. Tu me dis bonne soirée Karim, et encore bravo pour la partie nutrition essentielle. Merci beaucoup. C'était que des banalités. J'ai absolument rien dit d'intéressant pour les gens qui sont un peu renseignés, mais c'est toujours bien de le dire. Faites gaffe à vous, bossez pas de la merde, vous faites pas avoir par des mecs, des vieux quarantenaires qui se déguisent en tigres de dessin animé pour piéger des gosses. Vous faites pas avoir par ces trucs-là. Hop, soyez... Hop, conscient de ce que vous bouffez. Si vous bouffez de la merde, faites-le, j'ai aucune leçon à vous donner, mais par contre, faites-le en connaissance de cause, et c'est cool. Voilà, gros bisous à vous, je vais raid quelqu'un. Ça peut toujours faire plaisir, un petit raid. Un petit raid bourré. Il y a Canard PC qui stream Dwarf Fortress. Donc je raid Canard PC. Je vous embrasse très très fort, vous leur faites des bisous de ma part, et je reviens demain pour de nouvelles aventures. Et dans les jours qui viennent, je serai régulièrement là. On va faire plein de trucs, jouer à plein de jeux, parler Cinoche, parler plein d'autres sujets si vous voulez, si ça vous intéresse, regarder des trucs et d'autres. Voilà, gros bisous à vous, à tout bientôt, ciao ciao, à demain.